J'ai survécu 100 jours en hardcore sur Minecraft, enfermé dans une bordure de 1 x 1 bloc. Mais rassurez-vous, chaque jour, cette bordure augmentera de 1 bloc supplémentaire, me permettant alors d'échanger avec des villageois, de construire de magnifiques structures et de collectionner des moutons de couleurs différentes. Mais également, attendez, 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 j'en dis un petit peu trop là. Je pense que je vais vous laisser découvrir comment j'ai survécu 100 jours en hardcore dans une bordure de 1 bloc par 1 bloc. Abonnez-vous et lâchez un like si la vidéo vous plaît, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Bon bah voilà, bienvenue dans mon nouveau monde. Un monde composé uniquement d'un seul bloc dans lequel je ne peux m'échapper et dans lequel je vais devoir survivre 100 jours. Euh qu'est-ce qu'on pourrait faire Ah <laughs> oh non, l'arbre il est trop loin, je peux même pas l'avoir. Ah je suis complètement bloqué. Bon, si jamais la barrière augmentera de un bloc chaque jour, normalement. Il va donc falloir que j'attende le jour 2 avant que la barrière augmente petit à petit. Euh, ce qui risque d'être un petit peu long, je vous avoue. Attendez, il faut combien de blocs pour avoir l'arbre J'ai l'impression qu'on aura accès à du bois que au jour 3 ou 4. Ça risque d'être terrible d'attendre. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a un village juste là. À part là-bas, il n'y a pas l'air d'avoir de source d'eau à proximité. Et euh, bah je ne peux rien casser au-delà de ce bloc dans lequel je suis enfermé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire à part attendre le jour 2. Je vais essayer de péter quelques blocs en dessous de moi. Et voilà, je suis bloqué. Je ne peux rien faire de plus. Bon bah écoutez, j'ai l'impression qu'il va seulement falloir attendre que les jours défilent pour que je puisse enfin avoir accès à cet arbre. Je pense que je vais simplement m'enterrer. Ah, je peux même pas poser de blocs au-dessus de moi. Oh d'accord, ok, je suis complètement bloqué quoi. Je vais rester dans ce trou et on va espérer que des monstres ne tombent pas dessus en attendant les prochains jours et que la barrière augmente. Bon, on dirait que la barrière a enfin augmenté. On va donc pouvoir remonter, regardez-moi ça, il fait jour, par contre j'ai un invité surprise qui s'est incrusté dans mon trou. Et malheureusement, si je veux remonter, il faut que je pose des blocs, donc mon ami, voilà, je suis désolé, tu vas mourir. Écoutez, il avait qu'à pas venir dans mon trou, c'est tout. Bon, comme vous pouvez le voir, il m'a donné une ficelle, c'est plutôt cool. Et on va enfin pouvoir remonter à la surface. Ok, let's go. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus que la veille Eh bien, toujours pas. Je suis toujours autant bloqué au même stade. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien à faire. En plus, l'arbre, je pourrais l'avoir dans 1, 2, dans 3 jours. Oh, c'est terrible, les gars. Il y aurait possiblement l'herbe qu'on pourrait récupérer. Ça serait cool pour avoir de la nourriture, des cides. Mais en attendant, la première chose qu'il nous faut, c'est cet arbre. Écoutez, on va profiter de ce jour pour un peu aménager notre base. Notre base qui n'est pas encore une base, évidemment, mais qui va en devenir une. Je l'espère. Il n'y a absolument aucune utilité à creuser. Mais écoutez, il faut bien trouver quelque chose pour s'occuper. D'ailleurs, je vais essayer d'éviter de prendre des dégâts, de trop courir, etc. parce que ma barre de bouffe est encore pleine et j'y tiens vraiment à ma barre de bouffe. Parce que clairement, là, on risque d'être en manque de nourriture très, très prochainement. Bon, voilà. Voici ce que j'ai pu faire. C'est une œuvre d'art. Écoutez, j'ai jamais fait quelque chose d'aussi beau sur Minecraft. Bon, écoutez. De toute façon, j'ai rien d'autre de mieux à faire. Je vais continuer à rester pourrir dans mon trou. Je vais juste laisser un petit trou comme ça. Voilà, au cas où s'il y a un mob qui veut tomber, un squelette ou quelque chose comme ça, ça serait plutôt cool. Au moins, il tomberait là-dedans. Je pourrais le tuer et espérer avoir du bon loot. Ah, tada, tada. Oh Ok, bon j'ai l'impression que la barrière s'est enfin agrandie. Malheureusement je n'ai toujours pas accès à l'arbre. Oh par contre, par contre j'ai accès à des feuillages. Et j'ai également accès à un peu d'herbe. Est-ce que donnez-moi des seeds Malheureusement je n'ai pas de seeds ici. Peut-être ici Non, toujours pas. Ok, t'es mon dernier espoir. Un bâton, ok, pourquoi pas. C'est pas ce que je veux. Ok, nice. Une saplings, et c'est clairement la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir. Ok, bon là je suis encore bloqué. Le seul point positif c'est que maintenant on a une saplings. Voilà, parfait. On a enfin notre petite grotte aménagée. Bon, malheureusement, je suis toujours autant bloqué que lors des premiers jours. Euh, donc bon, les amis, je pense que je vais simplement retourner dans mon trou, hein, tel un lapin, tel un rat. Je vais rester enfermé là-dedans et on va attendre encore une fois le prochain jour. Mais il a été super rapide. Oh incroyable, les amis. Je viens à peine de sortir de mon trou et l'arbre a déjà poussé. Oh c'est une dinguerie. Ok, ok, là les gars, c'est la renaissance. On va enfin pouvoir avoir du bois. Bon, je vais essayer d'avoir quelques saplings par contre. Euh, S'il te plaît, mon ami, donne-moi des saplings. Par pitié. Oh non. Oh mince, j'aurais peut-être dû laisser. Oh Oh non, il y a une saplings... À... Oh non, elle va dispawn Oh non, c'est terrible Bon, tant pis, écoutez, on espérera de tout notre cœur que cet arbre nous donne des saplings. Bon, en attendant, il est temps de se développer. On va essayer d'économiser le maximum de bois possible. Je vais me confectionner déjà une table de craft et également une pioche. Voilà, et à partir de maintenant, je vais essayer d'économiser le maximum de bois possible. Donc, euh, je ne vais pas me confectionner de pelle déjà. On va tout casser à la main jusqu'à arriver à la cobble. Parfait, et maintenant, je vais essayer de récupérer un petit peu de cobble. Bon avec tous les sticks que j'ai à ma disposition, je vais me faire simplement une pioche je pense. Mais évidemment, on va pas du tout gaspiller, et je vais continuer d'utiliser celle en bois jusqu'à capette. Malheureusement, je vais pas pouvoir trop creuser non plus, j'ai bien peur que des mobs commencent à se là-dedans, il va falloir que je fasse attention. On est toujours bloqué au stade où je ne peux pas faire grand-chose avec les ressources que j'ai actuellement. Il va au moins falloir attendre que je puisse péter cet arbre et surtout récupérer des saplings. Et à partir de là, je pense qu'on sera tranquille. Bon bah ben, en attendant les amis, je sais pas trop ce que je peux faire de plus. Ça serait cool que je me fasse peut-être des charbons. On va garder un peu de bois avec nous quand même, histoire de de rester large, mais il va me falloir du charbon pour que je puisse me confectionner des torches. Et avec ça, on va pouvoir en mettre une ici, déjà. Je vais également en mettre une ici pour empêcher le spot des mobs. Et la dernière, je vais la mettre dans ma grotte pour éviter que des monstres apparaissent là-dessous. Et euh, bah, je pense qu'on va simplement attendre le prochain jour histoire de pouvoir avoir accès à cet arbre, ou du moins avoir accès à quelques feuillages supplémentaires. Ok, let's go, ça a encore augmenté. Je vais donc pouvoir sortir du trou et admirer ce magnifique lever de soleil. Bon, évidemment, on va pas rester là 15 ans à admirer le soleil. Nous, on a des choses à faire. On doit péter cet arbre dont nous avons toujours pas accès. Oh mon dieu, c'est terrible. Mais bon, nous avons quelques petites herbes supplémentaires. J'espère récupérer. Allez, pourquoi pas une petite seed. Allez, juste une. Ah, oh, toujours pas, sérieusement. Là, on a accès à presque la moitié de l'arbre. Allez, il nous faut une saplings. Ok, c'est bon, j'en ai eu une. Let's go. Et je vais essayer de récupérer d'autres saplings. Ok, nice, une deuxième. Bon, là, on est plutôt pas mal, je pense. Je vais en mettre un ici et un ici, comme ça. Mais à partir du prochain jour, on aura donc cet arbre-là à notre disposition. Et puis même maintenant, on a deux arbres qui peuvent potentiellement pousser. Bon oh, par contre ce qui est terrible c'est comme vous pouvez le voir ma barre de faim commence à baisser, il n'y a même pas d'eau à proximité, ceci dit ceci dit je pense que maintenant que nous avons une sécurité au niveau du bois on va enfin pouvoir commencer à passer aux choses sérieuses. Je vais donc me refaire du charbon et il va être enfin temps d'aller creuser un petit peu pour espérer trouver des choses intéressantes. Objectif trouver du fer, trouver du charbon et dans l'idéal trouver une source d'eau, même si euh, ça je vous avoue je suis un peu plus sceptique sur ce point là. Ok, je tombe sur mes premiers minerais et cette fois-ci c'est du lapis lazuli. Bon, malheureusement, il y a la moitié dont je n'ai pas accès. Mais bon, c'est plutôt cool, on commence enfin à avoir des minerais, des choses intéressantes. Mais malheureusement, je n'ai plus de torche, donc je vais éviter de m'enfoncer plus profondément. Mais notre arbre a poussé. <laughs> ça, ça me redonne le smile. Ok, une saplings. Bon, je vais profiter qu'il fasse jour pour un peu aplanir la zone parce que là, ma base n'est pas forcément très optimisée comme ça. Oh non, vous êtes sérieux. Non, une pomme. Oh non, c'est terrible. Ah là là, je suis voué à crever de faim là-dedans. Terrible. Il va falloir que j'aménage un petit peu ma base, donc je pense que je vais aplanir un petit peu le terrain dans un premier temps. Voilà, comme ça, c'est parfait. On a déjà bien plus de place. Ce qu'il faudrait que je fasse, ça serait une mini tour à mobs. Donc, je pense qu'à partir du milieu, je vais essayer de construire une grande tour, pouvoir me confectionner une plateforme là-haut, qui me permettra de farmer un petit peu des mobs, parce que j'ai un peu besoin de leur loot. Là, on va pas se mentir. Donc bon, je pense que je vais récupérer le max de terre et de cobble possible que j'ai à ma disposition, pour pouvoir commencer à créer la plateforme en l'air. Malheureusement, pour la plateforme en l'air, il va me falloir bah, soit des échelles, soit un sodo. Malheureusement, je n'ai pas de sodo. et je ne pense pas que j'aurai assez d'échelles pour aller très très haut. Euh, il faudrait que j'aille ouais, peut-être au moins à un. Stack de blocs de hauteur, ça pourrait être pas mal. En attendant, on va simplement continuer à agrandir un petit peu notre base en creusant et en récupérant de la cobble. Ok, début du jour 5. Je sors donc de mon trou et en 5 jours, nous n'avons... bah rien accompli. Effectivement, on n'a pas accompli grand-chose en 5 jours, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a enfin accès à cet arbre que nous attendions depuis le début. On va enfin pouvoir lui casser ses troncs, ça fait plaisir. Je vais laisser une bûche jusqu'à qu'on puisse avoir accès à tous les feuillages, au moins comme ça, si jamais il y a des pommes qui tombent, on pourra les récupérer par la suite. Parce que bon, le coup de la pomme qui tombe à l'extérieur de la zone, ça m'arrivera pas deux fois. On va pouvoir enfin planter des arbres supplémentaires. Oh et d'ailleurs, je vais essayer de récupérer... Oh nice Une seeds Enfin les... Let's go. On va enfin pouvoir avoir de la nourriture. Évidemment, je rigole. On n'a pas d'eau, donc on n'aura toujours pas de nourriture pour le moment. Bon, déjà, on va enfin pouvoir se confectionner quelques outils supplémentaires, notamment une pelle. et Je pense qu'avec cette pelle, je vais encore une fois aplanir la zone. Je pense que là, on est pas mal. Je vais simplement reboucher ici, avec notre accès à la grotte, en replantant évidemment tous les arbres. Je pense que maintenant, on va essayer de commencer à se confectionner des échelles, et j'en ai 33. Ok, je pense que 33, ça devrait être suffisant. Alors je vais prendre le milieu et il va falloir que je monte du coup de 33 blocs de hauteur. Ok, c'est bon, je suis arrivé à 30 blocs de hauteur. D'ailleurs, d'ici, on peut avoir un meilleur aperçu sur tout ce qu'il y a autour. Comme vous pouvez le voir là-bas, nous avons un mouton. J'ai l'impression que c'est le seul animal qu'il y a dans les horizons. Ici, on a une petite grotte. Là-bas, le village, je pense que le village, on pourra l'atteindre d'ici euh, une trentaine, voire une quarantaine de jours. Mais sinon, aux alentours, à part ça, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Ok, parfait. Et à partir d'ici, je pense qu'on va se confectionner simplement une plateforme sur laquelle les mobs pourront spawner et nous viendrons donc les cueillir tranquillement pour pouvoir récupérer leur loot. Voilà, parfait. Et normalement, comme ça, quand des mobs spawneront, je pourrais juste monter ici pour essayer de les tuer. Normalement, je devrais être en sécurité là-dedans, même si j'en doute fortement. En attendant, comme vous pouvez le voir, j'ai du bois qui commence à pousser, donc on va simplement récupérer en espérant avoir une pomme toujours, encore une fois. Oh, let's go! Une pomme Oh yes En vrai je pense que je vais attendre de descendre à deux de bouffe en moins, au moins comme ça je pourrais me rassasier complètement. Le mieux évidemment ça serait de réussir à avoir une deuxième pomme, ce qui est clairement beaucoup trop demandé à Minecraft. Je vais simplement attendre qu'il fasse nuit, et une fois qu'il fera nuit j'essaierai de monter là-haut pour voir si je pourrais pas avoir quelques loots supplémentaires. Bon bah maintenant il ne me reste plus qu'à attendre. Bon après avoir attendu quelques minutes il est temps d'aller voir s'il y a des mobs qui ont spawné, faisant attention évidemment. Oh yes Un zombie Allez viens là mon ami, tu vas mourir Allez donne-moi ta chair putréfiée Let's go, nice Ok, bon j'ai un petit peu de bouffe C'est mieux que rien j'ai envie de dire Écoutez, bah je vais essayer de faire ça toute la nuit En attendant que des mobs spawn Alors, est-ce qu'il y a des... Oh mon dieu, une araignée Oh a réussi à me toucher. Oh sérieux. Euh, je vais essayer d'être prudent en récupérant sa ficelle. Voilà, parfait. Malheureusement, je me suis bien fait moucher. Il va falloir que je mange un petit peu de la chair complètement putréfiée. C'est la seule source de bouffe que j'ai. Et avec cette ficelle, j'hésite soit à économiser pour me faire un lit, soit me faire une canne à pêche. Malheureusement, pour ce qui est de la canne à pêche, pour l'instant, je n'ai pas du tout de source d'eau à ma disposition. Donc ça risque d'être compliqué. J'ai donc accès maintenant à plusieurs herbes supplémentaires qui m'ont donné pas mal de seeds. J'ai donc 4 seeds au total. Et maintenant, on peut déjà commencé à faire une petite délimitation qui me permettra de pouvoir construire ma base à l'avenir par-dessus ces fondations. Bon, j'ai pas mal de saplings sur mon territoire et maintenant que j'ai délimité la zone, il va falloir que je récupère un max de cobble pour pouvoir augmenter les murs et enfin être tranquille lorsque la barrière continuera d'augmenter. Je suis en quelque sorte en train de me confectionner une zone safe dans une zone qui est bah déjà safe. Bref, il est temps d'aller farmer un petit peu de cobble. Là je pense que je serai un petit peu plus en sécurité au cas où. Bon en attendant qu'il fasse nuit, moi j'ai mis à cuire un petit peu de charbon comme vous pouvez le voir. Et grâce à ça je vais pouvoir donc me confectionner un max de torches et donc repartir miner en profondeur en espérant absolument trouver du fer. Oh d'ailleurs le lapis ici est maintenant disponible, je peux le récupérer. Oh là 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 là, d'ailleurs regardez sur quoi je viens de tomber J'ai l'impression qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau effectivement Attendez ça peut être incroyable là si on a de l'eau juste en dessous Bon par contre j'entends un max de mob Et ça ça ne me plaît pas vraiment J'ai pas l'impression qu'il y ait de mob Oh il y a du fer ici oh, ok j'ai une méga source d'eau juste là Alors où sont les monstres Oh mon dieu il est là oh, Le zombie il est là je sais pas si vous l'avez vu J'ai l'impression qu'ils peuvent pas vraiment venir étant donné qu'il y a de l'eau Donc euh, je vais simplement créer une barrière Voilà j'ai pas envie qu'ils viennent m'embêter Et d'ailleurs ici nous avons nos premiers lingots de fer Malheureusement j'en ai que un à ma disposition Il faudra que j'attende le lendemain pour avoir les deux autres Et donc pouvoir me confectionner un seau euh, Donc bon je pense que En attendant je vais simplement remonter à la surface On a déjà fait une très très bonne découverte avec cette grotte Je vais aller voir là-haut s'il n'y a pas des petits mobs qui ont spawn Histoire d'avoir un petit peu de loot Oh mon dieu. Est-ce que vous l'avez vu le creeper Non. Oh, oh mon dieu. Oh, j'ai pris super cher. Regardez-moi cette flèche en plein dans l'épaule. Oh mon dieu, je souffre. OK, en plus regardez-moi ça, il y a une araignée là-haut. Oh, c'est terrible. Bon, je vais clairement pas y aller. On va attendre qu'il fasse jour histoire que tous les mobs brûlent. Là, c'est clairement trop trop dangereux. Est-ce que vous avez vu le creeper suicidaire Ah, je vous avoue là, je suis tellement mal les gars, il, il me reste 6 cœurs. J'ai même pas de bouffe pour essayer de régén. Il y a pas une pomme là qui veut tomber Yes. OK, c'est bon. C'est bon, je vais pouvoir régéner un petit peu. En attendant, je vais simplement rentrer dans ma grotte et attendre que le jour se lève, comme un lâche, comme d'habitude. Allez, j'espère qu'il n'y a pas de creeper, pitié, pas de creeper, pitié. Le squelette, normalement, il a brûlé. Euh... Ok, ok, c'est bon, il n'y a plus de mobs. Oh mon dieu, mais il sortait d'où? Les gars, on est d'accord, il n'y avait pas de creeper, il est apparu comment? Oh, C'est complètement dingue ce qui vient de se passer, je viens de frôler la mort littéralement. Euh, bon, cette plateforme ne me sert clairement plus à rien, je pense que je vais la péter. De toute façon, normalement, on devrait avoir accès à de la nourriture très bientôt, étant donné que je vais pouvoir me confectionner un seau d'eau. Ok, j'ai donc récupéré les quelques morceaux de fer qu'il y avait ici, j'en ai donc 4 maintenant. Avec ce fer, je vais donc me confectionner un seau et un bouclier. Bon maintenant je vais aller récupérer une source d'eau normalement je devrais... Oh non je peux pas Oh mince Je pensais que je pouvais me faire une source d'eau mais en fait non pas du tout. En fait la source elle est bien plus haute. Oh non mince Oh c'est terrible ce qui se passe. J'ai cru que j'avais accès à plusieurs sources d'eau ici mais non pas du tout. Ok bon il va donc falloir que j'aménage un petit peu cette zone pour pouvoir y planter toutes mes plantations. D'ailleurs avec le territoire qui a augmenté normalement je devrais avoir quelques sites supplémentaires. Bon, bah maintenant je vais pouvoir planter toutes mes graines et attendre qu'elles poussent pour manger. Il va me falloir rapidement de la nourriture, les gars, si je veux pas mourir de faim. Parce qu'il me semble qu'en hardcore on peut mourir de faim. Il va donc falloir que je limite au maximum mes efforts. Et pour ce faire, je vois pas 10 000 solutions. Alors il me semble que normalement j'ai deux ficelles, voilà, grâce au chat et à l'araignée. Je vais donc pouvoir me construire une canne à pêche. Tac. Et je vais espérer pouvoir pêcher dans la source d'eau qu'il y a en bas. Bon, bah il ne me reste plus qu'à prier en espérant que ça fonctionne. Ça fonctionne. Oh, let's go. Let's go, je vais pas mourir de faim. Yes euh, On va partir sur une séance de pêche intensive. Je vais essayer de m'en sortir avec 4 ou 5 poissons. Et après on ira tous les faire cuire à la surface. On est donc au jour 7. Et à ce jour, je n'ai plus besoin de nourriture. Je devrais être autosuffisant. Du moins jusqu'à ce que ma canne à pêche se casse. OK, au final, voici ce que la pêche a pu me donner. 5 poissons et deux pufferfish totalement inutiles. Voilà, je vais vous laisser crever à l'air libre. Bon, pour éviter de gaspiller du charbon pour rien, je vais me confectionner un feu de camp et je vais simplement y faire cuire mes poissons. Ah, nice. Let's go. Bon, là comme il pleut dehors, je me suis littéralement enfermé dans ma grotte. Je vais attendre que mes petits poissons chéris cuisent. Regardez-moi ces poissons. Regardez-moi cette cuisson parfaite, à point. J'appelle ça cuit à point. Ah Libération ça c'est une bonne chose de fait. Malheureusement, comme il fait nuit dehors et que j'ai rien d'autre à faire à vrai dire, je vais simplement retourner passer la nuit à pêcher tout simplement. On se retrouve donc au prochain jour. Ok bon encore une fois, résultat de la pêche assez foireux, <laughs> on va pas se mentir, j'ai encore eu pas mal de puffer fish. Euh, alors du coup, on peut remonter à la surface, tous mes arbres ont poussé, on va partir sur un peu de bûcheronnage. Bon par contre il va falloir que je sois prudent étant donné qu'il pleut les mobs je crois peuvent spawner donc il va falloir que je fasse un peu attention on va bien éclairer la zone je vais essayer de sortir en plus regardez moi ça ouais le territoire a un peu augmenté depuis la dernière fois ça fait deux jours là on va donc pouvoir faire quelque chose de sympa d'abord il va falloir un petit peu augmenter la taille de ma tour parce que ici elle protège absolument rien il y a toujours pas d'animaux ou quelque chose comme ça dans les horizons qui veut venir dans mon trou là euh, on dirait pas malheureusement maintenant que ça s'est fait il va bientôt falloir aussi commencer à décorer notre tour parce que là elle paye vraiment pas de mine et dans un premier temps je vais délocaliser tous les arbres de ma base en effet j'en ai un peu marre que tout pousse ici regardez moi ça c'est complètement le bordel je vais donc en profiter de l'espace qu'il y a juste derrière ma muraille pour y planter tous mes arbres au moins comme ça j'ai énormément de place et tout cet espace pourra me permettre de décorer ma base et d'être enfin tranquille de ne pas être embêté par ces milliards de feuillages qui envahissent mes terres, ceci dit comme vous pouvez le voir je commence à avoir vraiment pas mal de bûches de bois dans mon inventaire, j'ai également pas de cobble et quelques petits trucs intéressants par-ci par-là. J'ai d'ailleurs récupéré un morceau de cuir lors de ma pêche. Je vais profiter des quelques blocs que j'ai à ma disposition pour décorer un petit peu ma base. J'aimerais bien faire tout plat autour, au moins comme ça je pourrais construire convenablement. Toutefois, comme vous pouvez le voir, il va commencer à faire nuit. Et clairement, je ne vais pas rester dehors en pleine nuit en sachant que les fantômes peuvent spawn d'une minute à l'autre. Je vais juste éclairer un petit peu la zone autour de ma base pour éviter que des mobs sans âme spawn. Et je vais retourner m'enterrer. J'ai mon premier blé qui a poussé, c'est incroyablement nul. Effectivement, qu'est-ce que je vais faire avec un morceau de blé, moi Ceci dit, la pêche, elle, a été fructueuse. Normalement, le soleil devrait s'être levé. Ouais, voilà, parfait. En plus, quelques arbres ont poussé, c'est littéralement parfait. Je vais donc pouvoir aplanir maintenant toute la zone autour de ma base pour la décorer convenablement. Voilà, parfait. Là ça rend déjà bien mieux. Bon maintenant, il va falloir que je décore un petit peu ma base. Et pour la décorer, je pense qu'on va d'abord rajouter un petit peu de relief sur les tours. Enfin sur les côtés, je veux dire. Tac, comme ceci. En faisant ça sur les quatre côtés, comme ça, ça donne déjà beaucoup plus de style à la tour. Et maintenant il va falloir décorer le tout en utilisant beaucoup de bois que j'ai récupéré normalement en énorme quantité grâce à mes arbres. Voilà, parfait, j'ai plus d'un stack ennemi. Et, et je vais également utiliser de l'andésite pour un peu plus de relief. Malheureusement, il va déjà bientôt faire nuit. C'est terrible, les gars. C'est terrible parce que je peux pas jouer la nuit à cause des fantômes. Regardez moi ce stuff de merde que j'ai. Comment voulez-vous que je survive face aux fantômes? Alors je pense que je vais faire un truc comme ça sur les quatre côtés en ajoutant tout simplement des bûches de bois. Bon, par contre, je sens que les fantômes vont pas tarder à arriver. Donc, je vais aller vite m'enterrer et on finira la décoration demain parce que là, c'est beaucoup trop dangereux pour moi. En effet, il faut que je rentabilise bien vite cette canne à pêche avant qu'elle tombe à court. Donc, c'est parti, rebelote. Ok, jour 10. Nous avons donc accompli un dixième de l'aventure. Et en soi, on n'a pas fait grand chose d'extraordinaire. Bref, en tout cas, les arbres commencent à pousser et on en était à la décoration de notre petite tour qui va falloir terminer aujourd'hui. Alors déjà, les barrières, je pense que je vais les mettre dans les coins, comme ceci. Ça rend super bien. Tac 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 tac-tac, tac, tac, tac. Nickel. Et pour ce qui est du haut, on va simplement faire. Hop, des murets comme ceci avec, je pense, des petites trappes comme cela. Bon, par contre, malheureusement, comme vous pouvez le voir, les arbres empiètent totalement sur notre muraille. Je suis pressé que la zone augmente pour qu'on puisse enfin planter nos arbres un petit peu plus loin et qu'ils arrêtent de gêner mes constructions. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, bah, le territoire est quand même pas mal agrandi. Hein on commence vraiment à avoir une bonne petite zone. Ceci dit, on est encore loin du village, loin encore de l'océan, mais on commence à avoir une belle petite zone sympathique. voilà nickel bon et maintenant je pense qu'il manquerait peut-être plus qu'à agrandir un petit peu la plateforme sur laquelle on peut se déplacer voilà en laissant bien un espace ici pour l'escalier bon maintenant il manque plus que quelques torches par ci par là regardez moi ça oh le fort il est magnifique je suis vraiment content de ce que j'ai fait là pour le coup honnêtement je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien avec le peu de matériaux qu'on a à notre disposition bon par contre euh, je vais dégager tous ces arbres autour de ma base là c'est complètement chiant ils servent absolument à rien d'ailleurs avec toutes ces bêtises comme vous pouvez le voir je commence à récupérer pas mal de saplings et avec tout le Surplus qu'on a, je pense qu'on pourrait en faire quelque chose de sympa. C'est de les mettre dans un composteur. Je vais essayer de récupérer quelques morceaux de bonne mille. Bon, je viens de gâcher toutes mes saplings pour un morceau de bonne mille. Autant dire que je viens de me faire douiller. Ça va que j'ai encore beaucoup d'arbres à ma disposition. Oh, par contre non, il fait nuit. Terrible. Il va donc falloir que je retourne m'enterrer pêcher. Encore une fois, pour éviter les fantômes de la mort là. Euh, ouais, il va vraiment falloir que j'aille miner pour trouver du fer. Par contre, je vais me confectionner déjà un deuxième feu de camp que je pourrais mettre en bas pendant que je pêche, que je vais poser juste ici. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, j'ai quelques morceaux de blé qui ont poussé. Incroyable, je vais enfin pouvoir me faire du pain. Tac, et on va même pouvoir en replanter davantage. Parfait. Bon, au moins le jour où ma canne à pêche se pètera, on aura un beau petit backup en termes de nourriture. Comme j'ai pas envie de me faire bouffer par les fantômes, il est temps de repartir sur une session de pêche. Ah bon, bah la pêche a été bonne encore une fois. Je m'en sors plutôt bien. Et en plus, le blé a continué à pousser. On va donc pouvoir le replanter en plus grande quantité. Et on va commencer à pouvoir nous confectionner des morceaux de pain. Mais bon, il faudrait rapidement que je puisse avoir accès à cette source d'eau là-haut. Je sais pas encore combien de blocs il me faut pour l'atteindre. Mais ça serait parfait pour enfin pouvoir planter mon blé à la surface. Parce que ici, c'est pas très optimisé. Hein. Surtout que bah, l'eau elle n'est pas non plus infinie. Ok, bon, attendez, parce que là-bas, j'ai l'impression qu'on a accès à un petit peu plus de fer. Regardez la grotte, elle a quand même pas mal augmenté. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai accès à un lingot de fer supplémentaire. Là-bas il y a quoi d'intéressant J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose C'est pas grave, je vais me contenter de ça pour le moment Allez plusieurs... Ah oh non, juste un Allez mon ami ah, dommage, dommage, dommage. Ça me fait un lingot de fer supplémentaire. Je vais pas pouvoir faire grand chose avec. Je vais me confectionner du coup deux morceaux de pain. Et je vais garder un petit peu de blé de côté. Au cas où, si jamais il y a des animaux qui pourraient spawner aux alentours de ma base. Alors attendez, est-ce qu'il y aurait pas genre un mouton pas loin Une vache ou un truc comme ça Un mouton, ça serait parfait. Oh, on a une poule ici. Ok. En fait, j'aimerais bien dormir, les amis. Je n'ai toujours pas de lit. J'ai toujours pas de moyen de passer la nuit. Je vais donc continuer de me faire harceler par les fantômes. Oh Oh, il y en a un juste là. Oh, attendez, mon ami, viens là, s'il te plaît. Attendez, il est où Il est parti Oh non, il s'en va. Non, reviens. Ok, donc il y a un mouton pas très loin, c'est déjà une bonne chose, ça. Ça serait bien qu'il puisse venir, histoire que je le tonde. Allez, viens, mon ami, viens. Oui, c'est ça. Oui, tu me vois. Je sais que tu me vois de là où t'es. Allez, allez. <laughs> je sais pas à partir de combien de blocs il sera attiré par le blé. Ah malheureusement, ouais. il, va, il va falloir attendre quelques jours. Bon pour le moment, j'ai encore pas mal de seeds que je peux récupérer par ici. Bon écoutez, en attendant que le mouton se ramène, nous on va continuer à avancer sur nos tâches. On va couper un petit peu de bois déjà pour pouvoir replanter les arbres. Je vais essayer de planter les arbres un petit peu plus loin de ma muraille parce que regardez les feuillages, ils sont en train de littéralement tout bouffer sur ma muraille, c'est n'importe quoi. Je vais donc essayer de les planter un petit peu plus loin histoire que ça n'empiète pas trop sur ma base. Il va falloir également que je commence à m'attaquer à une petite ferme à mobs. Celle que nous avions fait dans les airs n'était pas très fructueuse, donc je pense que je vais en reconfectionner une juste ici. Je vais essayer de creuser un petit peu plus profondément pour créer une bonne plateforme de spawn. J'enlèverai mes torches et je viendrai farmer les mobs ici en espérant que, genre, des squelettes, des zombies commencent à spawner. Et surtout, pourquoi pas des araignées également. Pour que je puisse me confectionner un lit. Hop. Et voilà. Je pense que comme ça, de cette taille, ça devrait faire l'affaire. Des mobs devraient pouvoir spawner. Je vais donc juste essayer de sécuriser un petit peu plus la zone de ce côté-ci. Parce que comme vous pouvez le voir, ça a un accès direct sur mon escalier. Et j'ai pas envie que les monstres viennent me réserver de mauvaises surprises pendant la nuit. Je vais essayer de simplement refermer ça. Voilà. Comme ça, ça devrait faire l'affaire. Et maintenant, il me reste plus qu'à attendre que des mobs commencent à spawner. En espérant qu'ils spawnent évidemment. Euh, bon. En attendant, je vais essayer de remonter à la surface. Mais j'ai bien peur qu'ils fassent nuit. Malheureusement, malheureusement, ouais, en plus il pleut, il fait nuit, c'est la totale. Malheureusement, toujours aucun animal, mouton ou quoi que ce soit ne s'est incrusté sur mon territoire. Aïe aïe aïe. Bon, je pense que je vais aller m'enterrer. On va continuer à aller miner un petit peu. Je vais prendre ce seau avec moi. J'ai deux pioches. J'ai encore de quoi me confectionner pas mal de torches. Ok, bon, je pense que là on est pas mal. Bon, alors ici toujours rien, malheureusement. C'est pas assez éclairé normalement pour empêcher le spawn. Bon, écoutez, on va descendre. Oh, j'entends une sorcière. Oh, j'entends une sorcière. Ça ne me dit absolument rien qui vaille. J'espère qu'elle a pas spawn par ici. Oh mais c'est de l'eau ça? Oh, attendez! Oh parfait! Let's go! J'avais une source d'eau ici à ma disposition du coup. Je vais enfin pouvoir planter mon blé à la surface. Oh ça c'est littéralement parfait. Bon, par contre, malheureusement il fait nuit donc je vais m'abstenir de remonter à la surface pour le moment. J'entends une sorcière vraiment très proche de moi par contre. Je vais continuer à creuser dans cette direction histoire de commencer à descendre jusqu'à la Deep Slate, pourquoi pas? Dans l'espoir de trouver un peu de fer, de trouver du charbon. Et dès qu'il fera jour, je remonterai à la surface et on s'occupera d'agrandir nos champs et de créer de belles plantations. Ok, nos premiers lingots d'or. Malheureusement, je ne peux pas les récupérer. Avec une pioche en pierre, il va falloir attendre de trouver du fer. Parfait. Quand on parle du loup, on en voit la queue. En plus, il y a pas mal de lingots. Parfait. Je vais pouvoir me confectionner déjà une nouvelle pioche. Alors, oh là là, j'entends des monstres. J'entends des monstres. Ok, un zombie juste ici. J'ai l'impression que c'est le seul. Bon, un zombie, ça paye pas de mine, mais au moins ça nous confirme que notre espace fonctionne. Alors, bon, il fait toujours nuit. Ok, je vais mettre à cuire le fer que j'ai récupéré et avec ça, je vais me confectionner des cisailles et une pioche en fer. Les cisailles, ce sera pour quand le mouton se décidera enfin de rejoindre mon espace. Passe. En attendant, moi je vais aller récupérer l'or. Allez, venez là mes petits lingots d'or. Ça c'est le début de la richesse, les amis. En prime avec un peu de redstone, parfait. Allez un petit diamant juste à côté, ça serait trop demandé, Minecraft. Effectivement, c'est trop demandé. Oh là oh là là Oh là là, attendez, 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 ça a bien spawn là. Ça a très très bien spawné. Le creeper pourrait exploser à chaque instant. Il faut être très très prudent. Ok. Et ok. Bon, le jour s'est levé. Il est donc temps de récupérer toutes les cultures que j'avais ici, tuer les quelques mobs qui ont spawné. Et enfin me faire ma source d'eau infinie. Maintenant je vais enfin pouvoir m'attaquer aux plantations de ma base. Mais dans un premier temps je vais juste un peu nettoyer tout ça parce qu'il y a beaucoup trop d'arbres. Alors dans l'idée ce que je voulais faire tout autour de ma base c'était planter les champs autour de ma muraille en y instaurant des petites sources d'eau comme ceci. Des sources d'eau qui vont longer toute ma muraille. Je vais donc creuser tout autour pour construire les sources d'eau. Ça fera un petit peu office de douve également. Ce qui me permettra alors de pouvoir planter mon blé tout autour de ma base. Bon, par contre, il fait déjà nuit, c'est terrible, la nuit tombe super vite. Les fantômes vont bientôt être de sortie, il va donc falloir que je me dépêche. Et il ne me reste plus désormais qu'à tout replanter autour. Bon par contre tous ces, tous ces feuillages là commencent à vraiment me saouler, je vais enlever tout ça. Voilà, normalement les feuillages devraient tomber d'eux-mêmes à présent et me donner tout leur loot, notamment les pommes comme vous pouvez le voir j'en ai récupéré deux, mais également pas mal de saplings. D'ailleurs le jour s'est levé et la barrière a encore augmenté. Je vais essayer de voir s'il n'y a toujours pas des moutons à proximité, enfin plutôt un mouton. N'empêche on se rapproche petit à petit du village, hein. regardez-moi ça, on est vraiment plus très loin. Je dirais que d'ici une vingtaine de jours max on devrait l'atteindre, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Dès qu'on aura accès aux villageois, on pourra step up d'une vitesse. Alors toujours... Pas d'animaux dans les horizons, malheureusement. Et le mouton qui avait eu la ce est est toujours dans les parages. On le voit normalement, je sais pas si vous voyez là. Regardez, il y a sa tête là. Malheureusement, il veut toujours pas se rapprocher de nous, mon ami. À part lui, c'est dommage, il n'y a vraiment aucun autre animal à notre disposition qui voudrait bien nous rejoindre. Mais bon, c'est pas ravi. Il nous reste encore pas mal de poissons. Les cultures s'agrandissent de jour en jour. On est vraiment pas mal en termes de survie. Mais bon, en termes d'avancée dans l'aventure, ça commence à être très lent, on va pas se mentir. Je pense qu'il va être temps de retourner miner, euh, histoire de trouver pourquoi pas du diamant ou oh, un squelette. Bien là, mon pote, not today. Thank you. Oh ok, il m'a donné deux os. Il n'y a pas un creeper là caché dans le coin. Ok non. Je vais profiter de ces os pour agrandir mes cultures. L'objectif à terme, ce serait que mes cultures s'étendent sur trois blocs de large, histoire d'avoir un beau petit champ autour de ma base. Et pour ça, il va falloir être un peu patient. Oh, une pomme qui est tombée juste derrière moi. Let's go. Oh là 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 la, là. La, oh là la, là la, là la. là. Euh oui. Bonjour, bonjour les gars, je ne vous veux pas de mal. Normalement, vous ne devez pas être capable de traverser ma barrière. Vous avez tous votre arc braqué sur moi. Ouh là, là il se rapproche en plus. Ok, bon, on va, on va aller se cacher. Vous ne prendrez pas d'assaut ma forteresse. Il est temps de retourner miner, je pense. Et pour maximiser mes chances de trouver du fer, je vais agrandir mon escalier jusqu'en bas. Ça nous fera de la cobble et ça me fera surtout beaucoup plus de ressources. Voilà. Bon, bah maintenant, il me reste plus qu'à continuer d'aller miner en ligne droite tout en bas, avec comme objectif de trouver du fer et du diamant. Oh là 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 oh là là là. Oh là là Oh là là oh là. là, oh là Qu'est-ce que je viens de voir Ah, j'ai encore une fois pris une flèche dans l'épaule, les amis. Comptez sur moi pour ne pas y mettre un seul pied. Bon, écoutez, je vais remonter à la surface. À part de la Deep Slate, j'ai vraiment trouvé rien de très concluant, malheureusement. Je ne suis bon qu'à remonter à la surface parce que clairement, je vais pas affronter tous ces monstres de la mort avec un stuff aussi pété. Euh, c'est une usine à Creeper ou c'est une usine à mobs ici Au moins, ça fonctionne, c'est déjà ça. Regardez-moi le nombre de fantômes qu'il y a au-dessus de ma base. Il y en a deux, trois. Ah, je suis complètement bloqué. Non, laisse-moi tranquille. Il faut vraiment que le mouton que nous avons aperçu la dernière fois il arrive jusqu'à notre base c'est devenu une autruche le mec il meurt oh mon dieu hello world bon ils ont tous brûlé je suis très heureux de cette nouvelle. La barrière a encore augmenté. Est-ce que les méchants sont toujours là Oui oui, les méchants sont toujours. Oh mon dieu, oh mon dieu, il me rush, il me rush. OK, je crois qu'il peut pas rentrer mais euh, il peut me tirer dessus quoi. Oh, Attendez, mais le mouton, il s'éloigne de plus en plus chaque jour, sérieux. Ah ouais, lui, il veut vraiment ma peau lui par contre. Euh, écoutez, j'ai aïe, oh mon dieu. Écoutez, <laughs> je vais pas me battre avec lui tout de suite, il va appeler tous ses potes. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un autre animal dans les horizons, un autre mouton Ah le mouton, pourquoi tu t'éloignes comme ça Reviens mon ami, pitié. Là-bas également, regardez, on commence à apercevoir quelques petits villageois. Attendez, je rêve où il est rentré dans ma base lui. Attendez, attendez, attendez. Attendez, je rêve où il est rentré. Ça commence à me faire peur cette histoire. Attendez. Oh mais oui. Il est rentré. Oh non. Oh mon dieu. Je vais te faire ta fête mon ami. Ok. Attendez. Opération. Non. Oh mon dieu, cours pour ta vie, mes 21. Cours Oh je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Oh mon dieu. Non, il va me courser. Oh non, tout sauf ça, sérieux. Il a réussi à pénétrer et prendre possession de mon territoire. Je ne suis même plus le chef de mes propres lieux. Il va falloir le déloger avant que la nuit tombe. Ok, attendez, il est où Il est où, ce monstre Assoiffé de sang. Attendez, déjà, on va bloquer la porte d'entrée. Voilà, au moins comme ça, il ne pourra pas venir. Mais attendez, il commence à me faire peur. Je l'ai perdu de vue et je crois que c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Ok, attendez, je l'entends, il est pas loin. Normalement, il est juste là. J'ai l'impression qu'on est dans un film d'horreur, les gars. Je suis en train de le chercher malheureusement. Je ne le trouve pas Ok il est là Meurs Ok meurs Ok Ok c'est bon j'ai repris possession de mes terres C'était chaud j'espère qu'il a pas appelé ses potes par contre Ça serait terrible Attendez ici je vais mettre une porte déjà Je vais mettre une porte ici parce que je pensais que j'étais en sécurité mais en fait pas du tout Hop là voilà parfait. C'est terrible à quel point je suis faible, mon stuff est faible. Bon, je vais en profiter pour récupérer tous les arbres qui ont poussé. Au moins comme ça, je pourrais les replanter et j'aurai une bonne source de bois. On va pouvoir continuer à construire d'ici pas longtemps. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il manque toujours ce satané mouton. Il me faut absolument ce mouton que je puisse tondre. Parce que là, ça commence à devenir vraiment problématique. Je peux pas travailler la nuit. Bon, je pense, en attendant qu'il fasse jour, je vais simplement retourner miner avec comme objectif de trouver quelques lingots de fer supplémentaires. Parce que là. Et pour ce faire, je vais me mettre à la couche 16 et je vais essayer de creuser sur la tour de la surface normalement ça devrait me permettre de pouvoir trouver quelques lingots étant donné que c'est la couche adéquate pour en trouver le maximum enfin le 15e jour bon après une énorme séance de farming durant toute la nuit je sors avec seulement 20 morceaux de charbon mais aucun morceau de fer malheureusement mais comme vous pouvez le voir j'ai pas mal de cobblestone et ça va me permettre de pouvoir entamer un nouveau projet aujourd'hui en effet suite à l'incident que j'ai subi il y a quelques jours j'ai pu me rendre compte que ma base n'est pas du tout sécurisé. Il va donc falloir remédier à ça pour éviter que des énergumènes sans pitié incrustent mon territoire. D'ailleurs, regardez le mouton, on se rapproche de plus en plus de lui, il se doute pas de ce qui va lui arriver, il va se faire tondre à mort. Du coup, le projet, ça va être de me construire une petite muraille, je pense, de deux ou trois de haut, rien de bien méchant, tout autour de ma base, histoire que aucun mob hostile ne puisse incruster mes terres. Parce qu'en vérité, ça c'est juste ma base, mais je suis pas vraiment en sécurité là-dedans. Je vais donc commencer par aplanir absolument toute la zone ici pour que ce soit tout plat autour de ma base, et que je puisse donc pouvoir y installer la muraille. Comment vous dire que ça risque d'être très long Et également très chiant, on va pas se mentir. Ça risque de me prendre plusieurs jours, mais bon, de toute façon j'ai rien de plus intéressant à faire, donc autant s'y mettre maintenant. Ah les gars, faut voir comment je me fais caca dessus quand j'entends le bruit des fantômes. C'est terrible, regardez-le, il est juste là, oh mon dieu. Bon, ceci dit, j'ai quasiment terminé de tout aplanir, regardez-moi ça. Quasiment toute la surface est plane. Malheureusement, j'ai peur de ces énergumènes, ils me font peur, voilà. C'est. Je vais pas vous mentir, les gars, je me chie dessus quand je les entends. Je vais donc rentrer dans ma basse tranquillement, je vais aller m'enterrer, et euh, je vais attendre le prochain jour. Écoutez, moi je vais pas rester dehors avec des énergumènes aussi dangereux. Ok, bon, le soleil s'est levé. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il pleut. Le fantôme ne veut donc pas brûler. Oh, Regardez-moi cet imbécile. Oh mais quel imbécile Oh bah, let's go. J'ai terrassé mon premier fantôme. Euh, malheureusement, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent encore spawner malgré la pluie. Oui. Je me suis pris quoi là Oh il m'attaque à 3 oh, oh là, là On annule tout. Je vais re-rester enfermé ici toute la journée. C'est terrible ce qui vient de se passer. Je vous avoue, j'ai vraiment cru que j'avais pris la foudre. Bon écoutez, c'est beaucoup trop dangereux de rester dehors à cette heure-ci. Je vais rester ici le temps que la pluie cesse. Malheureusement, je suis un peu un boloss. Hein. Malheureusement, je suis un peu une victime dans ce monde. Je ne peux même pas sortir comme bon me semble. Ceci dit, la pêche a été bonne. Regardez-moi ça, j'ai quelques poissons supplémentaires dans mon inventaire. Ah. Ok, je peux enfin sortir de mon trou. Est-ce qu'il s'est passé des choses intéressantes sur mon territoire depuis que je suis rentré dans ce trou Eh bien, non, toujours pas. Je n'ai toujours pas d'invité surprise. Le mouton là-bas, il a clairement pas envie de bouger de là où il est. Va falloir attendre encore plusieurs jours avant de le voir venir vers nous, malheureusement. Je pense que je vais couper une couche supplémentaire et après, on va enfin pouvoir commencer à construire la muraille. Regardez qui s'est incrusté sur notre territoire En plus il a pondu un œuf juste là-haut Attendez je vais essayer d'aller le récupérer Oh si on pouvait avoir une famille de poules ça serait incroyable MLG 360 nos scopes OK, toujours pas de poulet malheureusement, mais toi tu es là et je vais te donner hop voilà. Au moins que ça tu vas rester avec moi. Viens, je vais t'enfermer dans mon royaume, histoire que tu ne puisses pas m'échapper. Hop, tu vas venir là-dedans mon pote. Parfait, et tu bouges plus d'ici. Pon tes œufs à mort, euh, fais ce que fais ce que tu as envie. Maintenant que j'ai assez délimité la zone, on va enfin pouvoir construire la petite muraille. Enfin, quand je dis muraille, je veux plutôt dire petite barrière à vrai dire, ça va pas vraiment être une muraille. On va juste faire quelque chose de 3 ou 4 blocs de haut maximum. Voilà, de cette taille-là, ça devrait faire l'affaire. En plus, ça me permettra de pouvoir continuer à allonger mes champs juste Ici. Avec tout ce qui a poussé, je pense qu'on va pouvoir pas mal l'agrandir. Est-ce euh, que je serais pas en train d'entendre un petit invité mystère là J'entends quelqu'un qui a mis ses pieds sur mon territoire et c'est cet individu. Bonjour mon ami, qui t'a autorisé à venir sur mes terres Qu'est-ce que tu échanges de beau Cherry saplings, ok, rien de très intéressant. Melon Sins. malheureusement je n'ai pas d'émeraude mon ami. Par contre toi tu as de belles laisses, tu as de très belles laisses mon ami. Donc euh, je pense que je vais te les piquer, je vais te les piquer tes laisses. Mourez mourrez bande de fous. Ok, let's go. Du coup, j'ai réussi à avoir deux laisses et en plus un morceau de cuir. Ok, parfait. Parfait, parfait. Avec ça, je pense que je me mets très bien. Et toi, mon ami, bah, tu vas rester là. Euh... En soi, tu es en sécurité dans mon royaume. Donc, euh, tu peux rester là autant que tu veux, tant que tu ne me poses pas de problème. Alors, euh, est-ce que notre mouton national a décidé de venir ou toujours pas Où est notre mouton national Il est toujours là-bas, malheureusement. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il ne veut toujours pas se retourner. C'est un individu très ingrat. En effet, je serais capable de lui donner beaucoup de blé. Malheureusement, il ne veut pas de moi. Bref, euh, continuons du coup la construction de notre petite muraille. J'ai préparé énormément de bois que je fais que de récupérer depuis le début d'ailleurs j'ai oublié de replanter mes arbres c'est terrible je vais les replanter oh y'a un bébé zombie oh mon dieu mais qu'est ce qu'il fait là meurt comment as tu pu comment oses tu non oh oh, oh mon dieu oh mon dieu j'allais mourir ok bon y a... oh mon dieu Oh, oh là là, je brûle de partout. Ok, là c'était vraiment très très chaud les gars. Il y a un bébé zombie qui a réussi donc à s'incruster pour éviter que ça se reproduise. Je vais faire des dalles que je vais directement aller poser ici. Voilà. Cet imbécile, il a réussi à passer à travers. Bon, j'ai eu chaud mais plus de peur que de mal au final. Ok, là je suis safe. Maintenant il va falloir juste apporter un petit peu de décoration à cette muraille. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une petite entrée sur chaque côté histoire de ne pas être enfermé non plus. Je pourrais ramener des animaux, etc. Et puis même, ça rend beaucoup plus stylé comme ça. Une fois qu'il fera jour, parce que oui, là je vais retourner m'enterrer comme d'habitude vu que je n'ai toujours pas de lit. Terrible. Monsieur le mouton ne souhaite toujours pas venir dans ma base. Donc une fois que le jour se lèvera, on terminera les détails et la décoration de la muraille. En attendant, je n'ai plus qu'à rester pourrir dans mon trou. Voilà, parfait. La muraille est maintenant totalement terminée. Bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais franchement, la muraille, elle est vraiment sympa comme ça. Je sais pas ce que vous vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Normalement, à partir de maintenant, je ne devrais plus être embêté. Normalement, les monstres ne devraient pas pouvoir pénétrer dans notre royaume. La barrière augmente chaque jour, pourtant j'ai l'impression qu'il est de plus en plus loin chaque jour. Il veut vraiment pas se rapprocher de nous. Bon écoutez, c'est pas très grave, hein. on va continuer à faire des nuits blanches euh, jusqu'à la nuit des temps. Surtout qu'ici, il n'y a pas non plus des dizaines d'araignées qui spawnent. Ça veut dire que je peux même pas me faire des ficelles. Même même si là le jeu me fait mentir et m'en a donné deux. Ce qui me sera toujours pas suffisant pour me faire un lit, malheureusement. Bon, on est jour 20 et on commence à se rapprocher petit à petit du village. Malheureusement, toujours pas de villageois dans les horizons. Oh le mouton est juste là, regardez, il se rapproche. Il se rapproche. Oh non, j'ai jamais été aussi près du but. Oh non, il sent. Il... Ok. Ah il est complètement bizarre ce mouton sérieux. Je t'en supplie, viens mon ami, il faut que je dorme. Oh là là, il me snob, et voilà. Il disparaît à l'horizon. Il m'a totalement snobé. C'est pas très grave, écoutez. On va continuer à faire des nuits blanches jusqu'au 100 jours. Je crois que c'est la première fois qu'il y aura un 100 jours sans jamais avoir dormi. On va renommer ce 100 jours. J'ai passé 100 jours sans dormir. Là, les fantômes, ils vont pas tarder à spawner. Ils vont venir me déchirer. Faut vite que je finisse ça. Et je pense qu'après, je vais retourner miner. Parce que là, il va me falloir un petit peu plus de fer. Et surtout du diamant. Bref, quand faut y aller, faut y aller. Bon, bah nickel. Je suis arrivé jusqu'à la bedrock. Et devinez quoi J'ai trouvé aucun diamant. Et devinez quoi J'ai trouvé aucun morceau de fer non plus. Je suis vraiment fauché, c'est terrible ça. Pourquoi il a fallu que ce chunk ne dispose d'aucun minerai, sérieusement C'est terrible. Bon, écoutez, il me reste plus qu'à remonter. Je vais essayer de creuser peut-être par là avec un peu de chance. Peut-être un morceau de fer, allez. Quelque chose Non, toujours pas. Ok, par ici, peut-être un peu de chance. Oh Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc que cette magie noire? Il y en a combien là? Allez, trois minimum. Oh oui, yes. Mais quelle est donc cette magie noire, les amis? Oh let's go! Et En plus, il y en a énormément. Dites-vous que j'ai trouvé plus de diamants que de fer depuis le début de l'aventure. C'est terrible. Quitte à provoquer la chance, autant faire ça un petit peu partout. Bon, ok, on va arrêter. Je vais du coup aller pouvoir me confectionner une pioche en diamant, les gars. En soi, la pioche ne me servira pas à grand chose, mais bon, autant la crafter, écoutez. Je vais garder du coup les trois diamants supplémentaires pour me faire ma future table d'enchantement. Et le dernier, euh... On fera un jukebox, écoutez, quand on voudra écouter un petit peu de musique. Le jour s'est levé normalement. Oh, parfait, regardez-moi ça. En plus, il fait beau. Magnifique. Toutes les conditions sont réunies pour passer une bonne vingtième journée. Nous sommes au jour 27 aventure. Nous avons fait un cinquième de l'aventure, du coup. Et euh, malheureusement... Oh 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 le mouton Le mouton s'est rapproché Oh mon dieu. Oh attendez, est-ce qu'on peut pas faire une pierre de coups S'il te plaît, mon ami. Pitié. Pitié, regarde-moi. Regarde-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, regarde-moi. Retourne-toi, mon pote. T'as juste une dizaine de blocs à faire. Allez, me montre pas tes fesses. Oh oui. Oui. Oui oui, allez, t'as plus beaucoup de chemin à faire. Non, 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 pas dans cette. Oui, oui. Oh Oh, let's go Oh yes, oh yes. Oui, viens là mon pote. Oh j'en oh, reviens pas. J'en reviens pas, les gars. C'est quoi cette journée? C'est la journée de la chance. C'est la journée de la chance, les amis. J'ai eu six diamants qui sortent de je ne sais pas où. Et le mouton a enfin décidé de venir. Ok, bon toi, tu vas venir. Tu vas plus jamais sortir de là mon pote. Crois-moi, tiens, petite récompense. Ah là, on est bien. Bon, je vais juste te tondre. Je t'attends depuis des lustres. Oh, il m'en a donné trois d'un coup, en plus il m'aime. Oh je t'aime, mon ami. Je peux enfin me confectionner mon lit. Après 20 jours, sans avoir fermé l'œil de la nuit, voici mon lit. On peut toujours pas dormir, il va falloir attendre la nuit, mais sachez que je suis l'homme le plus heureux du monde actuellement. Ah. Ça c'est une bonne chose de fait. Carrément, vous savez quoi On va attendre qu'il fasse nuit. Là, j'ai envie de dormir. Au moins comme ça, on va enfin pouvoir passer notre première nuit dans un lit douillet. Oh là là, si tu savais comme je t'aime. Allez, redonne-moi de l'énergie. Voilà. On part sur un lit double. On est complètement fou, mais j'aurai le privilège de dormir dans un lit double désormais. Vous savez quoi Carrément, on va le décorer et tout. Écoutez, euh, voilà. On va le décorer. On va faire quelque chose de sympa. Tac, tac. Voilà. Ça c'est un lit ça. Hop, on va mettre des petites torches. Hop, parfait. J'ai même envie, vous savez quoi, on va utiliser euh, le cuir que j'avais récupéré juste là. On va se faire un cadre. Un beau petit cadre qu'on va accrocher au-dessus de notre lit et on va y mettre un œuf. Voilà, parfait. Là, notre chambre a vraiment de la gueule. Et on va même se faire le privilège d'avoir des oreillers gigantesques. Tac, tac. Voilà, ça c'est un lit de compétition, les gars. Bon, je pense qu'il est un peu de temps de se reposer. Je vais monter sur ma muraille. Je vais tranquillement attendre qu'il fasse nuit, profiter du coucher de soleil et enfin aller dormir dans mon lit. Franchement les gars, la première nuit passée dans mon lit était juste incroyable. Ah, je suis tout revigoré, on peut enfin repartir. Oh, tiens, t'as l'aine à repoussé, je vais trop retondre. Ça va être une industrie de tondage. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres animaux aux alentours qui voudraient pas me rejoindre par hasard Alors ici, on a toujours Mr. Chicken qui en plus pond des œufs. Bon, malheureusement, il n'y a toujours pas de poussin. Alors pour ce qui est des villageois, est-ce qu'il y a des villageois même dans ce village Pas l'impression, hein Enfin, du moins, euh, du moins ils ont l'air bien cachés. J'espère que quand j'arriverai à atteindre le village, j'aurai quelques villageois. Après, est-ce que ça serait possible qu'il y ait des villageois qui se spawnent là-dedans? Enfin, des zombies villageois plutôt. Malheureusement, j'ai l'impression que pour l'instant il n'y a que des zombards. C'est quand même fort dommage. Bon, écoutez, je vais continuer à replanter des arbres autour de ma base. Je pense qu'il va bientôt être temps de s'attaquer à un nouveau build. Soit agrandir notre tour principale, soit construire quelque chose d'autre. Mais dans tous les cas, il va nous falloir un petit peu de bois pour faire tout ça. Par contre, Mr. Chicken, tu me fais un peu peur à rester en dehors de ma base. Donc je vais te faire rentrer dans ton enclos, mon ami. Voilà. Avec ton ami euh, Mr. Ship. Viens faire copain copain avec Mr. Ship. Parfait, maintenant vous allez être meilleur ami pour la vie. Par contre, je sais pas si ça va être possible pour moi d'aller dans le Nether très bientôt, étant donné que j'ai toujours pas accès au moindre lac de lave. Si ça se trouve, je ferai toute l'aventure sans même aller dans le Nether. Encore pire, sans aller dans l'End. Bon, l'End, je pense que ça va clairement être mouru. Hein. Comme par magie, il y a un Stronghold en dessous de notre base. Mais bon, ça serait au moins bien qu'on puisse aller dans le Nether, euh, un de ces quatre. Toutefois, je pense que la prochaine étape que nous devrions accomplir, c'est d'avoir des villageois. Malheureusement, pour avoir des villageois, il va falloir se rapprocher de ce village. et Ça risque d'être petit peu long, il va nous falloir encore peut-être une dizaine voire une vingtaine de jours. En attendant, je n'ai aucune idée de comment avancer rapidement. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir dit des bêtises. Regardez-moi ça, il y a deux villageois qui sont juste ici. Il va falloir les attirer vers nous bientôt. Je ne pense pas qu'à cette distance, ils pourraient être attirés par des tables de métier. Toutefois, je vais en confectionner quand même. L'objectif, ça serait de se faire un breeder à villageois. Au moins comme ça, on pourra les reproduire. Je vais confectionner deux composteurs que je vais simplement poser très très près de la limite ici et là. Au moins comme ça, si jamais des villageois, regardez-moi ça, on voit leur gros crâne là, si jamais des villageois s'aventurent par ici, ils pourront donc être attirés par ces tables de métier et enfin rentrer dans notre barrière. Sur le plan théorique, ça a l'air de fonctionner, on verra si en pratique ça marche. Mais du coup, pour ce faire, il va falloir tondre à mort ce mouton pour récupérer un max de laine. Au moins, comme ça, je pourrais faire plein de lits et accueillir les villageois comme il se doit. D'ailleurs, ça nous en fait combien maintenant D'ailleurs, au total, ça nous en fait donc 5 pour l'instant. C'est très peu, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, je pense qu'il va être temps d'aménager un petit peu notre base. Étant donné que maintenant nous avons un lit, nous ne serons plus embêtés par les fantômes. Ce qui veut dire que nous pouvons enfin sortir de notre trou et aménager notre base comme il se doit. On a déjà commencé par la chambre que j'ai mis plein pied, hein, j'en avais rien à faire, je l'ai mis sur l'herbe, j'étais tellement pressé de dormir. Je pense que je vais déplacer la salle des coffres en haut. Ici, on y mettra tous nos coffres contre ce mur avec des belles décorations et tout, ça pourrait être sympa. On pourrait également agrandir la tour, à vrai dire. Mais bon, dans un premier temps, il va faire nuit et nous, on peut enfin profiter de notre magnifique lit parfait. Bon, il est temps maintenant de commencer l'aménagement de notre maison. Dans un premier temps, il va falloir que je dégage toute cette terre horriblement moche. Je vais remplacer tout ça par du bois, je pense. Voilà, comme ça, ça rend déjà bien mieux. Et maintenant, il va falloir que j'installe tous mes coffres, je pense, contre ces deux murs. Avec également une table de craft, quelques fours, tac, tac, et des barils pour finir. Comme ça, parfait. Ah là, mon mur, il est vachement propre quand même. Hein. Là, on a step up d'une force quand même, c'est incroyable. Bon, par contre, maintenant, il va falloir ranger tout ça, ce qui risque d'être terrible. J'ai enfin terminé de ranger et de trier tous les coffres. Bon, j'ai déménagé à peu près tout ce qu'il y avait ici. Voilà, on va laisser le feu de camp en guise de souvenir quand même. Euh, la source d'eau, je vais également la laisser ici, il a pas besoin de la changer de place. C'est juste le composteur que je vais mettre là. Parfait. J'ai enfin pu aménager ma base. On sera en sécurité. On ne se fera plus embêter par tous les monstres de la mort, là. En plus, regardez-moi ça. Toute ma lignée d'arbres a poussé. C'est magnifique. Je pense donc que maintenant, on va pouvoir enfin attaquer l'opération élévation de notre tour. En effet, elle est quand même assez modeste, la tour. Elle est toute petite. On dirait juste un petit fort de détresse dans lequel je me suis caché des monstres. Et maintenant, il va falloir step up un petit peu parce que ma grandeur mérite une base digne de ce nom. Eh, hey, mes chevilles, elles ont pas gonflé, ok Tiens, donne-moi ta laine. Alors, pour ce faire, il va me falloir un petit peu de cobble, je pense. Et la cobble, je vais la à faire cure pour essayer de me confectionner de la stone brick alors normalement j'ai pas mal de charbon voilà histoire de donner beaucoup plus de détails à la tour et pour ce faire il va me falloir un petit peu plus de charbon donc euh, il va me falloir maximum de bois pour me confectionner du charbon écoutez on va partir sur du bûcheronnage hein. Hop, je vais donc mettre un stack de bois complet à cuire histoire d'avoir pas mal de charbon. Et après ça, je vais donc me faire un max de stone. Ok, parfait. Alors, les villageois là-bas, ils ont pas toujours l'air de bouger. Ils sont à peu près au même endroit. Mister Mouton, hop, toi tu viens là. Pour ce qui est du coup de l'augmentation de la tour, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. faut faire quelque chose qui reste dans le thème et qui permet à la tour de sa... Ouh là Oulala, plus jamais. Euh, plus jamais je fais des chutes comme ça. <laughs> je pensais pas que j'allais perdre autant de cœur. Comme je disais, il va falloir agrandir un petit peu la tour tout en la gardant naturelle. C'est-à-dire en ne déformant pas trop sa structure. Ok, c'est bon, j'ai une idée. J'ai dû cogiter pas mal de temps, mais au final, c'est bon, j'ai trouvé comment je vais faire. Alors, dans un premier temps, il va me falloir peut-être un peu d'endésite. Est-ce que j'ai encore de l'endésite trouve bon, je que j'en ai pas pour le moment, donc il va falloir que j'en récupère. Oh bah parfait. Il y en a juste ici. Écoutez, on va se faire plaisir. Merci. J'en ai récupéré quasiment deux stacks. Je vais donc la polir. Et en faire des escaliers. Et je pense que je vais agrandir la tour en partant directement des piliers en bois que j'ai fait comme ceci. Je vais donc refaire tout le contour avec des escaliers. Bon, et comment ça rend du coup d'ici Il faudrait peut-être que je mette juste des bûches dans les coins comme ça pour éviter qu'il y ait des trous chelous. Voilà, parfait. Dans le coin, ça rend déjà bien mieux. Bon, et maintenant que ça c'est fait, je vais reconstruire des murs à l'instar de ceux que j'avais fait ici. Du coup, il va me falloir de la cobblestone cette fois-ci. D'ailleurs, ici, le charbon, voilà, parfait. Je commence à avoir pas mal de charbon. La barrière a encore une fois augmenté, les villageois sont où euh, Bon, les villageois, ils devraient plus être très loin par contre là. Hein. Bon, c'est pas grave, écoutez, on va continuer à être patient. Je vais arrêter de m'occuper d'eux. Moi, je vais m'occuper de ma construction. Comme je vous l'ai dit, maintenant, il va falloir surélever les murs avec de la stone brick. Et on fera ça encore une fois après le rituel du jour, qui est le tondage du mouton. On va essayer de faire un petit peu plus grand que la dernière fois. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, là, je pense qu'on est pas mal. Je vais tous les relier maintenant. J'ai terminé. Maintenant, il va falloir remplir tout ça. Euh, pour tout remplir, par contre, je suis loin d'avoir assez de stone brick, je pense. Donc, on va y aller petit à petit. Écoutez, on va remplir ça ligne par ligne. Ok, je suis à sec. Il va donc falloir que je récupère un petit peu plus de cobble, en effet. Tac, 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 tac. Et pour l'instant, ça a l'air de rendre plutôt pas mal. Une fois qu'on aura rajouté tous les détails au-dessus, c'est-à-dire le bois, etc., ça rendra super beau, je pense. Hop, je vais récolter un petit peu de blé parce que je commence à être à court de pain et ici on aime le pain pas vrai pas vrai vous aimez le pain hein ça me rappelle quelqu'un ça moi aussi j'aime beaucoup le pain les amis oh attendez 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 j'ai cru voir un... j'ai cru voir un zombie villageois je ne suis pas fou attendez 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 OK allez venez là les potes Ouais, oh, regardez il est juste là non faut faire attention que les squelettes ne tirent pas dessus ah mince je vais finir par le tuer je crois non ils sont en train de se battre entre eux Oh! Oh non! Le creeper, il a explosé. Je sais pas par quelle magie le villageois a réussi à survivre. Mais le villageois est toujours là. Allez, viens dans ce bateau. <laughs> voilà, parfait. Attendez, je sais pas comment le villageois a survécu à une explosion de creeper. Oh, pourquoi il y a un poulet ici? Attendez, attendez, les amis, il y avait un poulet là. Euh, attendez, je vais ramener euh, Mister Pouleto avec nous là. Viens là, mon pote. Tu vas aller te reproduire avec euh, notre ami. Hop, toi, normalement, t'es dans un bateau. Non! Oh non, mais quel. Oh non! Mais qu qu'est-ce tu fous là-dedans? Oh, je vais être obligé de te tuer. C'est terrible ce qui se passe. Aïe. Euh, nous avons. Un zombie villageois, ce qui est plutôt cool à vrai dire. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir en faire grand chose. Hein. J'ai pas de sorcière, j'ai pas de quoi aller dans le nether. Pas l'impression que je pourrais faire grand chose avec toi, mon ami, mais bon, je vais te laisser là. De toute façon, j'ai plus vraiment besoin de tous ces mobs. Je vais te laisser enfermer là-dedans, mon pote. Tu nous seras utile si jamais nous trouvons une sorcière, mais surtout si jamais nous avons qu'un seul villageois qui décide de nous rejoindre. Bon, dormons. Donne-moi ta laine. Ah voilà, parfait. Toi, tiens, mange tes graines, mon pote. Ponte tes œufs à mort. Alors, attendez, je vais juste aller voir où on en est au niveau des villageois. Attendez, je crois que les villageois, ils sont juste derrière cette botte de terre-là. C'est-à-dire, plus très loin de moi, à vrai dire. Il va falloir être patient d'ici là, écoutez. En attendant, nous, on va construire notre maison. Ça nous fera passer le temps. Moi, je vais aller chercher un max de cobble, les amis. Du coup, on se retrouve un petit peu plus tard après une bonne séance de farming. Ah, mais sérieux, mais arrêtez de me donner de la pisse, quoi. Sérieux, le jeu me pisse dessus, quoi. <laughs> <laughs> Vous aimez bien mes jeux de mots, hein? Non? Vous aimez pas? Bon, c'est pas grave. Ok, bon, j'ai assez de pierres, j'ai tout qui est en train de cuire. Il va donc maintenant falloir plus qu'à attendre. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de différent à noter. Oh non, oh non, pas eux. Oh non, pas eux. Comment est-ce que je peux me débarrasser d'eux euh, J'aimerais bien capturer leur boss là quand même. J'aimerais bien capturer leur boss. Euh, il faudrait que je le capture dans un bateau. Malheureusement, ça m'a l'air d'être super dangereux. Ils sont trois quand même. Hein. J'ai quatre strings et j'ai sept flèches. Ok, je peux me confectionner un arc. De toute façon, il me semble qu'ils ne peuvent pas pénétrer mon territoire grâce à ma barrière. On va vérifier ça. Meurs Oh, je l'ai raté. Meurs je les ai un peu provoqués. Meurs, tu vas mourir. Voilà, ok, j'en ai eu un. Ok, ils sont là-bas. Oh, ils ont eu peur. Regardez-les. Toi, tu vas mourir. Alors, attendez, j'ai des phasers Est-ce que j'ai des flint Ok, j'ai un peu de gravier ici, histoire de me faire une flèche supplémentaire. Normalement, il devrait mourir sur une seule flèche, le mec. Et je devrais avoir de quoi tuer cet énergumène totalement fou. Il ouvre leur boss. Il est là-bas. Et je vais essayer de l'enfermer. Hop là, parfait. Ok. <laughs> euh, je vais manger mon petit poulet là. Mmh. Un bon petit poulet là. Bon, par contre, il fait super mal. Hein, on va pas se mentir. Mais j'ai réussi à le capturer. C'est déjà ça. Attendez, je vais dormir. Regardez-moi ça. J'ai pris, pris une flèche dans l'abdomen. Alors maintenant que j'ai capturé cette énergumène, je vais juste l'éloigner un petit peu. Voilà, et je me casse. Oui, oi, 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 Non, non. Oh, attendez, mais il fait super mal. Hein. C'est quoi ce bordel Il fait supra mal. Mais bon, normalement, maintenant que je l'ai capturé, il ne devrait plus spawner avec tous ses coéquipiers. Une flèche dans la tempe, une flèche dans les abdomens. Ah, le mec, il avait qu'une envie. C'était vraiment que je disparaisse de la planète. Moi, je vais récupérer toute la cobble qui est en train de cuire. Après, bien sûr, le rituel du jour, qui est le tondage de Mr. Chip Et je vais donc enfin pouvoir finir la construction. Ok, bon j'ai terminé de remplir totalement les murs, c'est maintenant totalement terminé. Il va donc falloir maintenant que j'améliore un petit peu le sol ici parce que je pense qu'une mezzanine comme ceci, c'est pas très ouf. Ça gâche un petit peu le décor mais bon ça on le fera à la fin. J'ai fait l'escalier du coup qui monte jusqu'à l'étage. Comme ceci j'ai éclairé en haut pour éviter que les mobs spawn parce que comme vous pouvez le voir il fait nuit et en plus cet énergumène là-bas veut ma mort. Je vais me reconfectionner une petite hache et je vais retourner farmer du bois, écoutez, en essayant d'éviter cet énergumène complètement fou, évidemment. D'ailleurs il va falloir que je commence un petit peu à rééclairer la zone autour de ma base. Mieux vous prévenir que guérir comme on dit dans le jargon. Bon par contre je vais juste aller dormir parce que la pluie, euh, c'est pas que j'aime pas ça mais j'aime pas ça. Ok, bon c'est parti pour aller farmer du bois. Après évidemment le rituel du jour. Ok, du coup, je pense que je vais partir sur le même design que j'avais fait juste en dessous. On va donner du relief un peu dans les coins, comme ceci. Regardez, comme j'ai fait juste là avec les barrières. D'ailleurs, il va également falloir que je récupère des barrières, donc je vais aller en chercher. Mais on va faire une sorte de copier-coller de ce qu'on a fait en dessous, clairement. Hein. Ça sert à rien de changer drastiquement la recette, ça rendra que plus moche. Donc je pense que quelque chose comme ça, ça devrait faire l'affaire. À mettre donc des barrières comme cela. Et de faire pareil sur les quatre côtés. Et comme ça, ça rend super bien. Rituel du jour, bonjour Voici ce que ça donne au final, c'est vraiment pas mal. Maintenant il va falloir que je m'attaque à toute la partie du haut. Et pour ce faire il va me falloir donc des murets, des trappes et des bûches. Et des escaliers. Et il faut donc maintenant reproduire le même schéma que j'avais fait juste en bas. Regardez qui s'est invité dans le bateau du pillager. Oh mon dieu mais c'est quoi ça euh, Écoutez ils sont en train de faire des choses euh, qui ne m'intéressent pas. Je ne vais pas trop trop m'en occuper. Et sur ces escaliers maintenant il ne me reste plus qu'à mettre les bûches de bois. J'ai du coup enfin terminé la construction de mon château fort, du moins le deuxième étage. Qui vous dit qu'il n'y aura pas un troisième étage d'ici la fin des 100 jours Bref. Allons voir de l'extérieur ce que ça donne. Oh mais regardez-moi ça, regardez ça, c'est quoi ce bordel Je me casse, je me casse. Il me fait super mal. Euh, il va falloir vite par contre qu'on ait du fer ou alors qu'on arrive à avoir des villageois pour avoir une armure parce que là je suis tellement vulnérable. Bon, euh, attendez-moi, de base j'étais sorti pour euh, admirer la beauté. De mon fort. Il manquerait peut-être des fenêtres sur les côtés ou quelque chose. Vous voyez des barrières, des trucs comme ça qui me permettraient de voir à travers. Ça fait peut-être un peu trop plein, un peu trop basique sur les murs. Il va falloir changer ça parce que regardez sur l'étage du bas, j'avais mis des genres de petites fontaines. Faudrait faire quelque chose de similaire en haut qui rajouterait de la décoration. Je pense que le mieux, ça serait de détruire comme ceci et de faire des genres de fenêtres avec des barrières. Déjà, de l'intérieur du fort, ça rend grave stylé. Ça nous permet de voir à travers, de voir à la lune, etc. Et je suis sûr qu'à l'extérieur, ça rendra encore mieux. Rituel du jour, bonjour. Et maintenant, on peut enfin admirer oh là 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 on peut enfin admirer notre fort bon Attendez, là, on commence à se rapprocher vraiment de plus en plus d'ailleurs des villageois. Il va donc falloir commencer à se préparer à leur arrivée. Regardez, ils sont juste ici, on commence à les apercevoir de plus en plus près. Je pense que d'ici une dizaine de jours, en vrai, on devrait être capable de pouvoir les attirer. Il va donc falloir se préparer à leur arrivée. Et je vais leur construire, je pense, un monument ou quelque chose. Et je pense que je vais simplement faire ça ici, de ce côté de ma base. Il va donc falloir que je terraforme un petit peu la zone. Hop, je vais donc me confectionner trois petites pelles. Et on va partir sur un peu de terraforming. D'ailleurs, j'espère que les villageois se reproduisent avec du pain. Parce que je n'ai ni carottes ni pommes de terre. Aïe, j'avais pas pensé à ça. Je pense qu'ils se reproduisent quand même avec du pain. Tout le monde aime le pain ici, de toute façon. Voilà, je pense que là on est pas mal. Et il va donc maintenant falloir que je récupère un petit peu de matériaux pour me construire une petite maison, un petit habitat. Euh, parce que je vais pas les laisser traîner dehors comme des clochards quand même. Et il faut des structures très belles à côté de mon royaume. Je vais aller récupérer un petit peu plus de bois, un petit peu de cobble, etc. Parce que là, je vais en avoir vraiment besoin. Une fois qu'on aura les villageois, le premier objectif, je pense, ça va être tout simplement de les reproduire entre eux. Après, on les transformera en fléchier, je pense. Histoire de pouvoir avoir un maximum d'émeraudes possible. Et une fois que ça sera fait je pense qu'on pourra se faire un forgeron ou des trucs comme ça Donc à terme on se fera évidemment une ferme à faire Enfin en vrai je vais pas raconter tous les plans de A à Z De toute façon je vais vous les réexpliquer d'ici quelques jours Pour l'instant je vais juste farmer un petit peu de bois Et on va partir sur la construction de leur petite maison Ok bon bah pour ce qui est de la maison Je pense qu'on va commencer par un petit truc comme ça Ici ça serait l'entrée Et là du coup nous aurions Hop ça comme ceci Et ça comme ça Ouais en vrai je pense que c'est assez grand On a pas besoin de se prendre la tête davantage Ici du coup ça serait euh, l'entrée on va faire comme ceci Et ici On va agrandir un petit peu Hop On va faire ça comme ça Un petit peu plus haut que l'entrée Ça commence à faire un bail qu'on est là hein. Franchement notre base elle commence vraiment à avoir de la gueule En 30 jours on a fait pas mal de choses Et comme d'habitude rituel du jour Avec également le 360 Nos scopes Oh mince pardon pardon mon ami pardon <laughs> Je lui ai balancé un œuf sur la gueule le pauvre Repartons donc sur la construction de notre petit breeder nous euh, Est-ce que j'ai encore beaucoup de blocs à ma disposition Alors j'ai pas mal de stone brick, ça c'est pas mal Alors je pense qu'on va faire un truc comme ceci, le bas des murs, on va les faire en deep slate. Et au dessus, on y mettrait la stone brick. Ouais, en vrai, c'est pas mal comme ça. Voilà, parfait. Bon, en vrai, le mieux ça serait d'avoir des vitres. Pourquoi pas Malheureusement, je ne pense pas avoir accès à du sable. Attendez, c'est quoi ça Ça, c'est du sable Non, ça, c'est de la neige. Pourquoi y a de la neige ici Je ne comprends pas trop. Ok, euh, le mieux ça serait d'avoir accès à du sable. Malheureusement, je ne pense pas en avoir encore. Je vais aller voir là bas, parce que là bas, il y avait un petit océan ou alors une mer. Peut-être qu'il y a du sable pas loin. Là bas également, nous avions aperçu un océan au tout début d'aventure. Euh, ouais, malheureusement, on est encore assez loin du sable. Ok, c'est pas grave. Bon, on n'a pas de sable pour l'instant. On va se Passer, je pense que les murs dans les coins, on va les faire totalement avec de la deep slate, mettre des petites trappes sur les côtés en guise de déco. Voilà, parfait. Je vais en mettre également là au-dessus de la future porte que je vais mettre dès maintenant. Attendez, je vais aller en chercher les portes que je vais mettre comme ceci. Euh, il faudrait peut-être que je mette autre chose que des portes. Il me semble que les villageois peuvent ouvrir les portes, euh, donc je pense que simplement ici on mettra des petites barrières comme ceci. Alors, pour ce qui est des murs, après mur réflexion. <laughs> Ah là là, je suis un génie des jeux de mots. On va faire quelque chose comme ça avec des escaliers et des barrières à l'intérieur. Ça rajoute déjà du relief et du style. Voilà. On aime bien. On va laisser ça comme ça, je pense. Hop, on va faire ça sur tous les côtés. OK, je pense que là on est bon. Bah maintenant, il va falloir s'attaquer au toit et pour le toit, j'ai une idée assez précise de ce que je vais faire, mais malheureusement, je pense qu'il va me falloir un petit peu plus de bois. Hop, il va me falloir des slabs de stone brick et des slabs en bois. Je vais donc partir sur deux toitures, il y en aura une ici et je vais en faire une deuxième un peu plus grande sur le derrière. Voilà, parfait, j'ai enfin terminé. Et maintenant, nous sommes enfin prêts à accueillir nos futurs villageois. Il manque plus qu'à attendre que ces énergumènes puissent enfin venir. D'ailleurs, je vais aller dormir pour pouvoir agrandir à nouveau la zone. Et on passe enfin au jour 31. Regardez-moi ça, mon champ de blé a totalement poussé. On pourra donc avoir une énorme quantité de pain avec tout ça. Toi aussi, t'en veux, mon petit Allez, tiens, chickenito. Regardez-moi ça, j'ai quasiment 3 stacks de blé. Ce qui me fait bah, quasiment un stack de pain supplémentaire. Et dire qu'en début d'aventure, on manquait de nourriture. Contrairement à ces pourritures. Oh mince. Bon, bah on se rapproche toujours plus des villageois. Malheureusement, bah je suis encore loin de pouvoir les ramener, j'ai l'impression. En plus, j'ai totalement fini leur nouvel habitat. On va juste un petit peu décorer. Hop, on va rajouter un petit chemin de terre retournée qui nous permettra de pouvoir nous rendre directement jusqu'à notre base. Et euh, dedans, il va falloir que j'aménage un petit peu. Je pense que je vais aller construire quelques lits déjà. Avec toute la laine que j'ai pu récupérer. Grâce à notre ami le mouton que je vais tondre encore une fois. Le pauvre, je vais le tondre à l'infini. Il pourra plus jamais faire de laine de toute sa vie. Et d'ailleurs j'ai deux oeufs. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un nouvel acolyte? Toujours pas mon petit pouletto. Alors comme je vous l'avais dit, regardez-moi ça, j'ai 17 laines. Je vais donc pouvoir me confectionner quelques lits supplémentaires. Tac, tac. Tac, tac. Ah, c'est dommage, j'aimerais bien que ce soit symétrique. Malheureusement, ça ne le sera pas. J'arrive, mes petits bébés. Bon, ceci dit, notre territoire a pas mal augmenté. Je vais pouvoir planter quelques arbres. On risque d'avoir bientôt besoin de pas mal de bois, donc je vais en replanter quelques-uns. Qu'est-ce que je vais faire de ces petits zigotos Je pense que je vais essayer de tuer le creeper. Attendez, est-ce qu'il peut pas tirer sur le creeper, lui, par hasard Hop, tire sur le creeper, mon pote. Essaye de le tuer, s'il te plaît. J'aurais vu ça passe à travers le creeper, là. Oh, non, non, non Aïe Oh mon dieu! Oh non, le creeper il a totalement pété. Aïe! Non, non! Oh là là, regardez-moi ça. La flèche en pleine tête, les flèches dans les chevilles. Bon, écoutez, là il va vraiment falloir que je me stuffe les amis. Ça commence à être terrible, je me fais bolosser par tous les monstres. Je pense qu'il va être temps que j'aille miner un petit peu plus de fer. Comme je vous disais la dernière fois, quand je partais miner, il me semble que j'avais découvert une grotte avec pas mal de mobs à l'intérieur. Faudrait que j'essaye de retrouver l'entrée, je sais plus du tout par où c'était. D'ailleurs, attendez ici, est-ce que j'aurais pas accès à d'autres trucs assez intéressants depuis le temps? Oh oui, effectivement, regardez-moi ça. J'ai accès à quelques lingots de fer supplémentaires. Ça c'est plutôt cool. Hop, je vais tout récupérer. Ah ouais, la barrière elle a quand même pas mal grandi hein, depuis le temps. Ah oui, en plus on en a énormément. Ça c'est plutôt cool. Ah oui, nice. Et j'ai même accès à pas mal de charbon. Voilà, regardez-moi ça. C'était juste ici. On a plusieurs creeper. Ouh là là. <laughs> attendez, est-ce que je peux pas m'occuper d'eux Non. Vas-y, explose ce squelette. Ok, il a tué le squelette. Non, toujours pas. Meurt. Ok, attendez. On va essayer d'être un petit peu plus malin. Aïe. Ah décidément, moi et les flèches dans le crâne, on fait plutôt bon ménage. Bon maintenant qu'ils sont tous morts, je devrais avoir un accès un petit peu plus safe. On va essayer d'éclairer la zone. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y ait des centaines de monstres non plus. Ok, il y a un zombie juste ici. Ça va, c'est condamné. On ne risque pas de danger. Seulement mon ami, tu vas mourir. Alors par contre je pensais que la grotte était quand même un petit peu plus grande. On a simplement accès à quelques lingots d'or, ok. Mais à part ça, clairement, nous n'avons pas grand-chose. Donc bon, on va simplement remonter tristement, sans avoir le moindre équipement pour nous protéger. J'ai l'impression qu'on est uniquement voué à attendre que les villageois rejoignent notre territoire. Ces deux zigotos là-bas. Alors attendez, je vais essayer de déplacer un petit peu les composteurs et les mettre plus dans le coin. Mais peut-être qu'il y a des villageois ici à proximité qui voudront bien être attirés. Euh, on verra bien, écoutez, je vais laisser ça là pour le moment. Et quand les villageois se décideront, ils nous rejoindront. On va s'occuper déjà de ce mec. Je vais essayer de l'enfermer parce que il est un petit peu dangereux. Hein, on va pas se mentir. Je pense que le creeper nous a un petit peu facilité la tâche. Regardez ce que je vais faire avec cet imbécile. Hop, tu vas plus me tirer dessus mon pote. On va complètement l'enfermer. Tac, tac 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 tac. Voilà, parfait. D'ailleurs, il a tout pété ici le creeper. Regardez-moi ça, il a complètement saccagé ma construction. Quelle honte. Heureusement que c'est pas très compliqué à reconstruire. Voilà, parfait. Et ici, je pense qu'on va faire carrément une tombe. Regardez-moi ça. Hop, hop et hop. Voilà, ça fait une petite tombe. Danger de Mort. RIP. Au moins, comme ça, les villageois sauront qu'il ne faut pas s'approcher de ce trou. Et oh Un deuxième mouton Me dis pas que mon mouton s'est échappé quand même. Ah, si, si, je crois bien que mon mouton s'est échappé. Ok, il faut vite que je le ramène. Reviens, mon pote. J'ai vraiment cru que j'allais finir par le perdre. Ça serait une terrible nouvelle. Allez, viens là. Tiens, tac, bouffe ça. En même temps, je vais te tondre. Parfait. Et je pense qu'en attendant que les villageois arrivent, il va falloir que je terraforme un petit peu la zone, que je rende ce territoire un petit peu plus propre. Surtout qu'ici, regardez-moi ça, on arrive bientôt sur l'océan. Ça serait cool qu'on fasse quelque chose de stylé devant notre base. Pour ce faire, je vais déjà couper plein d'arbres. Regardez-moi ça, tout a poussé. On a une quantité d'arbres astronomiques. Je pourrais me faire pas mal de bois et j'en aurai besoin pour les constructions. Ok, j'ai presque un stack. Ça devrait faire l'affaire pour le moment. Je vais essayer de voir autour de ma base. S'il n'y a pas des animaux ou des trucs comme ça qui seraient en train de rôder pour qu'on puisse les ramener, notamment des vaches ou encore des poulettes, ok, toujours pas de poulet. Il y a quelques jours, nous avions vu une vache qui traînait autour de notre base. Ça serait plutôt cool de pouvoir la ramener. Alors, tac tac, non, il y a absolument personne, mais comme vous pouvez le voir, on se rapproche de plus en plus de l'océan. Alors, est-ce qu'il y aura quelque chose d'intéressant à récupérer dans l'océan Je ne pense pas. Oh mon dieu, il m'a fait peur. Meurt. Oh mon dieu, qu'est-ce qui m'a fait peur! Il a spawné de où lui? Ok, il a dû spawner par ici. On va éclairer un peu. Ah, là-dedans. Ok, une grotte. Meurs, meurs! Espèce de fou! Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est. Ah oui, d'accord. Ok, c'est la fête là. Oh là là, oh là là. On rentre à la base, on rentre à la base. J'ai failli mourir. J'étais à une flèche de mourir les amis. C'est terrible ce qui se passe. Je ne suis même plus en sécurité dans mon propre territoire. La vache elle est juste là. Non, ne t'envoie pas. Reviens. Regardez la flèche là-bas. Cette flèche a failli me tuer les amis. Ok là, on n'a pas le temps. Avant qu'il fasse nuit, il faut aller vite récupérer la vache. Bon, ça ne nous sert pas à grand chose actuellement, mais c'est toujours bon à avoir. Au moins comme ça, s'il y en a une deuxième qui veut se ramener, on pourra se faire un élevage. On a donc trois animaux différents à notre disposition à présent. Maintenant, il va falloir aller sécuriser cet endroit, cette grotte. Et pour ce faire, je vais pas du tout aller tuer les monstres comme un je vais simplement aller reboucher le trou. Mais je pense qu'on va attendre que le soleil se couche avant. Histoire de partir en plein jour. Alors attendez, parce que le squelette il avait un casque. Hein, ça veut dire Il a pu potentiellement ne pas brûler. Ok, là on a un zombie. Ok, j'ai l'impression qu'on est bon. Comme ça, je me sens déjà bien plus en sécurité. Je vous avoue. Il va juste falloir faire attention d'ici les prochains jours de bien recouvrir la zone ici. Parce que j'ai l'impression que les mobs peuvent encore sortir par là. Et d'ailleurs, ici aussi, on va reboucher parce que c'est un peu moche. Et d'ailleurs, profitons-en pour récupérer un petit peu de bois. Tiens. Oh, par contre, c'est que des arbres gigantesques. Oh, c'est relou ça. Ici, nos villageois sont Toujours là-bas. J'espère qu'ils sont pas bloqués par contre, hein, ça serait terrible. Malheureusement, je crois que les rêves, c'est la nuit, B21. Ça sert un peu à rien de rêver dans ce genre de situation. Viens là mon pote, t'es où Ah oh non, il est passé où Ah, il est là-bas non poulet tout Oh non oh il s'enfuit Oh mon dieu mais il a rien compris à la vie celui-là Ok c'est pas grave on va le laisser là-bas écoutez Bon maintenant que nous avons bien éclairé toute la zone Je pense qu'il va falloir vraiment que je me stuff Donc je vais retourner à les miner dans les grottes En espérant trouver du fer principalement Et pourquoi pas du diamant évidemment Bon bah je vais descendre donc à la couche moins 58 Et je vais essayer de trouver du diamant écoutez On a que ça à faire de toute façon Si je peux me stuffer en full diamant avant d'être en full fer Franchement moi je prends Mais bon j'ai l'impression qu'à cette allure On va être stuffé en or plutôt qu'en fer ou en diamant et bon, comme le minage optimisé ne peut pas être infini étant donné que je suis dans une zone délimitée, je vais essayer de quadriller absolument toute ma zone. Comme vous pouvez le voir, je vais longer tous les murs. Et après, je ferai du minage optimisé. Regardez-moi ça, je ferai ça tous les deux blocs. Histoire de pouvoir quadriller absolument toute ma bordure. On verra si cette technique est vraiment si fructueuse que ça ou si ça va être un flop monumental. Ok, bon, j'ai terminé de faire le tour complet. J'ai commencé du coup à creuser en ligne droite de ce côté-ci. J'ai fait tout le tour pour re-arriver par là. À part quelques poudres de redstone, je n'ai absolument rien récupéré. Malheureusement, je crois que je vais devoir perdre espoir. Regardez, ma pioche elle est bientôt pétée. Ça, ça risque d'être terriblement mauvais pour moi. C'est pour ça que maintenant je vais commencer à faire du minage optimisé pour voir si j'ai pas loupé quelques diamants sur la route. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ça sur tous les côtés et sur toute la ligne droite. De creuser tous les deux blocs parce que là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu mal barré pour trouver du diamant. J'ai vraiment cru que c'était la délivrance. Malheureusement, ce n'est que du lapis. Bon, ma pioche va bientôt casser. Je n'ai pas récupéré de diamant, malheureusement. Mais il va être temps de remonter. Écoutez, on peut pas rester là indéfiniment de toute façon. Ah, home sweet home. Okay. Et notre vache est toujours là. Et là-bas, est-ce qu'il y a du neuf Est-ce que les villageois se seraient approchés un petit peu Non, ils sont toujours là, malheureusement. Aïe Oh Mur Creeper Ok, on a accès à une grotte par ici. Est-ce qu'il y aurait du fer Et non, toujours pas. Cette grotte, il va falloir faire attention. Je l'ai éclairée. Normalement, il n'y a aucun mob qui devrait pouvoir spawner et nous surprendre en pleine nuit. Je vais éclairer également par ici. Hop, pour pas avoir de mauvaises surprises. Bon, je pense qu'avec les trois diamants restants, il va falloir que je me reconfectionne une pioche en diamant parce que la mienne est complètement pétée. C'est terrible. Je vais ranger toute la dipslate que j'ai récupérée. Par contre, ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir se faire de belles constructions avec. D'ailleurs, je pense qu'il va bientôt falloir que je réfléchisse à ce que je vais construire parce que là, le territoire s'agrandit toujours plus chaque jour. Ça commence à être vraiment immense, par contre. Ici, est-ce que le poulet... Tôt... Oh, il y a une autre vache. Une autre vache qu'on devrait pouvoir attirer d'ici quelques jours. Au niveau des villageois, il bah, y a toujours ces deux mecs là, mais je crois qu'ils sont bloqués. Hein. Ils sont à la limite. Limite de la faille, en fait, je crois que le seul moyen de les sauver, bah, ça va être d'attendre que notre barrière aille jusqu'à eux. Bon, pour le moment, il va falloir faire preuve de patience de toute façon. Le temps que les villageois arrivent, on a encore plein de choses à faire sur notre territoire. D'abord, je vais aller voir si je peux pas attirer la vache avec du blé parce qu'elle est quand même pas très loin de la muraille. Oh, a... oh là là, je l'ai entendu, mais purée, il faut que de me faire peur ces monstres assoiffés de sang. Attendez, mais comment il est arrivé là? C'est ouvert ici. Oh mince, meurs. Ok, faut vite refermer. Regardez-moi ça, je suis sûr, il a des monstres qui spawn à la mort ici. On va attendre le lendemain pour fermer définitivement la grotte. Vous vous rendez compte comment un simple Zombie peut me faire peur à un point inimaginable. Il suffit qu'il y ait deux zombies qui me sautent dessus, ils ont vraiment beaucoup de chance de me tuer. Chickenito, Pouleto, reviens oh, terrible. Oh regardez-moi ça Un nouveau village au trader. Bonjour mon ami. Que m'échanges-tu? Ok, des choses pas très intéressantes encore une fois. Franchement, c'est assez triste. Hein. De toute façon, même si j'avais des émeraudes, je ne pourrais rien t'échanger. Tu veux rentrer chez moi, mon ami? Viens. Viens, je t'ouvre mes portes. Rituel, jour, bonjour. Ok, hello world. Nouveau jour, nouveaux objectifs. Bon, comme vous avez sûrement pu le remarquer, notre zone commence vraiment à s'étendre énormément. Et je vous avoue que mon territoire commence à me sembler assez petit. Je pense qu'il va falloir qu'on reparte sur une expansion de territoire. Appelez-moi Satoru Gojo. Il va donc falloir que j'étende encore une fois mon territoire et donc que je reconstruise une muraille à l'instar de celle que nous avions construit juste là. Je pense donc euh, que à partir de là, je pense à peu près, je vais me reconstruire une autre muraille afin d'agrandir au maximum mon territoire, ce qui me permettra de pouvoir faire d'autres constructions et surtout d'être plus en sécurité. Pour ce qui est de la deuxième muraille, je pense que je vais la faire en deep slate cette fois-ci, histoire de changer un petit peu. Mais bon, pour reconstruire une muraille, je pense qu'il va falloir qu'on terraforme encore un maximum la zone. J'aimerais bien faire quelque chose de vraiment très plat autour de ma base. Donc bon, on va simplement up délimiter la zone ici et pareil ici. Voilà, entre les deux blocs de teuf du coup, on va laisser cette zone et en dehors il va falloir tout terraformer pour rendre absolument tout super plat. Autant vous dire que je vais avoir du boulot. De toute façon je pense que le temps qu'on atteigne les villageois on a de quoi faire et on aura le temps de construire un maximum. Je vais donc me confectionner un max de pelles, quelques haches également. Et avec tout cet arsenal d'outils, je pense que là on aura de quoi faire. Oh mon dieu, non. Oh non, pas lui. Il a réussi à s'échapper ou c'est un autre. Oh non, mon dieu, non. Non, pitié. Oh mon dieu, pitié. Pas eux, pas ces énergumènes. Tu viens venger ton pote, c'est ça Je vais rentrer dans ma base tranquillement. Euh, ouais, c'est clairement lui qui a appelé son pote. Bon là, on est dans la merde. Euh, Est-ce que j'ai toujours mon arc Ok, j'ai mon arc. J'ai 14 flèches en plus. Ok, c'est parfait. On va le zigouiller. Comment ose-t-il entrer sur mon territoire C'est exactement de ça que je vous parlais, les amis. Il faut absolument qu'on étende notre territoire. Il a ramené toute son armée. Oh mon dieu. Okay. Ok, normalement il devrait pas m'atteindre. Tu vas mourir, quitte à autoriser à venir m'attaquer. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai Badomène et cette fois-ci notre vache que nous avions apprivoisée va nous être très utile. Clairement, les gars, j'ai pas envie de me balader avec Badomène, surtout en sachant que les villageois vont bientôt arriver. Je vais donc obtraire traire ma vache. Bon, je pense que maintenant on peut enfin s'attaquer à l'opération extension. Oh mon dieu, non Il me course, il me course, il me course, il me course. Oh mon dieu, ils prennent possession de mon territoire. Ah oh, c'est fou ce qui se passe, les amis. Complètement fou. Regardez-les, ils sont en train de prendre d'assaut mon royaume. Meurs Ok, ils peuvent pas m'atteindre, j'ai l'impression, d'ici. Meurs. Et il y en a un dernier juste ici que je devrais pouvoir atteindre en vrai. Je suis Gotaga. Voilà, regardez-moi ça, je suis Gotaga. Oh, il y en reste un là-bas. Oh mon dieu, il va falloir que je l'élimine. Allez, viens. Ok, il me suit, il me suit, parfait. Viens là, espèce de fou. Je vais t'attendre, regardez-moi ça. Regardez-moi la strat. Attendez, il est où Meurs Meurs Voilà. Bon cette fois ils sont tous morts. Pitié, dites-moi qu'ils sont tous morts s'il vous plaît les gars. J'en peux plus de ces monstres. Je n'en peux absolument plus. J'espère qu'il n'y en a plus un seul. Ils ont failli m'avoir ces monstres. Mais ils n'auront pas le grand B-21. Le grand B-21 va donc agrandir son royaume dorénavant. Je ne peux plus permettre ce genre de sottises d'arriver sur mon territoire. Il est enfin temps de commencer l'opération d'extension du territoire. Voici donc le côté une fois totalement terminé. Ça fait déjà bien plus propre comme ça. Bon, après, évidemment, j'ai pas encore terminé toute la longueur. Il va falloir ici que je referme comme ceci, histoire de tout remettre au même niveau. Il faut juste que je fasse ça sur toute la longueur. Au moins, comme ça, tout le côté sera de la même hauteur. Je vais pas non plus m'occuper de reboucher intégralement les trous. Comme vous pouvez le voir, on s'en fout de si ça fait moche en dessous ou pas. De toute façon, on le verra pas depuis notre château. Au moins, comme ça, ça me permet de pouvoir recycler aussi au maximum la terre que j'ai récupérée en creusant. On fait donc une pierre de coups. Et pourquoi pas une terre de coups voilà parfait là c'est déjà beaucoup beaucoup plus propre regardez moi ça ce terrain totalement plat mon futur royaume va s'étendre d'une manière incroyable bah maintenant faut faire de l'autre côté et oui c'est triste. Et pour ce qui est du devant, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais je pense que le devant, on va pas encore l'aplanir tout de suite. Comme le derrière, on s'en occupera à la fin. On fera peut-être quelque chose d'un peu stylé par ici. Mais dans tous les cas, il va falloir maintenant s'attaquer au côté droit, que nous allons également aplanir à l'instar du côté gauche. Donc bon, regardez-moi cette jungle, c'est dégueulasse. Il va falloir transformer tout ça en un beau terrain vague. Allez, c'est parti. Bon, j'ai presque fini les gars Regardez-moi ça par contre, c'était terriblement long Tellement plus long que l'autre côté Et d'ailleurs, regardez qui s'est ramené parmi nous Madame Margaret, la deuxième vache de notre aventure Qu'on va directement ramener dans notre base Revenez Mister Chip, revenez vous deux, c'est complètement fou Parfait, en plus on est à la fin du jour 40 les amis Le temps passe vite, le temps passe vite On est bientôt à la moitié de cette aventure déjà Et on a accompli énormément de choses à vrai dire Madame la vache, oh let's go, le premier bébé vache Qui dit élevage d'animaux, dit qu'il va bientôt falloir leur construire une grange Mais bon, avant ça, il va falloir finir de tout terraformer et d'ailleurs il va aussi bientôt falloir que j'éclaire un petit peu la zone parce que là il va commencer à y avoir des monstres à gogo Mais c'est terrible ce qui se passe mais ils vont se spawner par milliers ou quoi Mais c'est quoi ce bordel Oh mon dieu Mon dieu mais je me fais assaillir de tous les côtés en fait mon royaume ne sera jamais en paix Il faut absolument que je finisse rapidement la muraille Sinon je risque de mourir très très rapidement Vous savez quoi avant qu'ils arrivent hop je vais simplement bloquer. Au moins, comme ça, ils ne pourront pas monter normalement. Enfin, je l'espère. On va essayer de tout reboucher. Déjà pour tout remettre à niveau. Mais surtout pour empêcher ces monstres sanguinaires d'entrer sur mon territoire. Il me reste juste ce petit coin de terre à enlever et on sera bon. Bon, mission numéro 1, aplanir tout le territoire. Enfin accompli. On va enfin pouvoir passer à la construction de la muraille dorénavant. Mais avant ça, euh, c'est le rituel du jour. Euh, rituel du jour, bonjour. Euh, Donne-moi ta laine. Regardez-moi ça, les. Tonne de blocs de dirt que j'ai, c'est terrible. Et il va également falloir que je replante tout mon blé. Avec ça, je vais pouvoir me faire encore plus de pain. Ouais, on aime le pain ici. Bon, bref. Est-ce que ces énergumènes ont donc pris possession de mon territoire euh, Non, toujours pas. Ok, ils ont pas réussi à revenir. C'est plutôt cool. D'ailleurs, ici aussi, il va falloir refermer. Malheureusement, en fait, je peux pas vraiment aplanir toute la zone. Vu qu'à chaque fois que j'aplanis la zone, et eh bah ben, cette dernière augmente. Du coup, je vais devoir aplanir H24. Je pense que cette taille de territoire, ça devrait faire l'affaire. Pour une deuxième muraille, J'ai pas besoin d'augmenter davantage. Et comme je vous l'ai dit, la deuxième, je pense qu'on va la construire tout simplement avec de la deep slate. Comme vous pouvez le voir, j'en ai en énorme quantité. Je vais transformer toute ma deep slate en stone brick. Regardez, il est juste ici, il faut absolument qu'on se dépêche. Oh là 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 là, regardez, ils sont sur le point de monter la muraille. Je vais la commencer à partir d'ici, je pense. OK, ils ne peuvent pas m'atteindre de là où ils sont et la muraille comme je vous l'ai dit, on va la commencer par là. Hop, et on va la faire aller presque jusqu'au bout. On va la faire aller jusqu'ici, je pense, on va pas aller plus loin. Aïe. Oh mon dieu, mais ils arrivent à me toucher d'ici. Bon, il est temps de build. Il ne faut pas les laisser rentrer sur nos terres. On va refermer jusqu'au bout. Voilà, parfait. Attendez, ils essayent de monter là. S'ils font preuve d'un petit peu d'intelligence, ils vont pouvoir s'incruster dans mon territoire. Donc on va essayer de se dépêcher avant que leur cerveau se connecte. Une fois qu'ils auront connecté leur cerveau, je pense qu'ils vont être un petit peu plus dangereux. Pour l'instant, je vais simplement poser tous les murs. Voilà, parfait. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé la construction du mur. À partir de maintenant, les pillagers ne devraient plus être en capacité de rentrer dans mon territoire. Et juste ici, je construirai une entrée qui me permettra de pouvoir rejoindre l'intérieur de mon royaume jusqu'à la zone extérieure. Donc ici, on va simplement le laisser ouvert pour le moment. Et maintenant, bah il me reste plus qu'à refaire la même chose de l'autre côté. Oh tiens, bonjour Mister port Tu as donc réussi à t'incruster dans mon territoire. C'est un bon choix de ta part, Mister port Malheureusement, tu n'as pas réussi à attirer nos amis les villageois. Ils ont toujours pas l'air d'être intéressés par la proposition. Bon écoutez de toute façon, qu'ils le veuillent ou non, on les forcera à venir un jour ou l'autre. Bon bah voilà, parfait. J'ai enfin terminé la muraille. Bon écoutez, j'ai fini les prémices de la muraille, on va dire, parce que là, elle est loin d'être terminée. En soi, il va falloir que j'ajoute encore beaucoup de décorations. Mais c'était juste histoire de délimiter bien la zone. Au moins comme ça, je sais que cette zone-là est maintenant save, que la zone là-bas normalement est maintenant save, et notre royaume commence de plus en plus à se dessiner. Par contre, il va juste falloir éclairer un petit peu la zone pour éviter que les mobs spawn, effectivement. J'ai pas envie de me retrouver avec des mauvaises surprises toute la nuit. Hello world, rituel du jour, bonjour. D'ailleurs, ça nous fait combien de laine maintenant Ça nous en fait 12. Ok, avec 12 on va pas pouvoir faire grand chose. Je vais aller voir ce qui se trame de ce côté. Attendez, parce que normalement, voilà, j'ai accès un petit peu plus aux maisons des villageois de Oh mon dieu, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait là lui Non Meurs Meurs Comment est-ce qu'il est rentré Attendez, attendez, me dites pas que ne me dites pas que l'heure d'urgence déclenchée, comment est-il rentré sur mes terres Ne me dites pas qu'ils ont réussi à brancher leur cerveau quand même. Comment aurait-il pu rentrer J'ai l'impression qu'ici ils sont plus là. Ils ont donc réussi à rentrer par un autre moyen. Mon dieu, mais comment est-ce qu'il est rentré sur mes terres celui-là Écoutez, on va essayer de rester vigilant. Bon, du coup, qu'est-ce que je voulais faire moi Je voulais aller visiter le village. Et d'ailleurs, il y a même ces énergumènes, on va pouvoir rapprocher un petit peu plus les composteurs. Les gars, je sais que vous êtes vraiment pas loin. Alors ici, nous avons accès à la maison d'un villageois. OK, je peux pas aller plus... Plus loin que ça. On va essayer de récupérer un petit peu quelques blocs intéressants. Non, à part ça, je peux rien avoir de plus et de plus intéressant. Donc bon, autant continuer la muraille, j'ai envie de dire. Pour continuer de décorer la muraille, il va me falloir pas mal de bois. Est-ce que j'en ai J'ai un stack ici. Euh, j'ai 12 de bois ici. Ah oui, d'accord. Ah ok. J'ai encore un stack et demi ici. Bon, malheureusement, ça risque d'être loin d'être suffisant. Donc bon, je vais récupérer quelques haches supplémentaires. Et on va simplement partir sur du bûcheronnage. Donc je pense qu'en attendant que la forêt repousse, je vais essayer d'agrandir la muraille parce que 2 de haut, ça ne m'est pas suffisant pour le moment. J'ai envie de faire trois ou peut-être 4 de haut, je pense. Il va donc falloir que je l'augmente un petit peu la muraille. Déjà pour être un petit peu plus safe dans mes terres, mais surtout pour pouvoir lui donner plus de style parce que plus elle sera grande et imposante, mieux ça rendra dans le décor, je pense. Oups, euh, par contre j'avais oublié que j'allais finir par être à court de Deep Slate. Aïe aïe aïe, j'en ai plus, c'est malheureux. Bon écoutez de toute façon, la forêt n'a pas encore fini de pousser, donc je pense qu'on peut continuer à aller farmer un petit peu de Deep Slate. Dans notre magnifique mine optimisé qui ne l'est pas vraiment à vrai dire étant donné que je n'arrive même pas à trouver le moindre diamant ce qui est quand même vachement ridicule on va pas se mentir mais bon dans tous les cas ça me permettra de pouvoir avoir énormément de deep slate à ma disposition donc on se retrouve sur une bonne séance de minage en fait j'ai capté en fait c'est les mystérieuses cités d'or en dessous de ma base il n'y a pas de diamant il y a pas de fer il y a que de l'or le seul minerai qui sert absolument à rien bon bah mon inventaire est plein et comme vous pouvez le voir bah je n'ai toujours pas de diamant par contre j'ai récupéré énormément de redstone et quelques lingots d'or c'est plutôt pas mal même si ça ne me sera d'aucune utilité Bon, remontons à la surface, il va être temps de terminer cette muraille. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que j'aimerais bien me confectionner. Euh un stone cutter. Malheureusement, dans mes coffres, je n'ai qu'un seul morceau de fer. Tant vous dire que j'ai pas du tout envie de le gaspiller pour me faire un stone cutter. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point on est pauvre, les amis Bon, le soleil s'est levé, il est temps de regarder autour de nos terres s'il se passe des choses intéressantes. Si des monstres veulent s'accaparer nos territoires ou pas. Euh, alors ici, RAS, RAS. Vous savez, là, j'ai l'impression de me prendre pour qui On dirait la petite statuette d'Akiriku. Vous savez, qui est tout au-dessus de la tour de Karaba et qui est en train de guetter les horizons. Bah là, je me sens un petit peu comme ça. Ok, dernière ligne droite. Et j'ai enfin terminé. Terminé. La surélévation de la muraille est maintenant opérationnelle. Il va donc maintenant falloir passer à la décoration de cette dernière. Malheureusement, pour la décoration, bah, il va me falloir toujours plus de bois. Et c'est pas avec ces pauvres petits arbres de merde là qu'on va aller très très loin. Je crois que le pire, c'est qu'on est même pas à la moitié de l'aventure encore. On peut clairement dire que le meilleur reste encore à venir. D'ailleurs, j'ai failli oublier, mais je crois que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait le rituel du jour bonjour. Rituel du jour bonsoir, même, j'ai envie de dire. Bref, ça nous fait donc 13 laines, ce qui est très très peu. Ok, jour 45. Il faudrait juste que je fasse attention ici. Je vais essayer de créer une petite entrée ou du moins un escalier hop comme ça au moins comme ça je peux avoir un oeil sur ce qui se passe de l'autre côté oh mon dieu un, un creeper un vilain creeper malheureusement il ne peut absolument rien faire bref 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 il va être temps du coup de commencer à décorer la muraille et je pense que je vais commencer en partant des côtés intérieurs qui sont juste là c'est une surface assez petite ça nous permettra de pouvoir créer le design donc bon pour ce faire il va juste falloir que j'enlève tous ces blocs dégueulasses que je vais remplacer par de la deep slate comme ceci Hop là, ça fait déjà un mur bien plus imposant comme ça. Bon, pour la décoration, j'aimerais bien utiliser de la stone brick. Malheureusement, je n'en ai pas. Il va donc falloir que j'en fasse cuire un petit peu. Hop, du coup, je vais en faire cuire un max pour avoir un peu de stone brick. Je vais également me reconfectionner un petit peu de charbon. Parce que je n'en ai bientôt plus. Tac, 43 charbons, ça devrait faire l'affaire. Ceci dit, je suis en train d'utiliser pas mal de mon bois quand même. On va faire avec ce qu'on a pour le moment comme ceci. On va faire dépasser de 1, je pense. Et on va les mettre tous les 1, 2, 3. 4, 5, tous les 5 blocs peut-être 2, ok, il va falloir que j'allonge un petit peu ce mur. Ok, alors comme ça, ça m'a l'air pas mal, je pense. Du coup, il va me falloir de la stone brick que je vais mettre des deux côtés. Attendez, il faut juste que je fasse pareil de l'autre côté, du coup, histoire que ce soit symétrique. Et ici, il va falloir faire deux d'écart, vu qu'ici, ça sera dans un coin, comme ceci. Au moins, comme ça, dans le coin, ça fait un petit triangle sympa. Ça fera l'affaire comme ça, et du coup, il faut que je surélève le reste maintenant. Bon, autant vous dire qu'on aura clairement pas assez de bois pour faire toute la muraille comme ça. Il va vraiment falloir que j'en farme un max. Mais bon, là, on a les prémices de la muraille. Du coup, là, on a la base avec le bois et la deep slate, Ça devrait faire l'affaire comme ceci, je pense. Il va maintenant falloir rajouter toutes les décorations, comme je vous l'ai dit. Je vais sûrement mettre des stone bricks, qu'il va falloir que j'aille récupérer, du coup. Que je vais sûrement mettre comme ceci. Évidemment, je vais le faire pareil sur le côté opposé. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et sur le haut, je pense qu'il manquerait plus que je mette des barrières. Exactement comme ça. Hop. Et en plus, ça me permettra de pouvoir garder une ligne sur laquelle je pourrais circuler au milieu. Étant donné que j'ai rajouté des extensions sur les côtés. Du coup, c'est parfait comme ça. J'ai envie de dire. Un petit peu de lumière pour éviter que les mobs spawn. Et là... On est parfait. Là, la muraille elle a vraiment de la gueule. Par contre, je pense que comme ça, c'est plutôt cool. On peut la laisser ainsi. Il a pas forcément besoin de rajouter plus de détails. En sachant que, comme vous pouvez le voir, ma pioche en diamant est bientôt pétée. Il faut pas que je l'abîme trop non plus, vu que je n'ai toujours pas de diamant de rechange. Si ma pioche en diamant pète, je ne pourrai pas m'en reconstruire une. Du moins tant que ces énergumènes ne sont pas sur mon territoire. Une fois qu'ils seront là, on pourra enfin se stuffer. Bon, par contre, ceci dit, la muraille, maintenant, une fois terminée, elle a vraiment de la gueule. Hein. On va pas se mentir. On aura fait ça sur tout le contour. Ça rendra merveilleusement bien. Bon, je pense que je je vais profiter de cette 45e nuit pour aller récupérer un petit peu de cobble. Parce que regardez-moi ça, juste ça de stone, ça m'étonnerait grandement que ce soit suffisant. Je vais donc aller récupérer quelques stacks supplémentaires. Ok, maintenant je peux faire chauffer tout ça. Et avec tout ça, je devrais en avoir assez maintenant pour pouvoir terminer la muraille. Enfin assez de cobble, évidemment. Du bois, clairement que j'en aurais pas assez. Euh, bon. Quoi de neuf euh, en cette nuit noire Je vais aller replanter un maximum d'arbres dans ma forêt comme vous pouvez le voir. Elle commence à vraiment bien pousser. C'est plutôt cool. Malheureusement, il va me falloir beaucoup plus de bois. Il va donc être nécessaire d'agrandir notre récolte. Attendez, par contre, ici, c'est pas du tout éclairé. J'aime pas trop trop euh, ce qui se passe par là. Regardez-moi ça. Un creeper totalement fou à spawner. Et ça pourrait être le cas à l'intérieur de mes terres. Il va donc falloir que j'éclaire tout ça. Oh mon dieu, la rienne. Meurt. Ok, là on est bien. Euh, je vais éclairer un petit peu plus quand même. Là, je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Oh là là. Oh, on a Spiderman ici. Regarde. <laughs> Regardez-le, il va monter jusqu'où lui Aïe, oh mon Dieu, mais regardez Spider-Man Oh c'est terrible, c'est terrible, mais comment ne voulez-vous pas avoir peur des araignées avec ça On ne peut plus l'arrêter. Ah bah si. Rituel du jour, bonjour. Et on peut enfin contempler ce magnifique lever de soleil. Le lever de soleil juste devant notre base. Notre base qui va donc falloir améliorer. Je pense qu'aujourd'hui on va enfin commencer à s'attaquer à la muraille beaucoup plus efficacement. Étant donné que j'ai pas mal de bois, je commence à avoir pas mal de cobble et tout. Là je vais essayer de... Hop, en espérant qu'il n'y ait pas de monstres à proximité. Comme des creepers ou des trucs comme ça. Je vais ravancer les composteurs. Ok, là normalement je devrais pouvoir les attirer, non Toujours pas Oh mon dieu, c'est terrible En fait, je pense qu'ils sont bloqués, hein. c'est surtout ça le problème, je pense. Oh là là, il y a un creeper dans cette baraque. Mon ami, que fais-tu ici Non Oh attendez, un stonecutter Oh, let's go Moi qui en cherchais un en plus. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas des villageois par ici, là On commence à vraiment rentrer dans le village, là par contre. C'est vraiment dommage qu'il euh, n'y ait pas d'autres individus qui se baladent. Est-ce que j'ai pas accès à la cloche Regardez la cloche, elle est juste là, elle est plus très loin. Cette fois que j'aurai accès à la cloche, bon, de toute façon, quand j'aurai accès à la cloche, je pense que j'aurai accès à ces deux mecs. Donc bon, en fait, je dis n'importe quoi. Bon, il va falloir maintenant continuer la muraille. On va partir sur un petit peu de build dorénavant. Je vais du moins essayer de poser toutes les bûches de bois que j'ai à ma disposition, histoire de me vider de mes stocks et voir tout ce que je peux faire pour le moment. Ok, bon, c'est parti. Je vais donc enfin commencer à poser tous les piliers en bois. Je vais poser les bases dans un premier temps. Hop, ça me permettra de pouvoir me rendre compte d'à peu près la quantité de bois qu'il va me falloir. Ok, parfait. J'ai fini un côté, je vais faire pareil de l'autre. Il me reste encore un stack et demi de bois, ça devrait faire l'affaire, je pense, au moins pour poser les bases des bûches. Après, pour les surélever, évidemment, il va nous en falloir davantage. Surtout que de ce côté, en plus, j'avais bien terraformé, ça veut dire que tout le mur n'est même pas terminé. Le mur n'est pas du tout terminé de ce côté-ci. Il va falloir l'agrandir davantage. Et tac, parfait. Ok, normalement, j'ai terminé absolument tous les contours de bois, que ce soit intérieur et extérieur. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini toute la rangée au final il me reste un peu plus d'une trentaine de morceaux de bûches c'est pas trop mal, finalement, il m'en a fallu un peu moins d'un stack et demi pour pouvoir tout faire. Et bah maintenant, il va me rester plus qu'à farmer assez de bois pour pouvoir surélever au maximum les piliers. Au final, la muraille devrait ressembler à ça sur tout le contour, ça rendra magnifiquement bien, je pense. En plus, on devrait bientôt avoir accès aux villageois. Oh, regardez, le zombie Il a qu'une envie, c'est d'aller bouffer du villageois Oh mon dieu, oh mon dieu, il faut que je les protège le plus vite possible. Si les zombies transforment mes villageois, on risque d'être dans une sauce intersidérale. Je vais juste essayer d'aller voir ce qu'est en train de faire ce zombie de la mort, là. Il ne faut absolument pas qu'il s'en à mes villageois, ah, il se rapproche petit à petit. Je vais éclairer un petit peu la zone par ici pour éviter que des mobs spawn et s'attaquent aux villageois durant la nuit. Oh non, non, oh non, 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 pas un creeper. Il va exploser ma muraille, se fou. Il va exploser ma muraille ici. Le squelette, il va vouloir me sniper. On connaît, connaît la chanson, mon ami. Aïe, oh mon dieu, oh, il fait mal. Cours pour ta vie 21 Ok, j'ai l'air de l'avoir semé. On a toujours nos deux zigotos ici. Un qui est sur le point de mourir, littéralement. Ma forêt, comme vous pouvez le voir, a pas mal poussé. Il est temps d'aller récupérer un petit peu de bois et de continuer à améliorer la muraille. C'est parti pour du bûcheronnage. Bon finalement avec tout le bois que j'avais j'ai pu finir toute la partie extérieure du côté gauche J'ai donc fait un quart de tout ce qu'il fallait que je fasse avec le bois Autant vous dire qu'il va falloir que je récupère encore énormément Malheureusement c'est pas avec des petits arbres de merde comme ça qu'on va aller loin Surtout qu'ils mettent 10 ans à pousser quoi Regardez moi ça j'en ai planté énormément mais ils mettent 20 ans à pousser C'est terrible Bon écoutez en attendant je pense que je vais simplement aller dormir parce que là il pleut j'aime pas trop Et j'aimerais bien qu'on puisse la finir avant de ramener les villageois dans le royaume Au moins comme ça ils seront tous en sécurité Ah ok Rituel du jour, où es-tu Où est ce mouton de malheur Là, il a dû s'échapper encore. Il veut échapper au rituel du jour. Tu n'échapperas pas au rituel du jour, mon ami. Sous ce magnifique... Oh, une abeille. Bonjour, Maya, l'abeille. Comment vas-tu Ok, toi, rituel du jour. Bonjour, donne-moi ça. Et il va être temps de récolter un petit peu nos ressources. Maintenant, ça fait longtemps, le blé a pas mal poussé. Et d'ailleurs, je me demande s'il va pas bientôt falloir que je délocalise un petit peu mes cultures. En vrai, j'aimerais bien, pourquoi pas, les faire devant le château, vous voyez. Ici, c'est un peu l'extérieur du château, en soi. Vu qu'il est en dehors des deux murailles, on pourrait essayer de terraformer un peu la zone. Et pourquoi pas y construire des champs gigantesque juste devant notre base. Et eh, honnêtement, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal comme projet, ça. On pourrait faire des coulées d'eau, vous savez, qui tomberaient tout jusqu'en bas pour se déverser ensuite dans ce petit lac. Donc bon, je pense que c'est ce qu'on va commencer à faire a priori. Mais il va d'abord falloir que je récupère tout ça. Ok, bon par contre, je vais éviter de tout replanter ici. Du coup, vu qu'on a comme projet de tout mettre devant, par contre, j'ai bien l'impression qu'il va falloir tuer cette énergumène. On va pas pouvoir laisser ça tombe ici. C'est assez dommage. Même si j'aurais bien aimé en vrai. Ah quoi que, en vrai, on peut la laisser. Vu qu'ici, je ferais pas de champ. Hop, je pense que toute cette zone ne sera pas cultivée histoire de pouvoir faire un passage, vous voyez, tout du long qui permettra d'aller jusqu'à la porte ici. Donc en vrai, je pense que ça tombe, on peut la laisser là. C'est une bonne nouvelle, mais il va falloir maintenant que je terraforme un petit peu la zone devant ma base. Donc bon, je vais aller me confectionner quelques petites pelles. Est-ce qu'il me reste un petit peu de cobble Non, et d'ailleurs, toute la stone a fini de cuire. Voilà, j'ai pas mal de stone que je vais pouvoir transformer en stone brick. On va mettre tout ça dans les coffres. Je vais récupérer un petit peu de cobble pour me confectionner d'autres pelles. Et je vais commencer à terraformer à partir d'ici, je pense. Au moins comme ça, comme je vous l'ai dit, toute cette longueur ce sera juste un chemin qui permettra de nous rendre du côté gauche jusqu'au côté droit mais bon en attendant il va falloir changer un petit peu tout ça Voilà, nickel. Là, c'est déjà bien, bien plus propre. C'est beaucoup plus homogène. Et c'est beaucoup plus plat. On va pouvoir y instaurer nos cultures. Au lieu de mettre des cultures, il va d'abord falloir que je confectionne un chemin. Je pense que je vais faire un chemin de 3 par 3 ou alors de 5. Soit de 5, soit de 3. Et je pense que 5, c'est le mieux. Ouais, je pense que 5, c'est le mieux. Du coup, on va faire 5 sur tout le long. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et maintenant, sur les côtés, à partir de cet étage-ci, il va donc falloir que je confectionne mes champs. Pour ce faire, normalement, si j'ai bien compté, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 de ce côté, c'est bon. 1, 2, 3, 4 de ce côté. Ah bah c'est bon aussi d'ailleurs parce que je pense que sur le côté de la muraille ici, je vais pas planter de blé. Ça ferait un petit peu bizarre, je pense. Donc euh, finalement, en fait, mettre une source d'eau ici, c'est absolument parfait. 1, 2, 3, 4. Hop et pour ce qui est du coup de la fontaine il va me falloir un petit peu de cobblestone je pense peut-être un petit peu de stone aussi on va pas en utiliser beaucoup non plus d'ailleurs regardez il y a le retour de Spider-Man Oh mon dieu mais c'est quoi ce bordel qu'est-ce qu'elles foutent les araignées sérieux sérieusement ici du coup il va falloir confectionner comme je vous l'ai dit hop une genre de fontaine On va faire quelque chose comme ça Hop 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 et hop. Et non, peut-être au lieu de mettre ici des blocs, je vais mettre des murets, je pense. Ça peut rendre pas mal si je mets des murets à la place. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça, en vrai, ça devrait le faire. Et maintenant, si je creuse ici, on va voir si l'eau s'écoule bien correctement. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique Est-ce que ce n'est pas grandiose Je vais donc essayer de reproduire la même chose de l'autre côté. Ça comme ça. J'avais fait quoi Un dernier comme ceci. Après, j'ai creusé et j'ai mis une source d'eau dans l'escalier. Absolument parfait. L'eau s'écoule correctement. Normalement, du coup, si je continue de creuser, hop, l'eau devrait s'écouler continuellement. Et comme ça fait un escalier, normalement, l'eau ne devrait pas s'arrêter de s'écouler. Peux-je faire ça juste jusqu'en bas du coup. Absolument parfait. Je vais donc faire la même chose de l'autre côté en faisant comme ceci. L'eau va s'écouler jusqu'au bout. Normalement, si je ne me trompe pas. Absolument parfait. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à planter mon blé autour de ces deux fontaines. Et ça sera totalement terminé. On prend toutes les seeds que nous avons dans notre inventaire. Et on part sur une petite session plantation. آله On Est bien, j'ai donc terminé de planter absolument tout mon blé. Bah, déjà, les récoltes vont tripler, quadrupler, quintupler de volume. Je sais pas c'est combien de fois plus grand que ce que nous avions là, mais en tout cas, avec ça, on va avoir du pain en illimité. Et nous, on aime le pain. Bon, d'accord, j'arrête avec ce running gag, et en plus, il ne m'appartient même pas. Bref, plutôt fier, n'empêche de mes petites sources d'eau. Regardez-moi ça, ce design, il est vraiment sympathique. Plutôt fier de ça, je trouve que c'est littéralement ça le plus beau dans tout ce que nous avions fait jusqu'à présent. Maintenant que le devant de mon château est totalement terminé, on peut passer à la suite. Et la suite, c'est tout simplement bah, repartir sur. Sur la construction de notre muraille et malheureusement la muraille on ne la finira clairement pas avant le jour 50 c'est plutôt dommage mais bon on va essayer de l'améliorer au maximum d'ici là est ce que notre forêt a bien poussé ouais let's go regardez moi ça regardez moi ça là on va avoir du bois à récupérer alors là bas est ce que nos villageois sont complètement bloqués toujours ouais ils sont là normalement à partir du prochain jour on devrait pouvoir se rapprocher encore un tout petit peu mais bref je vais aller me reconfectionner quelques haches parce que là j'en ai clairement plus du tout je les ai toutes pétées à force de bûcheronnage il me semble et d'ailleurs le coin ici je suis très Loin d'avoir fini toute la décoration, il y a encore pas mal de choses qu'on pourrait améliorer. Comme tout d'abord, hop, rajouter quelques petites barrières par-ci par-là, rajouter évidemment de la lumière parce que là il en manque un petit peu quand même. On essaiera de rajouter, hop, regardez juste des petites barrières par-ci par-là. Le mieux, ça aurait été d'avoir des lanternes. Malheureusement, bah, comme j'ai quasiment pas de fer, bah, il y aura pas de lanterne. On va se contenter de ça pour le moment. Ça fait déjà bien plus moyenâgeux, on va dire. Ça fait un peu plus réaliste. Bref, dans tous les cas, ça rend bien quand on aura terminé en plus la muraille et qu'elle sera bien éclairée. Ça rendra encore mieux. Et demain, on va attaquer directement à du bûcheronnage pour continuer notre muraille. Ok, bon ça m'a pris toute la journée et toute la nuit, mais j'ai enfin terminé le côté gauche de la muraille au grand complet. Bon finalement j'ai quand même utilisé pas mal de bûches de bois. Hein. J'aurais peut-être dû réduire un petit peu et faire genre tous les 5 blocs. Vous voyez j'aurais peut-être dû enlever les bandes du milieu, là ça m'aurait fait économiser beaucoup de bois. Le résultat en vaut la peine, donc c'est plutôt cool et en plus regardez ça fonctionne parfaitement. Les monstres ne peuvent absolument rien faire contre moi, que ce soit les creepers, les zombies, les squelettes. Je suis très puissant à l'intérieur de mes murailles. Non non je ne suis pas un lâche, je suis puissant je vous dis. Maintenant que ça c'est fait on peut enfin aller dormir et il nous restera le côté droit à finir. Et ouais, malheureusement on n'a fait que la moitié <laughs> en purée de pommes de terre. Et pour votre plus grand bonheur, il reste encore toute la moitié du chemin à faire. Rituel du jour, bonjour. D'ailleurs, euh, en parlant d'animaux, il va falloir que je les ramène tous dans mon enclos parce que là ils sont en train de tous se balader un petit peu partout et j'aime pas trop trop ça. Bientôt ils vont pouvoir s'échapper donc il faut tous que je les ramène à l'intérieur. D'ailleurs c'est dommage que le mouton ne puisse pas avoir d'acolyte encore avec lui pour qu'il puisse se reproduire. Euh, je vais simplement tous les ramener ici. hop. Toi aussi ma belle, viens là. Normalement j'ai quatre vaches hein, si je ne me trompe pas. Là il y en a trois, ça veut dire qu'il en manque une. Où est la dernière J'en ai absolument aucune idée. Elle est là. Ok parfait. Rentrez ici, c'est ici votre maison et reprends. Reproduisez-vous comme bon vous semble. Et toi, reproduis-toi toute seule. Voilà, continue à brouter de l'herbe. Il va falloir que j'aille couper du bois. Mais juste avant, j'ai envie d'aller voir un petit peu comment se portent nos petits villageois chéris. Sont-ils en danger Euh non, ils n'ont pas l'air en danger pour le moment. Mais attendez, parce que là, je commence vraiment à me rapprocher très très grandement. Les gars, je suis littéralement juste à côté de vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai l'impression que d'ici 10 jours on devrait avoir accès aux villageois. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dedans Un lit jaune, je prends. Rien de nouveau pour l'instant. Je vais retourner couper du bois pour pouvoir enfin terminer cette muraille. Je pense que d'ici 10 jours, on aura terminé la muraille. On pourra donc ramener les villageois de notre royaume et pouvoir commencer à instituer une civilisation. Effectivement, c'est le projet principal, c'est de pouvoir créer une civilisation à l'intérieur de nos terres. Et bon, pour ce faire, on va avoir du pain sur la planche. Ok, bon j'ai quasiment fini toute la partie extérieure de la muraille. C'est la partie qui demande effectivement le plus de bois, étant donné que la taille des piliers bah, diffère selon l'endroit où la muraille se trouve. Par exemple ici on est à peu près à 8 ou 9 blocs de haut, tandis que par là-bas on est plus sur 4 ou 5 blocs de haut. Donc clairement c'est la partie qui me nécessite le plus de bois. Seulement, maintenant que je l'ai totalement... Terminé avec les deux derniers piliers. Il va me falloir du coup beaucoup moins de bois pour terminer la partie intérieure. Étant donné que la partie intérieure ne nécessitera que quatre blocs de bois de haut. Donc bon, je pense qu'il ne me reste plus qu'une seule session de bûcheronnage. Je vais replanter tous les arbres nécessaires. Il me reste encore énormément de saplings. Et je pense qu'après la prochaine session, on sera bon et on devrait pouvoir terminer la muraille. Et du coup, en attendant que ça pousse, je vais essayer d'aller voir si j'ai tous les matériaux nécessaires en termes de cobble, etc. Hop, avec mon stone cutter, on est pas mal. Malheureusement, il va m'en falloir davantage. Est-ce que 2 stacks et demi ça suffira? J'en ai clairement aucune idée. Bon en vrai ça devrait le faire. Un stack et un quart de fence, ça, ça sera pas suffisant. Il va falloir que je m'en refasse un petit peu. Tac, presque deux stacks, ça devrait faire l'affaire, j'imagine. Il va du coup me manquer uniquement du bois. D'ailleurs regardez ici mes cultures commencent à très très bien pousser. Ça va rendre magnifique une fois que toutes les récoltes seront à maturité. Regardez-moi ce château incroyable, incroyable. Bref, il est temps de repartir couper du bois les amis. Et une fois qu'on aura terminé la muraille, je vais commencer à m'attaquer à la construction d'un enclos pour ces énergumènes. De toute façon je pense qu'on a le temps avant que les villages Arrive donc, ça nous fera une occupation. Mais avant, rituel du jour, bonjour! Merci, mon ami. Oh là là, je me suis pris une flèche, les gars. Ah, je peux vous dire que je l'ai senti passer. Attendez, elle s'est plantée où la flèche Elle s'est plantée dans ma cheville. Euh, bon, écoutez, je pense que c'est un petit peu trop dangereux de construire la nuit en sachant que mon stuff est aussi développé que celui des hommes de Cro-Magnon. Donc, bon, je pense qu'il est plus judicieux d'aller dormir et de continuer la construction quand il fera jour. Rituel du jour, bonjour. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires combien de fois dans cette vidéo j'ai dit rituel du jour, bonjour. Au moins, comme ça, on verra ceux qui ont vraiment suivi la vidéo. Et d'ailleurs, regardez-moi ça. On se rapproche de plus en plus de ces deux idiots. Que de bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles. Let's go. J'ai enfin terminé de poser toutes les bûches. Maintenant, il va falloir que je m'attaque au dernier détail, c'est-à-dire les escaliers en cobble dans un premier temps. Et pour terminer, bah, il ne me reste plus qu'à placer toutes les barrières. Et maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à éclairer la zone. Et d'ailleurs, regardez-moi ça ici, nous avons un zombie full or. Comment ce zombie peut être mieux stuffé que moi C'est vraiment une honte, les amis. C'est une honte que B21 soit encore à poil, littéralement. Après 52 ou 53 jours de jeu, je me suis jamais retrouvé autant de temps à poil de ma vie. Hop Hop, et j'annonce enfin officiellement que la muraille est terminée. ta ta, -ta J'ai absolument fini toute la muraille, que ce soit côté droit, côté gauche. Ça nous aura mis plus de 10 jours, il me semble. Enfin bref, ça fait un bon moment qu'on est dessus. Je pense que là, on a assez bouffé de muraille, On va enfin pouvoir passer à autre chose. Et ce, après une bonne nuit de sommeil, évidemment. Ok, jour 54. Rituel du jour, où es-tu Viens là, mon pote. Voilà, donne-moi ta laine. Nous sommes à 11 laines supplémentaires. C'est plutôt cool. Au total, ça nous en fait donc 24. On peut pas faire grand chose avec pour l'instant. Mais c'est déjà pas mal. Où est-ce que nous en sommes par ici On peut se rapprocher toujours plus. Purée, mais en fait, ils sont bloqués littéralement. Ils peuvent pas venir. Ils sont littéralement bloqués. En fait, ils sont sur un seul bloc. Ils peuvent pas, vous savez, traverser et passer sur celui-ci. Attendez, il va me manquer un, deux, trois. 4, 5, 6 jours. Ok, dans 6 jours, on pourra les sauver, du coup, les amis. Deux, 3 jours, on aura également accès à la cloche. Là-bas, est-ce qu'il n'y aurait pas des villageois par ici Mes amis, venez. Je pense que d'ici quelques jours, quand je pourrai taper sur la cloche, peut-être que ça attirera les villageois qui sont cachés par là-bas. Ça pourrait être une bonne nouvelle, évidemment. Euh, juste attendez, on va essayer de récupérer toutes ces bottes de foin qui nous sont euh, très généreusement données, juste devant notre royaume. Écoutez, euh, on va se servir, hein, c'est toujours bon. Je ne refuserai jamais toujours plus de pain. Je pense qu'à l'avenir, on rajoutera des tours, une ici et une là. Au moins que ça, ça ferait vraiment entrer de royaume. Bref, bref, bref. Alors, comme je vous l'ai dit, on a pas mal de blé. On va pouvoir donc se confectionner énormément de pain supplémentaire. Par contre, les amis, là, je commence à vraiment être dans le mal. Regardez ma pioche, elle est quasiment pétée. Il faudrait vraiment que je trouve du diamant. Parce que là, il nous reste encore 6 jours avant d'avoir les villageois. Mais je ne sais pas dans combien de temps j'aurai accès aux villageois qui me permettront de pouvoir avoir du diamant. Mais pour l'instant, on sait vraiment euh, la haisse, comme on dit dans le jargon. Et là, il va vraiment falloir que je trouve des diamants supplémentaires. Parce qu'il me semble que j'en ai plus. Ouais, regardez-moi ça, j'ai qu'un seul pauvre lingot de fer en plus. Bon, je pense que je vais aller farmer un petit peu de Deep Slate ça me permettra de pouvoir trouver pourquoi pas un peu de diamants je l'espère franchement les gars depuis le temps que nous minons on mériterait bien d'avoir quelques diamants on a trouvé nos six premiers diamants sur un coup de chance monumental je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se réitérer ok de retour dans les mines de la mort bon écoutez euh, bah il nous reste plus qu'à creuser j'ai bien l'impression regardez moi ça sur toutes ces galeries on n'a pas trouvé un seul diamant c'est quand même terrible quand même terrible bon je pense que je vais m'arrêter quand même avant que ma pioche se pète ça serait franchement dommage que je ressorte de cette mine sans pioche en diamant donc bon je pense que dès qu sera sur le point de se Cassé, on arrêtera de miner et on remontera à la surface en espérant avoir trouvé au moins 3 diamants pour me reconfectionner une pioche d'ici là. Sinon, on est dans la merde, les amis. Ok, bon, c'est terrible. Ma pioche est sur le point de rendre l'âme et malheureusement, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Surtout que je n'ai quasiment plus de fer. En fait, je vois absolument pas comment je suis censé me développer là. Je vous avoue, j'ai aucune idée. J'ai même pas de grotte dans les horizons. J'ai rien du tout. Euh, littéralement, mon dernier espoir, c'est d'espérer que les villageois arrivent rapidement. Ce qui n'est pas une mince affaire évidemment, vu qu'ils arriveront d'ici une dizaine de jours. Bon, après, en soi, comme je voulais prouver. Depuis le début de l'aventure, je n'ai pas vraiment besoin d'armure pour survivre. C'est juste que là, je vais avoir besoin d'outils. Et euh, je vous avoue, j'ai pas envie de finir avec des outils en pierre. Je pense que vous pouvez me comprendre déjà que j'ai des haches en pierre et c'est vachement chiant. Alors, si en plus je devais tourner avec des pioches en pierre, ce serait terrible et interminable. Je vais essayer de calmer mes nerfs un peu en foudroyant ce mec. Voilà, tu vas mourir. Je me sens mieux déjà, je me sens un petit peu plus apaisé. Ah, je suis moins en colère déjà. Et euh, en plus, ça va être l'heure d'aller dormir, on dirait. On va monter sur le toit de notre royaume pour voir s'il y a des nouvelles aux horizons. Si jamais des monstres assoiffés de sang veulent ça accaparé de notre territoire Ou bien si des villageois... Euh... Ont décidé de traîner par ici. Là, la porte est ouverte là-bas, n'empêche. C'est-à-dire qu'il y a des villageois qui ont dû passer par là-bas. Ok, au niveau de mon territoire, rien à signaler. Le seul endroit qui pourrait potentiellement être dangereux, ça serait la forêt. Regardez-moi ça, comment c'est dense à l'intérieur. J'espère aucun mob n'est en capacité de spawner, même si j'en doute fortement. Par là-bas, il faudrait que j'aille faire un tour. Je pense qu'on va aller dormir et je vais essayer d'aller explorer par là-bas. Normalement, je devrais bientôt avoir accès à l'océan. Qui serait une bonne nouvelle, euh, j'espère, du moins. À moins que euh, ça ne serve absolument à rien. Ok, rituel du jour. Je sais que tu m'attends. Bonjour! Allons voir ce qui se trame en dehors de nos terres. Alors pour ce qui est de par ici, il y a toujours rien à l'horizon. Ici on a bientôt accès à l'océan, mais j'ai pas l'impression que ça nous sera très utile. Là-bas nous avons une maison de villageois, mais il n'y a pas de villageois dedans. Malheureusement si je ne les vois pas, c'est qu'ils ne sont plus là. Alors de ce côté-ci, on a une grande plaine. Mais bon, de toute façon notre muraille protège notre royaume. Nous n'avons rien à craindre de ce côté-là. On a enfin accès à l'océan. D'ailleurs depuis un bon petit moment, on a accès à l'océan. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes par ici À part des poulpes. Des poulpes que je pourrais tuer en effet. On va essayer d'en tuer quelques-uns histoire de pouvoir récupérer un peu d'encre même si je sais pas à quoi ça va me servir. Hop, c'est toujours bon à avoir. Bon sinon au fond de l'océan, il y a l'air de rien avoir. On aura bientôt accès à ce continent là-bas. Malheureusement, rien à signaler toujours, pas de lingots de fer, absolument rien comme d'habitude, j'ai envie de dire. Là, nous avons un autre mouton. Oh, attendez, attendez, attendez ici, on a un autre mouton. On pourrait essayer de le ramener bientôt chez nous. On pourrait se faire pourquoi pas un enclos avec plusieurs moutons de couleurs différentes. Ça pourrait être l'un des objectifs de cette aventure en vrai, ça pourrait être vraiment stylé. Euh, mais il faudrait du coup que cette énergumène se ramène par ici. Mister Ship, venez là, Mister Ship. Oh non, il pleut. Oh mon dieu, c'est terrible. Là. Oh oui, Mister Ship, venez là, je sais que vous me voyez. Regardez, j'ai du bon blé. Vous pouvez venir comme bon vous semble, vous serez très bien accueilli. Bon, bah, on va attendre quelques jours qu'il se ramène vers nous. Hop, par ici, toujours rien. Je vais essayer d'aller voir de l'autre côté là-bas. On a fait à peu près le tour sur le côté droit. Maintenant, on va essayer d'aller sur le côté gauche pour voir. Et ici, oh, attendez, oh, attendez, on a accès à une faille. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh, il y a énormément de fer. Ah oui, d'accord, on pourrait très très bien se stuffer là-dedans. Par contre, ça ne me dit rien qui vaille. Hein. Euh, mon âme de guerrier me dit de descendre et d'aller enfin me stuffer, mais mon cerveau m'en empêche. Mon cerveau me dit clairement que je risque de mourir si je vais là-dedans, en sachant que mon stuff est vraiment pourrave hein. euh, Mais bon, l'existence de cette faille me réjouit quand même un petit peu. Ça me fait dire qu'on pourrait quand même récupérer pas mal de fer... À minima. Euh, ici, à part euh, des vaches, il euh, n'y a rien d'intéressant de ce côté. Ici, on a un mouton encore. Mais il est encore plus loin que l'autre. Ok, bon, rentrons à la base. Alors, en vrai, ça serait pas mal qu'on puisse aller visiter cette faille. Ça pourrait nous permettre d'avoir pas mal de fer et c'est clairement ce qui nous manque. Hein, à vrai dire, euh. il faudrait au moins qu'on puisse se confectionner une armure en fer, les amis. Malheureusement, cela implique de se rendre dans une grotte qui est très très dangereuse. Bon, pour ce faire, il va d'abord falloir se préparer. J'ai du fer, donc je vais pouvoir me confectionner normalement une nouvelle pioche. Hop. Parfait, il va me falloir un petit peu plus de torches. Euh, malheureusement, je n'ai quasiment plus de charbon. Je vais essayer d'aller voir s'il n'y en a pas qui traînent par là. Ouais, regardez, ici, nous avons un peu de charbon. Hop, ça nous permettra de nous reconfectionner des torches. Je vais prendre des flèches au cas où, comme j'ai un arc. Ok, et en plus, comme mon bouclier est bientôt pété, je pense que ça serait judicieux d'utiliser un petit peu de fer pour m'en reconfectionner un. Hein. Et je pense qu'il va enfin être temps d'aller dans cette grotte, les amis. L'objectif principal étant de pouvoir se récupérer un petit peu de fer. Hop, je vais poser ma source d'eau. On va essayer d'y aller délicatement. Par là, ça devrait être safe. Il pas mal de fer à disposition. Ok. Oh, c'est quoi ça Oh, du diamant. Oh mon dieu. Du diamant. Oh, let's go. Je vais juste éclairer la zone. Hop. Oh mon dieu, du fer. Yes. Oh, il oh, y a un mine shaft. Oh oui, d'accord. Regardez-moi ça. Yes. Oh là là, nous devenons riches. Nous devenons riches. C'est la première fois que je trouve un filon de fer de 8. Bon, par contre, je suis parti en pleine nuit. Il aurait peut-être été plus vicieux que je parte une fois qu'il fasse jour. Je vais récupérer le maximum de fer possible et les 2-3 diamants qui traînaient dans l'eau. Et après, on remontera à la surface pour se stuffer. Alors, le diamant, il est juste ici. Let's go. Viens là, mon ami. Let's go Du coup ça me fait combien de diamants 4 au total Je vais pouvoir me reconfectionner une pioche Ça c'est plutôt cool Et ici je vais essayer de farmer hop, Tout ce fer Regardez la tonne de minerais qu'il y a par ici les gars C'est incroyable Il va falloir rester prudent Parce que Ah oh oui regardez-le Regardez-le lui Il m'a suivi Meurs sale fou Je vais essayer de sauter dans l'eau Ok Alors c'est à peu près safe par ici j'ai envie de dire Il y a quelques mobs Mais ça va c'est pas la mort non plus Là-bas nous avons un squelette Qu'il va falloir tuer Je vais essayer de le tuer à l'arc Ok, je lui ai mis deux flèches, il arrive. Ok, alors attendez, je lui ai mis deux flèches. Il devrait pas être très dangereux. Voilà, parfait. Ok, alors attendez. Hop, ici on a pas mal de minerai. On a pas mal de fer. Ici, il y a un zombie complètement bloqué, complètement con. Hop, moi je vais simplement m'occuper de récupérer du fer. Comme vous pouvez le voir, j'en ai 19. Je vais pouvoir me confectionner mon armure. Let's go. De toute façon, je prends assez de fer juste pour me confectionner mon armure. Et après, je me casse, les gars. Je ne vais pas rester ici 1500 ans. Vous pouvez en être sûr. Alors, ici, nous avons toujours un peu de plus de fer. Euh, Là-dedans aussi, on dirait. Hop, on va récupérer tout ça. Et j'ai l'impression qu'on a à peu près tout vidé. Je vais pas non plus prendre toute la grotte. Juste ça, ça devrait me suffire. Je vais pouvoir rentrer à la base avec tout ça. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Surtout qu'il fait nuit, il va falloir être très prudent en remontant. Ouh là là, ça me fait un peu peur là par contre. Oh mon dieu Oh mon dieu Oh lolo! Là là ok, ok. Euh, ok, ok. Je ne suis pas le bienvenu. Je vais éviter de remonter. C'est terrible ce qui s'est passé. Regardez, il est là-haut. Il peut sauter à tout moment. Euh, je pense simplement, les gars, que je vais rester ici. Écoutez, je vais me confectionner une petite base avancée juste ici. Hop. Heureusement que j'ai pré-shot et j'ai pris un petit peu de bois. Je vais donc pouvoir me confectionner une table de craft. Je vais me faire un four. Malheureusement, je n'ai pas de charbon. Euh, je n'ai pas de charbon. Est-ce qu'il y a du charbon qui traîne? Je crois que j'en ai vu par là-bas du charbon, il me semble. Je vais essayer d'aller voir. Oh, me dites pas qu'il a sauté. s'il si, a sauté! Meurs Oh là là, attendez, on va le laisser se noyer. Euh, bon, attendez, si le squelette a sauté, ça veut dire que là-haut, ça devrait être safe. Malheureusement, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Je vais éviter de monter pour le moment. Il ouais, n'y a pas de charbon, malheureusement, c'est dommage. Je pense que je vais simplement m'enfermer. Je vais attendre qu'il fasse jour et je sortirai une fois que le soleil se lèvera parce que là, c'est trop dangereux. Je suis vraiment à rien du tout de pouvoir me stuffer. J'ai clairement pas envie de prendre de risques. Je vais croupir là-dedans et on se retrouve un petit peu plus tard. Ok, j'aperçois l'aurore du nouveau jour. Je vais enfin pouvoir sortir de mon trou. Décidément, dans cette aventure, je me suis confiné dans des trous je ne sais combien de temps. Terrible ce qui se passe. Tout ça à cause de zombies et de squelettes de la mort là. Regardez le squelette, il était juste ici. Il m'attendait. C'était clairement un guet-apens. Attendez, pourquoi est-ce que j'ai mis ma source d'eau comme ça Hop, je vais la mettre ici. Parfait. Rebonjour les amis, je suis de retour au territoire. Hop, cette longue mission périlleuse était très dangereuse. Rituel du jour, bonjour. Et je vais enfin pouvoir mettre à cuire tout ce que j'ai récupéré. Je vais d'ailleurs en profiter pour me reconfectionner une Piochant diamant, vu que la mienne est bientôt pétée. Et euh, bah, il va quand même bientôt être temps que j'aille dans le Nether aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours pas trouvé le moindre lac de lave durant cette aventure. Ce qui veut dire que je ne peux toujours pas me rendre dans le Nether. C'est fort dommage. Je pourrais me développer très rapidement grâce au Nether. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez Je vais pouvoir donc me confectionner mon plastron, mon premier pantalon, mes bottes. Oh là là, regardez-moi ça. Quelle grâce Attendez, c'est pas fini. Il manque le casque Let's go! Ah, là je me sens quand même bien mieux, les amis. Attendez, ce n'est toujours pas fini. Je vais pouvoir maintenant me confectionner une épée bien plus puissante. Ah, là, on est bien. Euh, petit MLG ou quoi? Ah non. J'ai failli mourir. Plus jamais B21. Alors attendez, je vais aller voir si le mouton est toujours par ici. Alors il est plus très loin, hein, mais euh, il veut toujours pas venir malheureusement. Ce qui fait que je ne peux toujours pas le ramener chez moi. Bon, c'est pas très grave. Maintenant que je suis fait, on va pouvoir enfin passer à la suite en attendant que les villageois nous rejoignent. Il va donc me rester un projet à faire avant d'avoir les villageois. Ça va être de m'occuper de tous mes animaux. En effet, mes vaches ont besoin d'un habitat. Et euh, mon mouton aussi, parce que je pense que je vais pas pouvoir les laisser ici mille ans. Ils sont en train de souffrir, les pauvres. Donc il va être maintenant grand temps de pouvoir se confectionner une sorte de grange. Et pour ce faire, évidemment, il va me falloir pas mal de bois. Donc je vais me confectionner des haches en fer. Oh mon dieu, quelle grâce Quelle grâce d'avoir des haches en fer les amis. Avec ça, je vais pouvoir couper du bois bien plus rapidement. Oh oui Mais quel plaisir de couper du bois. Je vous avoue que là, je me sens tellement libéré, ça va tellement vite de couper du bois. Regardez-moi ça. Je vais essayer de récupérer le maximum de bois possible pour pouvoir confectionner déjà un enclos dans un premier temps. Je pense pas qu'on va partir directement sur une grange et par la suite, on partira sur une plus grosse construction quand j'aurai les matériaux nécessaires. Donc bon, pour l'instant, on part sur un petit peu de bûcheronnage. OK, bon j'ai même pas coupé toute ma forêt j'ai déjà plus de 3 stacks par contre regardez moi ça c'est le bordel pas possible en fait c'est surtout les arbres géants ils sont tellement relous à péter les gars euh, mais là je vous avoue j'ai la flemme hein. surtout que la majorité des feuilles en plus continue de l'éviter vu que tous les arbres ne sont pas pétés on viendra s'occuper de ça un peu plus tard quand il va falloir nettoyer la zone et je pense que les animaux je vais les mettre sur ce côté du royaume je pense que le côté là bas vous savez où j'ai construit le breeder ça sera le côté un peu village vous savez il y aura tous les villageois tous les métiers avec qui on pourra échanger etc etc et ce côté ci je pense que ça sera surtout le un peu fermier, un petit peu agriculture. On y mettra tous nos animaux, tous nos élevages, etc. etc. Pour l'instant, comme nous n'avons pas de villageois, on va s'attaquer aux animaux. Et ce que j'aimerais faire dans l'idéal, ça serait de au fond. Pourquoi pas construire des tours géantes sur les deux côtés, des grandes tours comme ça. Devant cette tour, ici, je construirai une grange, je pense. Et devant cette grange, ici, je ferai plein de petits box d'animaux dans lesquels déjà je mettrai des moutons de différentes couleurs, histoire de faire quelque chose de très ordonné et surtout de sympathique, d'un peu folklorique, avec des moutons de plusieurs couleurs, etc. Ça pourrait rendre super bien. Mais bon, pour le moment, comme j'ai pas de quoi faire les tours ni la grange, je vais m'occuper simplement des box dans lesquels on ramènera les animaux dans un premier temps. Il va falloir que je me confectionne des barrières. Et avec la tonne de bois que j'ai, je vais clairement pas me gêner hop trois stacks et donc je pense comme je vous l'ai dit qu'on va faire des enclos hop, mais il va falloir laisser un chemin en plein milieu pour pouvoir circuler donc bon je pense qu'on va laisser un chemin de 3 par trois comme ceci hop quelque chose comme ceci je pense hop du coup je vais en faire un ici je vais également en faire un de ce Côté là, je pense, qui irait à peu près jusqu'au bout comme ça. Je pense que quelque chose de cette taille, ça devrait faire l'affaire. Du coup, dans ces quatre enclos, on mettra les quatre couleurs différentes de moutons. Voilà, des couleurs bien pétantes comme ça, ça sera parfait. Ici, ici, il y aura les moutons. Je pense que par ici, on va faire la grange où on mettra tout simplement les vaches. La grange, on la fera à peu près de cette taille qui commencera ici jusqu'à là à peu près. Ça pourrait être pas mal. Hop, on va pas la faire trop près de la muraille non plus, au cas où, si jamais ça gênerait la construction. Voilà, quelque chose comme ça pour la grange, je pense. Et derrière, ici, nous aurons du coup la tour géante. Comme je vous l'ai dit, je pense que sur les deux côtés, je vais essayer de faire des grandes tours de garde. Vu qu'on est un peu dans le style château, style médiéval, je pense que ça pourrait rentrer parfaitement dans le thème. Bon, ça on le fera clairement plus tard. Il va Falloir attendre un petit peu parce que je crois qu'elle est un petit peu réservée. Elle a toujours pas trop trop envie de venir. C'est pour ça que je pense qu'on va d'abord commencer par la construction de la grange. Ça pourrait être pas mal pour pouvoir y introduire directement nos vaches. En sachant que les villageois, il me reste encore quelques jours. Il me semble avant qu'ils nous soient disponibles. Mais bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que les villageois, dès qu'ils seront à notre portée, il va vite falloir les secourir. Je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois le zombie qui a voulu leur foncer dessus. Euh, je ne laisserai pas ça arriver. Écoutez, c'est les seuls villageois à notre disposition. Il ne faut absolument pas qu'ils meurent. Et je pense que de toute façon, en attendant, on peut commencer la construction de la la grange, ça nous fera une pierre de coup. Comme il me reste un petit peu de bois supplémentaire, je vais pouvoir avancer un petit peu, du moins sur les piliers, je pense. On va faire quelque chose d'assez imposant. 7 blocs de haut, ça m'a l'air pas mal. Bon, après, par contre, il va me falloir encore énormément de bois, je pense. On va pouvoir enfin reminer de la pierre euh, parce que je crois que je n'en ai plus. Ouais, il me reste un petit stack par-ci par-là, mais pas grand-chose quoi. Rituel du jour, bonjour. J'ai pu récupérer quelques stacks de cobble. Ça devrait faire l'affaire pour le moment. La grange, on va pas y faire une forme carrée comme ça, toute dégueulasse, évidemment. Il va donc falloir lui donner un petit peu plus de relief, notamment en y construisant hop, une entrée comme ceci, je pense. Ça devrait être pas mal. Ici, ça sera donc l'entrée Il va falloir que je fasse un petit peu plus haut que les piliers qui sont sur les côtés. Voilà, comme ça, ça devrait être pas trop mal. Attendez, est-ce que là je suis pas totalement parti en vrille Si, je pense que je suis totalement parti en vrille. Attendez, 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 attendez. on va essayer de réduire un petit peu ça là voilà je pense que cette hauteur c'est déjà plus raisonnable je vais quand même hop rétrécir un petit peu sur les côtés je vais donc allonger tout du long pour pouvoir faire un passage qui nous permettra de nous rendre de l'autre côté hop ici ça sera ouvert du coup devant et derrière il va falloir donc que je mette Hop, des blocs comme ceci, ok. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc, ensuite, il va falloir que je rejoigne la porte de devant et la porte de derrière avec des grands piliers en bois au-dessus. Et sur les côtés, je pense tout simplement qu'il va falloir mettre de la cobble. Vu que ce sera tout simplement les murs de la grange, je pense que la cobble on va pouvoir la mettre là, comme ça. Je sais pas si je les augmente davantage encore. En fait, j'ai un peu aucune idée. Je sais pas trop comment je vais faire. Dans l'idée, ce que je voudrais faire, ça serait un toit ici et ici des toits qui seraient un peu arrondis, vous savez, et qui rejoindraient le toit principal de loin, comme ça. Ça a l'air pas trop mal. Elle a l'air quand même gigantesque, la grange, on va pas se mentir. Mais pour la continuer, bah, comme d'habitude, il va me falloir du bois. Malheureusement, je n'ai que 5 morceaux de bois. Comme vous pouvez le voir, ma forêt encore ne demande qu'une chose c'est d'être rasé. Donc, bon, quand faut y aller, il va falloir y aller, je pense. Oh, j'ai accès à la cloche. Let's go, let's go. Attendez, ce qui voudrait donc dire je tape dans la cloche. Ça va ramener tous les villageois Ok, attendez, on va essayer de voir ça. Normalement, ça devrait les ramener. Évidemment que ça ne les ramène pas, ils sont complètement bloqués, ces imbéciles. Mais par contre, est-ce que ça ne ramènerait pas le reste du village euh, J'en ai pas l'impression. Attendez, je vais essayer de le rapprocher plus de la bordure, comme ça. Il y en a pas un qui veut sortir de chez lui, là Non, toujours pas. La cloche, je vais la garder sous le coude. Je vais la mettre pile ici. Ça rend super bien Bon j'ai un petit peu plus de bois, je vais pouvoir continuer à avancer un petit peu sur la grange désormais. Comme je vous l'ai dit, il va falloir maintenant que je relie tous les piliers entre eux. Bon je sais pas encore comment on va rendre la grange, à vrai dire ça se trouve elle va être totalement moche, ce que je n'espère pas évidemment. Mais pour le moment j'ai aucune garantie sur le fait qu'elle sera bien ou pas. Ok, bon la base est maintenant totalement terminée. Je pense qu'avant de m'attaquer au mur et à la décoration extérieure, il va falloir dans un premier temps que je m'attaque au toit. Et je pense que principalement on va faire ça avec des dalles. Ok, bon je vais essayer de partir sur la construction du toit et on se retrouve à en espérant que ça rende un minimum bien quand même. Bon, OK, j'ai enfin terminé du coup la totalité du toit. J'ai essayé de lui donner une forme un petit peu atypique, pas quelque chose que je fais d'habitude, regardez surtout celui du milieu en fait, j'ai essayé de lui donner une forme assez sympa et franchement, je trouve que ça rend super bien. Ça sort super bien dans le décor en plus, ça fait vraiment cet effet de profondeur, j'aime beaucoup. Bref, allons dormir parce que demain est un grand jour les amis. On aura enfin accès au village, ouais, on va pouvoir les ramener dans notre village. Je sens que je vais faire de beaux rêves cette nuit. Petit, petit, petit. Oh mon dieu, il y a un squelette juste à côté. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de zombie. J'espère de tout mon cœur qu'il n'y a pas de zombies à côté. Ce qui est cool, c'est que maintenant, on a enfin accès à ces énergumènes et on va pouvoir les exploiter. <laughs> Bref. Dans un premier temps, je vais construire deux bateaux. Euh, il va également me falloir un petit peu de dirt pour confectionner un chemin pour pouvoir les ramener. Pour ce faire, il va donc falloir que je crée un passage à travers, à travers ici. Ok. Ça m'a l'air safe. Normalement, il faut un passage de deux par deux pour faire passer des bateaux. Parfait. Je vais donc essayer de créer un chemin jusqu'au villageois. Normalement, ils ne devraient pas bouger vu qu'ils sont bloqués. Voilà, parfait. Je sais, les amis. Attendez-moi, je suis juste là. Il ne reste plus beaucoup de temps et vous serez enfin libres. Il va falloir que je ramène du coup les villageois jusqu'ici. Euh, je vais leur construire du coup des murs pour éviter qu'ils s'enfuient, parce que là, clairement, ça va être une mission très délicate. Faut que j'arrive à les faire monter dans le bateau et les bateaux se trouveront ici. Hop. Et ça, ça va pas être une mince affaire. C'est moi qui vous le dis. Pour se faire, il va donc falloir que je confectionne, hop, voilà, des barrières comme ceci. Euh, faut juste faire attention qu'ils ne tombent pas. Hein. Normalement, si je les fais monter, hop, ils pourront passer là ils vont passer ici comme ça sans pouvoir s'enfuir ok crash test allez viens là mon pote viens là mon pote tu peux le faire tu peux le faire mon ami allez vous pouvez le faire il faut que j'arrive à les faire il faut que j'arrive à les attirer avec les tables de métier s'il vous plaît venez par ici euh, ils sont attirés par quelque chose mais je ne sais quoi ah ok on va essayer de les bait non 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 Okay. <laughs> ok. Ok, ok, monte dans le. Oh, ok, parfait. Ok, ça s'est pas passé comme prévu. Euh, J'espère qu'il n'y a pas un golem qui va vouloir. Euh... Bon, c'est pas grave. L'objectif c'était simplement de le ramener ici, de toute façon. Le reste, je m'en fous. Au pire, s'il fait ses prix plus chers, c'est pas mon problème. J'utiliserai sa descendance. Maintenant, toi, tu vas venir chez moi, mon pote. Tu vas venir goûter à ta nouvelle vie, mon ami. Je sens que tu vas être très heureux avec moi. Regardez-moi ça, il a déjà des étincelles dans les yeux. Je essayer de le ramener. Normalement, le bateau, il devrait passer. Ok. J'ouvre la porte. Ok. Parfait. Maintenant il me reste le deuxième en espérant que ce soit un petit peu moins chiant quand même. Ok, viens par là mon pote. Voilà. Prends ton métier ici. Parfait. Maintenant je vais pouvoir le ramener. Hop. Ok, rentre là-dedans mon ami avec ton acolyte. Parfait. Je vais vous mettre vos tables de métier. Mais il faut les empêcher de sortir. Normalement je devrais avoir des petits portillons comme ceci là. Je vais essayer d'aller en récupérer. Je vais les mettre devant l'entrée comme ceci. Avec les deux portes derrière. Hop et hop. Maintenant. Je devrais pouvoir les enlever de leur bateau. Ils ne devraient pas pouvoir s'enfuir normalement. Et à présent, si je leur donne du pain, ils devraient se reproduire. Est-ce que vous aimez le pain, les amis Qu'est-ce que vous faites Mais prenez ce pain. Allez, prenez le pain. Voilà, il l'a pris, ok. Est-ce qu'il va vouloir se reproduire Bon, vous savez quoi Je vous donne tout ça. Et je vous laisse toute la journée pour vous reproduire. Si ce n'est pas fait avant l'aube, la punition sera sévère. Ça, c'est une bonne chose de fait. Le temps que ces énergumènes se reproduisent, nous, il va falloir qu'on avance un petit peu sur notre grange. Rituel du jour, bonjour. Nouvelle journée qui s'offre à nous. Allons voir si nos villageois se sont reproduits d'ailleurs. Je leur ai passé un petit peu de pain hier. Oh oui, let's go. Normalement, ils devraient être capables de refaire un bébé vu qu'il y a 4 lits. Je pense que petit à petit, on extraira les bébés, on les mettra dans des petites box un peu plus loin, que les villageois puissent se reproduire et ne soient pas en manque de lits. Pour l'instant, c'est déjà une bonne chose qui commence à se reproduire. Moi, je vais... Continuer à aller récolter un petit peu de ressources parce qu'il me semble que j'ai pu énormément de blé. Hein. Effectivement, j'en ai plus des masses. Du coup, je vais essayer d'aller récolter un petit peu tout ça maintenant que tout a poussé devant notre base. Regardez-moi ça, nos champs sont magnifiques. On est donc à plus de la moitié de l'aventure désormais et il nous reste quand même pas mal de choses à accomplir, les amis. Il faut d'abord qu'on finisse la grange. Il faut également qu'on fasse peut-être un hall de villageois. Il faut surtout aussi qu'on puisse avoir tout un équipement en diamant en échangeant avec les villageois. Il faudra également qu'on essaye de se faire notre élevage de moutons. Vous savez, pour avoir les quatre enclos avec des couleurs différentes de moutons, ça pourrait être incroyable. Enfin bref, il nous reste encore énormément de choses à faire. En 40 jours, je pense que ça sera quand même possible, faut pas déconner. Mais dans tous les cas, il va pas falloir chômer. Regardez-moi la quantité astronomique de blé que nous avons dorénavant. On va pouvoir se faire énormément de qui permettra donc aux villageois de se reproduire et également à moi de me nourrir. Ouais, ça rime, c'est beau hein, la langue française. Nous, de notre côté, il va falloir qu'on continue la construction de la grange que nous avions commencé du coup avant d'aller chercher les villageois et que nous avions presque fini. Regardez-moi ça. Elle commence à être magnifique, toutes les fondations, la toiture est totalement terminée. Il va donc falloir qu'on aménage un petit peu l'intérieur et également qu'on fasse la décoration extérieure. Donc bon, pour ce faire, je pense qu'il va d'abord falloir que j'aille encore une fois récupérer du bois. C'est malheureux, mais c'est littéralement la ressource dont j'ai le plus besoin dans cette aventure et c'est la ressource qui me demande le plus plus de temps à farmer évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah d'ailleurs ma hache vient de péter J'espère qu'il me reste encore un petit peu de fer dans mes coffres pour pouvoir m'en reconfectionner une Ce serait dommage que je retombe directement sur des haches en pierre euh, Alors est-ce que dans mes fours j'en ai Non j'ai pas l'impression Dans mes coffres euh, J'ai encore moins l'impression Ah oui d'accord Ok il me reste un lingot je vais pouvoir me faire une hache Let's go C'est déjà mieux que rien j'ai envie de dire D'ailleurs j'étais en train de me demander quelque chose étant donné que j'ai spawné dans une petite barrière de 1 sur 1 euh, Je ne vais pas pouvoir aller tuer l'Ender Dragon à la fin je pense En effet la probabilité que le Stronghold se trouve juste en dessous de ma base est quand même assez Faible, on va pas se mentir, étant donné que c'est le point de spawn du monde, effectivement, je ne pense pas que je pourrais tuer l'Ender Dragon à l'issue de ces 100 jours. Je sais même pas si je vais pouvoir me rendre dans le Nether. C'est quand même terrible, on aura fait 100 jours uniquement dans l'Overworld. Bon, c'est pas pour me déplaire non plus, évidemment, comme vous le savez, je déteste le Nether. Ok, bon, j'ai plus de 2 stacks, ça devrait suffire, je pense, pour terminer la construction. Il ne me reste plus grand chose à faire de toute façon, il me reste que les murs, donc ça devrait faire l'affaire. Surtout que j'ai encore un petit peu de bois dans mes coffres. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai failli oublier. Rituel du jour, bonjour Nous sommes donc à 29 laines. C'est pas ouf. Pour ce qui est de la décoration de la grange, il va donc falloir s'y attaquer. Je pense que pour l'entrée, on va utiliser du bois écorché, quelque chose comme ça, avec une bûche comme ceci pour refermer. Et je pense que l'entrée, on va la laisser ouverte comme ça. On mettra peut-être juste des petits portillons comme ceci devant. Je vais tout refermer sur les côtés. Comme ça, c'est parfait. Au moins comme ça, on peut directement rentrer sur les côtés, c'est fermé. Et derrière, il va falloir faire du coup la même chose. Parfait, bon j'ai terminé du coup tous les murs et maintenant bah, il va falloir s'attaquer tout simplement je pense euh, à l'intérieur, l'intérieur que je vais faire sûrement avec deux piliers de chaque côté qui permettront de pouvoir tout soutenir et hop comme ceci, bien sûr il va falloir torcher toute la zone pour éviter... Que les mobs spawn. Et maintenant, bah, il va falloir ajouter tout ce qui est barrière, etc., etc. Donc bon, ça, je vais les confectionner directement. Et du coup, les enclos se feront sur chaque côté. Il y aura donc toutes les vaches ici. Et ici, euh, peut-être des vaches également. Ou alors des poulets, je ne sais pas. Mais je pense que de toute façon, il n'y aura que des vaches, étant donné que je n'ai pas d'autres animaux à ma disposition. Et là, je pense qu'on est pas mal. Il va juste falloir rajouter maintenant quelques décorations sur les côtés. Genre ici, je vais mettre sûrement des barrières. Histoire que les vaches ne se sentent pas un peu trop enfermées. Et voilà le travail. Euh, normalement, la grange est maintenant totalement terminée. Il y a juste là-haut, regardez, il y a un trou. Je pense que vous le voyez depuis tout à l'heure, ça doit vous stresser. Mais c'est simplement le toit que j'avais pas fini. Il va falloir que je le finisse pour rajouter également quelques petites dalles. Mais dans l'ensemble, la grange est maintenant totalement terminée. On va donc pouvoir y ramener nos amis les vaches. Euh, ce que je vais faire euh, immédiatement, je pense. On va pas non plus attendre. Allez, venez là, mes petites vachettes. Non, par contre, il faudrait pas ramener le mouton. Ce serait dommage qu'on ramène le mouton. Vous savez quoi Attendez, on va essayer de faire quelque chose. Hop, mouton, tombe là-dedans. Ok, tu vas rester là-dedans, mon ami. Et vous, vous allez venir par ici, mes petites vachettes. Euh, on va les faire rentrer là-dedans, une par une, à la cul-le-le. Mais vu que c'est des grosses débiles, je vais juste casser l'entrée comme ceci. Hop, et maintenant, reproduisez-vous. Non, bande d'imbéciles, revenez là. Ok, venez tous par ici. Hop, voilà, parfait. En plus, il y a le retour de Spider-Man. Il va s'envoler vers de nouveaux cieux. Quel imbécile. Pour le moment, on dirait qu'il est bien voué à rester seul dans son trou, le pauvre. D'ailleurs, euh, rituel du jour. Bonjour, évidemment, j'ai pas oublié. Ok, bon, allons voir s'il n'y a pas son acolyte, le mouton, qui a décidé de venir par hasard. Parce que c'est quand même triste de voir notre mouton rester tout seul. J'aimerais bien lui offrir sa femme. Et malheureusement, eh, le mouton, il n'est pas décidé à venir. Hein. Il a décidé de rester sur sa colline là-haut. Oh, un zombie Que fais-tu ici Meurs Il a osé pénétrer notre territoire. Il est complètement fou. Euh, les moutons qui étaient là, le mouton blanc et le mouton noir. Est-ce que vous voulez pas venir chez nous un petit peu là N'empêche, je suis vraiment un forceur. Hein. Tous les jours, je viens au niveau de la barrière pour voir si les animaux ne veulent pas venir. Je pense que vous n'avez jamais vu un forceur pareil. Euh, le mouton blanc, il est là. On a d'autres chats à fouetter de toute façon. Et les chats en question se trouvent juste ici. Regardez-moi ça. Ils sont quatre. Dorénavant, ils ont pu se reproduire. Il va donc falloir que j'extraie deux de ces villageois. Histoire de pouvoir faire laisser se reproduire en paix les deux autres. Parce que là, je pense qu'ils ne pourront plus étant donné qu'ils n'ont pas assez de lits à leur disposition. Je vais donc prendre Hop, deux petits bateaux. Je vais mettre un bateau juste là, comme ça. Et on va essayer de les attirer là-dedans. Allez, venez là, les amis. Ok, lui il est rentré. On va pouvoir se débarrasser de lui. Pour ce qui est des enclos de villageois, je pense que je vais faire ça à peu près dans cette zone. On s'occupera ici de tout ce qui est trade de villageois. Donc pour le moment, je suis désolé, mon ami, mais tu vas rester comme ça. Tu vas dormir dans ton bateau à l'air libre. Le temps que je te construise ta box. Oh, et d'ailleurs, le bébé a déjà grandi. Ah oui, d'accord. Toi, t'es un rapide, toi. Allez, vas-y, va dans le bateau. Va rejoindre ton pote. Allez, s'il te plaît, t'es capable. Tu es capable d'y arriver. Yes. Ok. Dans l'idéal, ça serait pas mal que ces villageois, on puisse les utiliser pour se confectionner une ferme à faire. Je pense que c'est l'un des trucs les plus importants qu'on devrait se confectionner en priorité. Hop, je vais leur redonner un petit peu de pain. Voilà, let's go, reproduisez-vous, les amis. Attendez une seconde. Je viens de penser à un truc pour me faire une ferme à faire. Il va me falloir de la lave, mais je n'ai pas de lave. Mince. Au pire des cas, on va espérer que des golems spawnent dans les parages et on les tuera petit à petit. Hein, voilà. Je vais pas me faire chier à faire une ferme à faire alors que j'ai même pas tous les matériaux. Et en attendant, je vais simplement commencer la construction des boxes pour les villageois. Bon, pour ce qui est des boxes, clairement, les gars, on va pas se faire chier. Je pense que je vais simplement utiliser de la Deep Slate. On va utiliser de la Deep Slate Tiles. On va changer un petit peu le design. Hop, voilà. Ils auront des boxes de luxe. Hop, et je vais faire pareil du coup pour son acolyte. Voilà, parfait. Je vais juste rajouter un petit peu d'éclairage. Et là, je pense qu'on est pas mal. Bon, ils ont littéralement des boxes gigantesques. Hein. Et je pense qu'on va commencer simplement avec des tables de fléchés. Au moins, comme ça, je vais pouvoir leur échanger pas mal d'émeraudes dans un premier temps. Je vais pouvoir donc leur attribuer leur nouveau métier. Tac. Voilà, parfait. Et là, normalement, je vais pouvoir trade avec eux. Oh, pourquoi lui, il coupe deux émeraudes, lui Pourquoi as-tu augmenté tes prix si soudainement, mon ami Mais what Pourquoi ils augmentent leurs prix C'est quoi ce truc de fou là Ils sont déjà aussi peu reconnaissants envers moi. C'est un affront de leur part. Et bon, je vais être obligé de me plier à leurs exigences pour avoir des émeraudes, malheureusement. Business is business comme on dit dans le milieu. Alors toi tu me vends pas de sticks, toi tu m'en vends. OK. Donne-moi ça mon ami. Parfait. Nos 16 premières émeraudes. Let's go man. I'm rich man. Bon bah écoutez, euh, je pense qu'en attendant, je vais simplement continuer à aller farmer le max de bois possible. Le seul problème c'est que ma hache va bientôt péter et que je n'ai plus du tout de fer. Bonjour. Bon, au total, j'ai pu couper 2 stacks et demi de bois, ça m'aura pris toute la journée littéralement. Mais bon, dorénavant, je peux maintenant échanger un maximum de sticks. Je vais essayer de voir combien d'émeraudes je peux récupérer cette fois-ci. Ok, bon, 48 émeraudes, c'est plutôt propre, ça devrait faire l'affaire pour le moment. Mais il va donc falloir qu'on puisse recruter de nouveaux villageois, sauf que ces derniers ne veulent pas se reproduire. Reproduisez-vous, bande de fous Ah, voilà vous avez enfin compris. En attendant, nous, il va falloir qu'on change un petit peu de stratégie. Parce que si je veux échanger efficacement avec les villageois, forgerons, etc., il va me falloir une grosse quantité de fer. Mais du coup, pour me confectionner une ferme à fer, il va me falloir un seau de lave. Malheureusement, je n'ai toujours pas le moindre seau de lave, ce qui est terrible. Et j'ai l'impression que le seul moyen d'en récupérer, ça va être d'aller en grotte. Regardez là, on a six pauvres lingots de fer, c'est tout ce qu'on a à notre actif. Bon, le jeu, ce que je veux, c'est un lac de lave. Ou une source de lave, n'importe quoi, juste un seau de lave. C'est tout ce dont j'ai besoin. Donc s'il te plaît, ne me donne même pas de minerai. J'ai même pas envie d'avoir de minerai. Je viens miner juste pour avoir de la lave, mon ami. Et tu me donnes des filons de 10 d'or. Oh mon dieu, c'est terrible. Bon, j'ai quasiment à moitié pété ma pioche. Je vais m'arrêter là pour le moment avant d'aggraver les dégâts. Euh, comme vous pouvez le voir, bon, un peu de redstone, un peu de fer, un peu d'or. Et pas de diamant ni de source de lave. Autant dire que je suis très très malchanceux sur cette aventure. Bon, attendez, je vais juste aller voir si mes villageois se sont reproduits depuis le temps. Normalement, ils ont dû faire un ou deux gosses. Voilà, ils en ont deux. Parfait. Je vais donc pouvoir pré-shot et normalement confectionner deux autres boxes. Voilà. Et voilà, les deux autres box sont prêts à accueillir les deux nouveaux villageois. Euh, du coup, on fera ça une fois qu'ils auront atteint la maturité des villageois. En attendant, nous, on va aller dormir. 66e lever de soleil. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un jour où on va se faire chier, littéralement. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, à part trade avec les villageois. Malheureusement, pour trade avec les villageois, il va falloir que je rase encore une fois cette forêt, ce qui est un moment de solitude extrême. Franchement, ça commence à me saouler de couper du bois. Surtout que les moutons ne veulent toujours pas venir, du coup, je peux toujours pas m'attaquer à notre élevage de moutons multicolores. Ça, je suis un peu triste. Franchement, si j'arrive pas d'ici là... À la fin de cette aventure, à avoir un élevage de moutons multicolores, ça serait un échec, les amis. Regardez-le, lui, il continue de me narguer de jour en jour, il me montre son postérieur. J'ai l'impression que chaque jour où ma barrière s'agrandit, lui s'éloigne de plus en plus. En attendant, moi, je vais simplement repartir sur du beau bûcheronnage, comme d'habitude, l'activité la plus chiante du monde, mais elle est nécessaire pour qu'on puisse se développer. Mais avant ça, rituel du jour, bonjour. D'ailleurs, je vais profiter des quelques morceaux de fer que j'ai à ma disposition pour me confectionner une table d'armurier. Si je ne me trompe pas, avec cette table, je devrais pouvoir échanger soit des pioches, soit des armures. Je je me rappelle plus c'est lequel des deux, mais en tout cas, je sais que celle-là me sera utile. Ok, bon, j'ai récupéré plus d'un stack ennemi. mais il y a un truc qu'il va falloir que je fasse dans un premier temps. Normalement, l'un des deux devrait avoir grandi. Voilà, parfait. Il y en a un qui a grandi. Oh, bah d'accord, il a grandi en direct live. Parfait, ok, parfait. Il fait jour. Oh non, ils sont montés à deux, mais quelle bande d'imbéciles! Oh non, c'est terrible, c'est terrible ce qui se passe. Euh, normalement, attendez. Oh non. Oh, attendez. Il y en a un qui va aller prendre le métier, je crois. Ok, on va le laisser s'enfermer. Bon, par contre, Claude il part totalement en vrille. Non, s'il te plaît, reste là. Reste là. Oh non, mon ami. Hop. Tu vas arrêter de fuir mon autorité. Il est complètement fou, ce villageois. Euh, je vais refermer ici, du coup. Euh, il va falloir que j'ai chercher des barrières. Non. 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 Ils se sont tous enfuis. Oh non. Oh non. Non. Pourquoi me faites-vous ça, les amis Ah, oh, j'ai oublié de refermer derrière moi. Purée, je suis un incapable. Allez, allez, oui, 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 oui. oui. Ok. Ah. Ok, bon, c'est pas que des imbéciles, c'est déjà ça. Bon, oh, écoutez, je vais aller chercher des barrières comme j'étais en train de le dire avant que ces villageois me dérangent. Alors, tac, tac. Voilà, parfait. Maintenant, tu vas rester ici. Il faut que j'échange avec lui dorénavant. Euh, c'est un peu relou, par contre, hein, parce que là, il va quand même me demander beaucoup d'émeraudes. Ceci dit, je me suis refait un stock de haches assez conséquent. Euh, Qu'est-ce qu'il échange ensuite Voilà, c'est ici, les amis. Ici, qu'il va me falloir énormément de fer. Malheureusement, j'en ai pas assez. Euh, c'est vraiment dommage. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de fer pour pouvoir passer au trade suivant. Qu'est-ce que t'as, toi Qui t'a autorisé à rester sur ces terre tu veux aller voir les vaches c'est ça t'as envie de traire des vaches c'est ça ton projet de vie tu ne veux pas être un esclave comme tout le monde on va le laisser dans son délire euh, ceci dit j'ai quand même récupéré pas mal de haches donc ça va être pas mal pour aller farmer du bois cependant il faut au moins que je puisse passer le trade suivant aux villageois qui échangent du fer parce que j'aurais clairement pas assez d'émeraudes pour lui échanger des cloches alors déjà je vais essayer d'aller voir au niveau du village s'il n'y a pas des golems qui traîneraient je pourrais essayer de tuer pour gratter quelques lingots alors est-ce qu'il y a des petits golems qui traîneraient dans le coin je n'ai pas l'impression il y en a un juste ici ok malheureusement je ne vais pas pouvoir la alors après il y a quand même pas mal de lingots de fer par là Mais bon euh... à la limite on pourrait tenter quelque chose Ce serait d'attirer un zombie Juste ici qui effrayerait donc les villageois Qui se trouvent là, ça permettrait donc de faire Spawner des golems partout autour euh, Il faut juste que je trouve un stratagème pour pouvoir Mettre un zombie ici sans qu'il se fasse Attaquer par le golem, l'idéal serait donc De lui faire une box comme ceci Je pense, il faudrait peut-être que je mette des barrières Tout autour pour éviter que les golems justement L'atteignent, pour ramener un zombie il va donc falloir que je me Mette là comme ça, attendre que le zombie il arrive Et refermer directement donc euh, je vais essayer de faire un petit truc comme ça. Hop, avec ici une Barrière, une fois qu'il rentrera là-dedans, je fermerai, j'ouvrirai et je refermerai ici. Voici donc ma stratégie, les amis. On va voir si ça va fonctionner maintenant. Euh, je doute un petit peu, mais bon, écoutez, on n'a plus qu'à attendre qu'il fasse nuit. De toute façon, c'est l'une de mes seules solutions pour me confectionner un semblant d'usine à faire. Alors, en attendant, lui, je vais le capturer. Il est complètement fou. Je sais pas pourquoi il a essayé de s'enfuir. Tu vas aller gentiment dans ta box avec tous les autres villageois. Je sais pas ce que tu essayais de faire, mon ami, mais tu ne m'échapperas pas. Voilà, parfait. Alors, juste ici, pour éviter que les golems s'attaquent au squelette une fois que je l'aurai capturé, je vais essayer de mettre des Barrières tout autour, comme ceci. Et ici, je remplacerai ce bloc par une barrière, je pense. Hop, on va faire quelque chose comme ça. Euh, bon bah écoutez, maintenant il ne me reste plus qu'à attendre qu'il fasse nuit, ou alors attendre qu'il y ait un zombie qui... Oh mais attendez, jurez-vous, il y avait un zombie juste ici Ok, c'est parfait. Je sais pas comment il s'est retrouvé là, ce mec. Mais c'est absolument parfait. Si tu pouvais prendre un bloc, un truc comme ça, une hache. Tiens une hache. Ça te ferait plaisir une hache Ouais. Dans l'idéal, j'aimerais bien que tu prennes pas la hache, effectivement. Alors du coup, le plan, c'est de l'attirer ici. Non, par là, mon pote. Non, mon pote, par là, par là. Viens. Ah, là. Non Mais qu'est-ce qu'il fait Oh mon dieu. Ok, c'est bon, il est enfermé. Oh non Oh, ça saute Oh, je savais pas qu'il pouvait sauter. Oh mince, terrible. Euh, ok, reviens là. Reviens, reviens, reviens. Hop, il est revenu. Oh oui, il est là. Non, 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 non. Il faut bloquer. Oh mon dieu, non. Oh, c'est une course poursuite. Ok, vite, 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 vite. Ok, normalement, là, il devrait pas pouvoir passer. Tac, tac. Et là, normalement, tu devrais aller faire peur à ces villageois, mon ami. Mais c'est moi où il est complètement perdu. Ok, voilà. Et là tu bouges plus mon pote. Pourquoi il n'y a pas de golems qui spawn Bon on va pas se mentir, le projet on dirait qu'il est un peu en train de tomber à l'eau. Et je dis pas ça parce qu'il pleut hein. <laughs> ok. Bon. Où sont les golems Vous n'êtes pas censé protéger les villageois C'est quoi ces golems incapables Donc euh, écoutez, on va leur chercher des circonstances atteignantes hein. On va espérer que les golems euh, ne soient pas que des feignants. Euh non, toujours pas de golems hein. Pourquoi donc euh, le zombie il est toujours là. Vous voyez, il est toujours là. Les golems n'ont pas l'air très enjaillés à l'idée de venir secourir leurs villageois. Donc, euh, je pense que le plan euh, ne marche pas de toute façon. Tu vas donc mourir, mon pote. Voilà, meurs. Bon, en attendant, moi je vais utiliser tout le bois que j'ai récupéré tout à l'heure pour me confectionner un max de bâtons. Ok, j'ai donc mon premier stack d'émeraudes. Maintenant, effectivement, c'est pas avec 70 émeraudes qu'on va aller très loin. Est-ce que lui, il n'y a pas moyen, peut-être Pire, ah, je lui échange juste ça. Au moins, comme ça, ça augmente déjà pas mal la barre. Là, il va falloir être assez malin. En effet, il me, en fait, il me faut impérativement du fer pour pouvoir le faire passer d'un autre niveau. Malheureusement, je n'en ai pas. Donc, je pense qu'on va essayer simplement de retourner dans la grotte qui y avait là-bas. Normalement, on devrait avoir accès à davantage de fer. Le saut de la foi Ok, c'était très dangereux ce que je viens de faire. Ok, en plus, il y a pas mal de fer sur la paroi ici. Par contre, toi, mon ami. Hop, je suis désolé, mais ça a le pauvre. Paix à son âme. Bon bah maintenant il ne me reste plus qu'à essayer de récupérer le maximum de fer possible. Ok, bon, j'ai pu remonter à la surface. Comme vous pouvez le voir, j'ai 38 lingots de fer. Alors, je pense que ça sera suffisant quand même pour passer le premier trade. Seulement, je suis en train de me demander, mais après le premier trade, je sais plus s'il y aura quelque chose d'intéressant qui pourra être échangé, ou alors s'il faudra continuer avec des lingots de fer. Il va falloir aviser, écoutez. Je vais attendre que tout cela fonde. D'ailleurs, il va bientôt falloir que je recommence à nourrir ces énergumènes. Regardez, ils ne sont pas reproduits. C'est aussi ça, Minecraft sans jours, les gars. C'est pas forcément que du rush, c'est pas forcément que euh, la course à l'ender dragon, ou alors la course au stuff ultime. C'est aussi les petits plaisirs comme ça, de Minecraft, et de récolter son blé pour ensuite nourrir ses villageois, nourrir ses vaches. D'ailleurs, les vaches, ça fait longtemps que je les ai pas nourries, elles sont peut-être mortes de faim. Oh mon dieu. Je suis un mauvais propriétaire. Je vais nourrir mes petites vachettes. Oh, venez là ma petite famille de vaches. Oh, c'est magnifique. La population va donc doubler, incroyable. Et maintenant que ça s'est fait, attendez, attendez, attendez. Je crois que là il y a un gros bonhomme méchant là. Oh mon dieu, il y a un méchant ici. Euh, écoute mon ami, je vais te laisser faire ce que tu veux tant que je ne te regarde pas dans les yeux. Comment toi tu peux me regarder dans les yeux et moi j'ai pas le droit Bon écoutez, on va le laisser parce que lui je pense que littéralement il pourrait me défoncer. Oh, regardez, il a disparu. Il est complètement fou. D'ailleurs, ça fait un bail. Rituel du jour. Bonjour. Je vais me confectionner un petit peu plus de pain également pour pouvoir aller nourrir mes amis les villageois. Hop là, voilà pour vous les potes. Mettez-vous bien. Bon là, depuis le temps, voilà, le fer a du cuir. J'en ai 40 désormais. Je vais voir si ça suffit pour trade avec le villageois et passer au niveau supérieur. Allez, mon ami, fais que ça passe. Ok, ça passe. Pile poil. <laughs> il me reste un seul lingot de fer. Mais bon, normalement, ça devrait passer au niveau suivant. Ok, parfait. Et là, du coup, ok, je vais pouvoir prendre des houx. Ça me permettra de pouvoir passer au niveau d'après. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Je vais même prendre cette hache, pourquoi pas. Hop, au moins comme ça, on est sûr. Et là, normalement, il devrait également passer au niveau suivant. Et là, j'ai accès à une pelle. Pelle en diamant que je vais d'ailleurs prendre en énorme quantité pour pouvoir passer au trade suivant. Ok, là on commence à être pas trop mal. Le seul truc dommage c'est que du coup j'ai pas assez de fer pour me confectionner une enclume. À vrai dire, c'est pas très très grave. Maintenant, si je range tout mon inventaire, mon stuff ressemble donc à ça. J'ai une pioche en diamant, une pelle et une houe. Il me manque du coup la hache et une pioche enchantée. Normalement, il devrait me donner une pioche enchantée le villageois. Donc bon, à partir du prochain trade, ça devrait être bon, je pense. Notre stuff commence à avoir de la gueule. Il va donc juste falloir attendre que le trade de la pelle se réinitialise pour enfin. Passer au dernier trade qui devrait normalement nous donner une pioche ou une hache en diamant. Ok, là on est pas mal. Rituel du jour, bonjour. Alors, ici, euh, l'imbécile qui est ici n'a toujours pas bougé, c'est une bonne nouvelle. Bon, son trade à lui devrait pas tarder à se réinitialiser. Euh, le temps qu'il se réinitialise, il va falloir que je récupère un petit peu plus d'émeraudes. Au moins, comme ça, je serai pile poil. En plus, comme j'ai ma nouvelle hache en fer, Unbreaking 1, on va pouvoir aller farmer ces vers. C'est moi qui vous le dis. Bon, attendez, je vais juste aller voir d'abord si se sont reproduits ces énergumes. Qu'est-ce que vous regardez dans le coin là Ah, oui, d'accord, ok, ok, ok. RAS, RAS, euh, quoique. Non, RAS. Bon, moi je vais récupérer un petit peu de bois, ensuite on retournera échanger pour essayer d'atteindre enfin la pioche en diamant. Et une fois que ce sera fait, je pense qu'on aura enfin accompli l'un des plus gros objectifs. Ça nous permettra du coup de pouvoir aller farmer bien plus rapidement de la cobble, de la deep slate, du bois, etc., etc. Et je pense que dès que j'aurai tous mes outils en diamant, on pourra enfin partir sur des constructions un petit peu plus grosses. Et continuer à décorer toujours plus notre base. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Ok, bon j'ai encore une fois récupéré pas mal de bois, comme vous pouvez le voir je vais pouvoir m'échanger énormément d'émeraudes. Et du coup avec toutes ces émeraudes j'espère pouvoir au moins passer au prochain trade. Parfait. Voilà, normalement là je devrais passer au dernier trade. Ça me permettrait donc de pouvoir débloquer. Attention mesdames et messieurs, une pioche en diamant. Efficacité 1. Unbreaking 1, absolument parfait. Ah là, on est bien. Maintenant que ça c'est fait, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Honnêtement, je pense pas avoir d'autres moyens d'avoir énormément d'émeraudes à part couper du bois. Honnêtement, j'ai pas envie de passer les 30 derniers jours de l'aventure à couper du bois pour des émeraudes. Moi je vais couper du bois uniquement pour faire des belles constructions, les gars. Du coup, je pense que niveau stuff, on n'ira pas plus loin. Je pense que d'ici là, on sera parfait. Je pense qu'on ne risque pas de mourir avec tout ce qu'on a, effectivement. Je ne pense pas être un giga noob pour mourir avec tout le stuff que j'ai actuellement. Est-ce qu'ici il y aurait pas un autre mouton peut-être euh, juste à côté ce qu'il y aurait pas un autre mouton non le mouton oh oh un lapinou attendez je crois que j'ai des laisses dans mes coffres on va essayer de capturer le lapin les amis ok ils sont là alors où es-tu mon ami normalement tu n'as pas pu t'échapper oh tu es là ok viens là non viens ici je t'aurai... oh je l'ai eu je l'ai eu ou pas ok je l'ai eu ok let's go on va le ramener à la base il a un petit nez rose oh, c'est magnifique ça ça c'est du lapin de compète ça bon par contre il y va à deux à l'heure c'est un peu chiant tu pourrais aller un petit peu plus vite quand même non, j'ai tapé mon lapin à cause du bébé zombie. Oh non, terrible. Oh non. Non, viens là, mon pote. Oh, je suis désolé. Oh, je lui ai mis deux coups d'épée, le pauvre. Oh, il les a sentis passer, c'est moi qui vous... Il est mort de chute. Il avait un HP. Oh non, oh non, lapinou C'est une triste nuit. Cette 70e nuit est une triste nuit dans l'histoire de cette aventure. Dans les commentaires, je veux un maximum de soutien pour le lapin crétin qui est mort en vaillant héros qui a essayé de me défendre contre ce bébé zombie. Il mérite toute la reconnaissance du monde en commentaire. Apportez-lui tout votre soutien. Nous ne l'oublierons jamais, les amis. Et en son honneur, je vais accrocher sa carcasse juste ici. <laughs> on, va <laughs> on va accrocher sa carcasse juste ici en guise de, en guise de reconnaissance Et cet œuf on va l'exploser par terre Oh Un poulet Oh mon dieu C'est quoi ce jour de chance Oh oui mon ami Cette nuit est une grande nuit Ok là je sais pas ce qui s'est passé cette nuit Tous les astres se sont alignés Mais euh, ça n'empêche pas qu'on va faire une petite minute de silence pour notre ami le lapin crétin Bon voilà c'est bon. maintenant allons dormir ah, jour 71. Et regardez en plus qu'est-ce qui vient de spawner, un mini golem. Alors ça les gars, si c'est pas parfait, on va aller lui faire sa fête à ce golem, c'est moi qui vous le dis. Depuis le temps que les villageois ont besoin de toi mon ami, il a que maintenant que tu spawns. N'aurais-tu pas honte On va essayer de le zigouiller. Normalement il ne m'atteint pas. Ok parfait. Tu vas mourir mon ami. Ok parfait. Premier golem de l'aventure que nous avons zigouillé. Alors normalement il devrait m'avoir donné, voilà, quelques petits lingots de fer, c'est plutôt pas mal, on en a trois. Euh, dans l'idéal, ça serait bien qu'il y ait davantage de golems qui spawn, histoire de pouvoir continuer à traiter avec les villageois. Malheureusement pour l'instant, c'est loin d'être gagné. Alors ici, est-ce qu'ils se sont reproduits Ah oui Ah oui d'accord Ah ouais, ça se reproduit bien ici là. Ok, bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement, je vois pas trop quel genre de villageois je pourrais rajouter. Ok, regardez-moi ça. Nous avons un autre golem. Là j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui arrivent à spawner assez facilement. Hop Parfait. Du coup, ça serait pas mal que je puisse récupérer un max de fer possible. Là, j'en ai 6 et il se met à pleuvoir. Bon, écoutez, j'ai l'impression que plus il y a de villageois, plus le taux de spawn des golems augmente. Du coup, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors attendez, je vais juste aller voir si le mouton par hasard ne se serait pas rapproché de notre base, alors que c'est l'animal dont j'ai le plus besoin. Oh là là, regardez, il est juste là. Il est vraiment juste ici, il est à deux pas de nous. Malheureusement, il ne veut toujours pas venir. OK. Bon, troisième golem. Je suis littéralement en train de passer la journée à farmer les golems. J'essaie d'attendre qu'ils spawn. N'empêche, c'est quand même une bonne source de fer. J'en ai déjà 6 en ayant tué seulement 2 golems. Je pense que c'est l'une des stratégies que je vais adopter durant les prochains jours. Hop, c'est d'attendre tout simplement que des golems spawn. Je peux continuer à trade avec cet énergumène. Au pire des cas, je farm les golems pour pouvoir me confectionner une enclume. Ce qui me permettrait donc de pouvoir fusionner déjà mes pioches. Efficacité 2, 3, 4, etc. Ça m'a l'air d'être un bon plan, à vrai dire. Bon, vous savez quoi, en attendant que des golems spawn, moi je vais simplement aller couper un petit peu de bois. Oh mon dieu! Il y en a un juste là, tu vas mourir comme tous tes potes. Bon, D'ailleurs avec les quelques lingots de fer que j'ai récupéré, je vais pouvoir donc me confectionner un blast furnace, ce qui me permettra de pouvoir donc recruter le villageois qui normalement devrait m'échanger une armure en diamant. Comme ceci, il va falloir donc que je ramène un nouveau villageois après avoir tout simplement tué ce golem évidemment. Évidemment, il fallait que ce soit un bébé qui monte dans le bateau. J'ai vraiment pas de chance dans la vie, moi, les amis. Vous savez, je pense que je m'en suis rendu compte depuis un bon petit bout de temps maintenant que je n'ai pas de chance sur Minecraft. Bon, écoutez, ceci dit, ça nous permettra de pouvoir avoir le temps de farmer du fer, le temps qu'il grandisse. Tant donné qu'il va falloir attendre d'avoir masse de fer pour pouvoir lui échanger. Oh, attendez, Mais j'ai déjà un villageois. Bah oui, il a pas de métier, lui. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je suis bête, sérieux. Bah vous savez quoi, toi, tu vas rester là pour le moment, et toi, je vais t'attribuer ton nouveau métier, mon pote. Il va donc falloir que j'échange un petit peu avec lui. Et pour ce faire, bah vous savez ce qu'il me reste à faire Il me reste tout simplement qu'à couper du bois après avoir vaincu cette énergie encore une fois, j'ai l'impression qu'on commence à avoir une petite usine à faire du pauvre. Tous les golems qui spawnent, il n'y a absolument rien d'automatique, mais bon, au moins ça me permet de pouvoir récupérer du fer. J'en suis déjà à 17 lingots. J'en aurai bientôt assez pour avoir mon armure en diamant. Ouais, finalement je vous avais dit que je n'aurais pas l'armure en diamant, mais je me suis un petit peu ravisé depuis que les golems ont commencé à spawner. Bon bref, il va falloir repartir sur du bûcheronnage. Regardez, moi ça j'ai déjà 35 lingots. J'ai dû tuer une dizaine de golems à peu près depuis tout à l'heure. Et ils font que de spawner à la chaîne. C'est vraiment incroyable. En fait, j'ai littéralement réussi à construire une usine à faire. Pas automatique, je vous l'accorde, mais une usine à faire quand même. Bon, en plus, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré un stack et demi de bois. Alors je sais pas si ça sera suffisant pour pouvoir avoir assez d'émeraudes. Honnêtement, je ne pense pas. Évidemment, il va falloir que je retourne en aller en chercher. Bon, toutefois, j'ai pas mal de sticks quand même. Ça devrait me faire une petite base d'émeraudes <laughs> Bon, 29 émeraudes, c'est pas ouf. C'est pas ouf euh, que ça me permettra de au moins échanger un petit peu ah oui d'accord 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 je suis en fait très très loin du compte euh, bon bah écoutez on va attendre que notre forêt continue de grandir ça me fait un peu chier quand même d'utiliser tous mes arbres pour des émeraudes j'aimerais bien commencer à faire des builds moi j'ai envie de builds attendez je vais essayer d'aller voir si oh attendez ça fait combien de jours que j'ai pas fait le rituel du jour oh là là oh là là euh, ça fait pas mal de temps que j'ai oublié de faire le rituel du jour rituel du jour bonjour maintenant je vais essayer d'aller voir s'il n'y a pas d'autres moutons notamment là-bas là qui se seraient montrés car en effet les 100 jours approchent à grands pas alors nous avons un mouton juste ici au niveau de la frontière on en a aucun Malheureusement, c'est pas très grave. Je pense que l'un des objectifs aussi qu'il faudrait qu'on se fasse avant la fin des 100 jours, ça serait d'augmenter d'un étage supplémentaire notre base. Regardez notre base, elle commence à être un petit peu ridicule avec la muraille tout autour. Elle n'est plus assez imposante. Du coup, vous savez ce qu'il me reste à faire. Et cette fois-ci, le dernier étage, je vais pas le faire en stone ou en stone brick. Je vais simplement utiliser de la deep slate. Bon, malheureusement, je n'en ai quasi plus dans mes coffres. Du coup, il va falloir que j'aille en rechercher. Mais bon, ça tombe bien. Maintenant que j'ai des pioches en diamant, en plus une efficacité, ça va être bien plus rapide. Avec comme objectif principal, évidemment, trouver du diamant, pourquoi pas. Je viens pas ici une pour de la deep slate et pas uniquement pour de la redstone également, les amis. Si en prime on pouvait trouver du diamant, franchement, je serais l'homme le plus heureux. Malheureusement, on va se contenter uniquement de deep slate parce que moi je n'ai pas de chance dans ma vie, c'est pas très grave. On se retrouve un petit peu plus tard dès que j'aurai farmé assez de deep slate pour commencer la construction. Euh, ouais. C'est un prank euh, euh, Je sens que c'est un prank. Je sais pas pourquoi je sens que ça va m'exploser dessus. Oh, du diamant, mon Dieu. Du diamant, sérieux. Après tout ce temps, bon malheureusement, il y a que deux lingots de diamant. On va pas faire la fine bouche. De toute façon, ça faisait un bail que je n'avais pas trouvé. Donc, on va être content pour ce qu'on a pour le moment. En fait, j'ai capté, quand je cherche pas du diamant, on m'en donne en veux-tu, en voilà quoi. Regardez-moi ça en plus, on a encore ici. Sérieux. Incroyable. Enfin... Enfin un peu de chance. J'en ai 6. Ok, c'est vraiment pas mal. Ok, bon, les gars, le jeu me troll. C'est bon, ok. Le jeu est en train de me troller. C'est la troisième fois que je... Trouve du diamant en à peine 5 minutes, alors que de base je suis juste venu chercher de la deep slate. Sérieux, limite je suis bientôt capable de pouvoir me faire une armure en diamant. J'en suis à 12 déjà. Ah là là. Bon, je vais pas me plaindre, écoutez. C'est juste un petit peu marrant comment ce jeu est parfois euh, si cruel. Enfin bref. Mais wesh, le diamant que j'ai trouvé, il était juste ici? Et là, je retrouve du dia... Oh mon dieu. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ce jeu Mais c'est quoi ce jeu Bon, écoutez, merci hein, encore une fois. Vous êtes vraiment sympathique là depuis, depuis quelques jours là. Ok, les gars, je sais pas du tout ce qui se passe, mais c'est incroyable. Je viens de tomber sur un lac de lave. Oh là là. Attendez, attendez. Par contre, je sais pas si le lac de lave me permettrait d'aller dans le nether. Est-ce qu'il y a assez de lave En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai assez pour me confectionner une table d'enchantement, c'est déjà pas mal. Mais alors, après, est-ce que je pourrais aller dans le nether? Ça, c'est une autre question. Alors là, il y en aurait 1, 2, 3, 4. Même si en soi, ça me sert pas à grand chose d'aller dans le nether, étant donné que il bah, n'y a pas de strong gold dans les parages. Est-ce que ça serait vraiment une bonne idée de risquer ma vie à aller dans le nether À vrai dire, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je vais pouvoir me confectionner une table d'enchantement. Donc je vais essayer de récupérer déjà quatre morceaux d'obsidienne. En plus, maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai à peu près 7 stacks de Deep Slate. On va donc pouvoir remonter à la surface. Ok, du coup, avec les diamants, j'ai pu me confectionner un plastron et des bottes que je vais directement m'équiper. Ah, là, je me sens déjà bien plus puissant. Normalement, dans mes coffres, il devrait me rester du cuir. Voilà, parfait. Et je vais donc normalement pouvoir me confectionner des table d'enchantement. Ah non, attendez, 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 attendez. Je crois que je n'ai pas de canne à sucre. Alors, oui, effectivement, je n'ai pas de canne à sucre du tout. Aïe, c'est très dommage ça. Par contre, ici, il y a deux golems. On va se les farcir. C'est moi qui vous le dis. Et il y a même un villageois marchand juste là. Ah oui, d'accord. C'est la fête en fait, tout le monde s'est incrusté chez moi. Alors villageois marchand, qu'as-tu à m'échanger, mon ami euh, Des mangroves, progapules, du sable, clairement rien d'intéressant. Ok, lui il est bloqué. Je vais donc pouvoir le tuer. Encore un juste ici. Bon, par contre je pense que je vais abandonner le projet armure full en diamant. Juste un plastron et des bottes, ça va me suffire pour le moment. J'ai pas envie de gaspiller mon fer pour des échanges inutiles avec les villageois. Au lieu de ça, je vais simplement me confectionner du coup une enclume. Parfait. Et je vais fusionner déjà, hop, deux pelles, comme ceci. Efficacité 4. Parfait. Par contre, les pioches, je ne peux pas les fusionner. C'est pas très grave. Attendez, je vais juste aller faire le tour de mon territoire voir s'il n'y a pas de la canne à sucre à ma disposition. Surtout au niveau des coins d'eau. Est-ce euh, qu'il n'y a pas de la canne à sucre pas très loin Parce que là, je vais en avoir besoin pour me confectionner une table d'enchantement. Malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'il y a de canne à sucre pas loin. Et par ici, est-ce qu'il y a quelques morceaux de canne à sucre Juste un morceau, ça me suffirait en vrai. Hein. Je vais me contenter d'un seul morceau. Est-ce qu'il y en aurait un seul Même pas un seul morceau de canne à sucre, malheureusement. Je vais donc pas pouvoir me confectionner ma table d'enchantement pour le moment. Terrible, et d'ailleurs, j'ai même l'impression que je vais pas pouvoir m'en confectionner tout court de toute l'aventure. Après, c'est pas comme si on avait absolument besoin de s'enchanter non plus, mais bon, c'est toujours un objectif cool à réaliser. Oh, d'ailleurs, regardez le mouton. Oh, attendez, 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 je rêve. Le mouton, il est juste ici. Allez, viens, mon ami, viens, viens, viens. Allez, je sais que tu peux le faire. Allez, rapproche-toi de moi. Allez, mon pote. Oui, oui. Oh, yes, enfin, les amis. Un mouton noir, parfait Ça nous fait déjà une nouvelle couleur. Oh, incroyable, les gars. Oh, ça fait je ne sais combien de jours. Bah là, on est, on est jour combien On est jour 70, à peu près. J'ai eu le premier mouton jour 20. Ça fait plus de 50 jours que j'attends d'avoir un deuxième mouton. Et il est enfin là. Oh, let's go, yes Du coup, Mr. Sheep ne sera plus tout seul dorénavant. On va pouvoir le faire se reproduire. Et le projet des moutons multicolores va enfin pouvoir démarrer. Ah là, voilà. on est bien Hop, déjà reproduisez-vous. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On va avoir un mouton gris du coup. Oh, c'est magnifique. Oh, let's go, mais qu'est-ce qu'il est beau. Hop, et maintenant, je vais enfin pouvoir ramener cette petite famille. Allez, venez là les potes. Je vous présente votre nouvelle maison. Et bien sûr, rituel du jour. Bonjour. Première laine noire d'ailleurs. Ah non, elle est grise. Ah, ça veut dire que lui, c'est un mouton gris clair. Lui, c'était un mouton gris, lui, gris clair. Euh, lui, il est blanc. Du coup, je vais essayer de lui mettre une autre couleur, genre rouge. Allez, pourquoi pas, plus on est fou. Il va falloir attendre du coup qu'il mange sa laine pour pouvoir le transformer en mouton rouge. L'objectif serait donc de pouvoir remplir ces quatre box avec énormément de moutons de couleur. Ici, il y aurait peut-être les moutons rouges. Ici, moutons verts, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Mais du coup, pour ce faire, il va me falloir plusieurs sortes de colorants. Mais du coup, pour ce qui est des colorants, euh, j'ai des colorants rouges grâce à mes roses. Normalement, je devrais avoir voilà, également des colorants jaunes. Parfait. Voilà, parfait. Normalement, il y a également des fleurs bleues. Je vais donc pouvoir me faire également un colorant bleu. Même un colorant vert, pourquoi pas. Ah non, bleu et jaune, ça donne pas de vert, du coup. Ok. Colorant violet. Allez, on part sur du violet ou quoi Parfait. Euh, il va juste falloir que je reprenne une fleur bleue par contre. Euh, parce que je tenais quand même un minimum à mes moutons bleus. Oh mince, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres fleurs. Ah si, là-bas il y a une fleur bleue. Parfait. Je vais récupérer un petit peu de blé pour pouvoir les reproduire davantage, mes amis les moutons. Alors toi, tu vas devenir un mouton bleu, mon pote. <laughs> voilà, parfait. Toi, tu vas devenir un mouton jaune. Voilà. Hop, faites des bébés. Normalement, ça devrait donner un mouton vert. Normalement, si la science de Minecraft est correcte, le bébé devrait être vert. Et, euh, et non, il est bleu. Alors je ne suis pas fou. Du jaune et du bleu, c'est censé donner du vert. On est d'accord. On sait pas très grave, on va dire que la... Logique de Minecraft est complètement nulle. Donc, comme je vous l'avais dit, il va falloir que j'augmente d'un étage supplémentaire ma tour. On va partir exactement sur le même design que j'avais fait pour le premier étage et pour le rez-de-chaussée, sauf que cette fois je vais faire ça avec de la deep slate. Le seul ingrédient qui va me manquer maintenant, c'est du bois. Donc, bon, cette fois on va enfin partir sur du bûcheronnage qui me permettra de construire et pas de trade avec ces vulgaires villageois qui ne sont que des voleurs. Je n'ai pas peur de le dire. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai cinq diamants à ma disposition, donc je pense que je vais les utiliser tout simplement pour me confectionner un casque. Dorénavant, je je suis presque full diamant. Honnêtement, c'est une sacrée réussite en sachant qu'on part quand même d'un seul bloc au départ. Trêve de mondanité, rentrons dans le cœur de la forêt. Bon pour la construction cette fois on va partir sur le même pattern sauf que je vais utiliser de la deep slice brick et il va me falloir normalement si je ne me trompe pas c'est des escaliers en andésite si je suis bien le pattern il me semble que j'ai fait quelque chose comme ça qui devait faire tout le tour et ouais c'est exactement ça regardez moi ça j'avais fait toute une lignée d'escaliers en andésite juste au dessus des trappes d'or du coup bah je vais faire exactement la même chose là haut Ok les gars, j'ai enfin terminé la construction de la base. Mais au moins, regardez-moi ça. Maintenant, notre base est. Totalement terminée. Elle est assez grande. Elle surplombe bien tout le territoire. Elle est très imposante. Et surtout, elle fait peur. Regardez-moi ce dernier étage complètement dark. Incroyable. Ça, c'est du château qui envoie ça. Bon, maintenant, il va être temps de récolter un petit peu nos champs. Ils ont super bien poussé depuis. Mais surtout, ça me permettra de pouvoir nourrir un petit peu mes moutons. Regardez-moi ça. On va les faire se reproduire entre eux. Mettez-vous bien. Faites des gosses. Le projet mouton multicolore avance super bien. Maintenant que nous, notre base est totalement terminée. On n'aura plus besoin de l'améliorer davantage. Je pense que là, pour le coup, on est pas mal. Elle commence à vraiment être très imposante. C'est vraiment cool. Euh, je vais m'occuper de tuer les petits golems qui traînent par-ci par-là. Notamment ce mec là qui fait que de spawner dans le coin. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, en ce jour 79, je pense que je vais un petit peu profiter de ma pelle efficacité 4. En effet, normalement, elle devrait one-shot tout ce qui est terre et tout. Voilà, parfait. Ça one-shot absolument tout. Je vais donc en profiter pour totalement terraformer le devant de ma base. Et je pense que je vais agrandir tout simplement mes champs histoire de les faire aller sur le côté droit, sur le côté gauche. Pour avoir un petit peu la devanture de mon royaume complètement remplie de champs. Et pour ce faire, je vais profiter de ma pelle Totalement incroyable pour absolument tout terraformer au moins le devant du royaume sera beaucoup plus beau avec des champs absolument partout qui s'étendent sur chaque côté et d'ailleurs je vais en profiter également pour étendre l'escalier de champs je vais essayer de le faire descendre à peu près jusqu'au lac qu'il y a ici dire qu'au début on faisait ça avec une pelle en pierre ça nous prenait des jours et là littéralement en quelques instants ça sera terminé. Ok parfait, là je pense qu'on est plutôt pas mal, là bas c'est tout plat, ici pareil, il va juste falloir améliorer un petit peu la muraille parce que là elle est complètement détruite, il va falloir que je rétablisse déjà les piliers en bois et surtout que je mette également pas mal de deep slate. Mais bon ça, on va s'en occuper à la fin vu que c'est pas très long. Dans un premier temps moi je vais m'occuper de tout remplir avec de la dirt histoire de tout mettre au même niveau, mais surtout de pouvoir agrandir l'escalier qu'il y a juste ici pour le faire descendre le plus possible, il va falloir améliorer ça rapidement. Ok bon dans l'idée j'aimerais que ça s'étende jusqu'ici et je vais donc refermer tout ce mur avec de la dirt ce qui fera en sorte que les sources d'eau qui s'écoulent depuis là-haut s'écoulent directement dans le lac Tout le devant de mon royaume s'étendra avec des champs de blé absolument partout C'est pour cela que d'ailleurs il va falloir que hop j'augmente encore davantage de ce côté-ci Par contre comme vous pouvez le voir ma pelle elle a pris super cher on va pas se mentir Je sais pas du tout si elle va réussir à tenir jusqu'au bout mais bon Ah mince, ma pelle vient de me lâcher les amis. Bon de toute façon je pense pas qu'on aurait pu aller vraiment plus loin, ça veut dire qu'il aurait fallu casser cette maison et je vous avoue j'ai la flemme. J'ai pas envie de gâcher toute une journée à péter une maison. Donc je pense que vous me comprendrez, on va arrêter les champs à partir d'ici je pense. Là il va falloir que j'aille récupérer une autre pelle. Normalement j'en ai quelques-unes dans mes coffres qui attendent d'être fusionnées. Euh, je peux la transformer en efficacité 3 du coup et je pense que je vais me contenter de ça pour le moment. De toute façon il ne me reste plus grand chose à terraformer. Ok parfait, à présent j'ai fini tout le terraformer. Maintenant il va plus que me manquer à remplacer toute la stone par de la dirt Et après on pourra commencer directement à tout planter Donc bon, ne perdons pas plus de temps et allons-y Ok, et maintenant que ça c'est fait, bah il me reste plus qu'à replanter tout le blé. Bon, il va bien sûr falloir que je récolte celui-là pour augmenter mes réserves de seeds, évidemment. Après, ça va que j'ai quand même fait pas mal de récoltes depuis le début de l'aventure, donc je devrais en avoir énormément dans mes coffres. Ouais, regardez, j'ai quand même pas mal de stacks qui traînent par-ci par-là. Je sais pas si ça sera assez pour tout, mais bon, on va déjà faire avec ce qu'on a. Hop, regardez en plus la famille de moutons ici elle commence à s'agrandir énormément. Euh, on va bientôt pouvoir les disperser dans différents enclos une fois qu'ils seront assez nombreux. Euh, les jaunes il n'y en a vraiment pas beaucoup, les bleus ils commencent à être énormément. Bon, je vais récupérer du coup toutes les seeds qu'il y a dans mes coffres et je pense qu'avec tout ça on sera très très large. Hein. Regardez-moi ça, j'ai des dizaines de stacks de seeds. Je pense que l'on devrait être capable de remplir toute la superficie devant notre base. En plus avec ma houe en diamant hyper cheatée, je pense que ça fera l'affaire. Juste avant, hop, il va falloir du coup que j'augmente la taille du chemin. Voilà, parfait. Non, bah je peux enfin commencer à labourer après évidemment avoir irrigué les champs grâce à ma source d'eau. Hop, parfait. Je vais faire pareil du coup sur toute la longueur. Hop là parfait et du coup en faisant ça sur toute la longueur comme vous pouvez le voir bah, l'eau s'écoule directement dans le lac c'est magnifique Bon il va falloir que je fasse ça du coup avec la deuxième source d'eau qui se trouve juste là Voilà parfait et maintenant bah, je peux commencer directement à planter mon blé Bon bah maintenant il va falloir que je fasse la même chose sur toute la longueur il va donc falloir euh, recréer une source d'eau Je vais compter 4 blocs par là 1, 2, 3, 4 et ici, il y aura donc la source d'eau que je vais directement mettre comme ceci, je pense. Normalement, ça devrait fonctionner. Ok, parfait. Bon, évidemment, il va juste falloir améliorer un petit peu le mur quand on aura terminé, parce que là, ça fait un petit peu moche. Mais au moins comme ça, on peut commencer déjà à planter tout notre blé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, bah maintenant, il ne me reste plus qu'à tout remplir avec du blé. De tout labourer, de tout replanter, ça risque d'être super long, donc je vous laisse avec un time-lapse. En vrai, les gars, j'ai planté tout ça, mais je pense que je récolterai jamais autant de blé d'un coup. Hein. Faut pas déconner, ça prend tellement de temps de tout replanter, ça m'a mis quasiment une journée entière. Je récolterai uniquement le blé qu'il y a là-haut, au moins comme ça, ça me permettra de pouvoir en replanter un minimum. Maintenant bah, que ça c'est fait, il va d'abord falloir que je répare un petit peu les murailles. Il va donc me falloir de la deep slate et un petit peu de bois. Alors, hop, dans un premier temps, les bouts de bois, à part ici, du coup, il va falloir que je laisse cette bûche complètement péter. Mais sinon, les autres bûches, je peux les combler sans aucun souci. Maintenant, bah, il me reste plus qu'à remplir tous les trous avec de la deep slate. Voilà. Comme ça, ça rend déjà bien, bien plus beau. Ça fait plus tout dégueulasse avec de la terre absolument partout. Là, les murs sont propres, les champs sont propres, ma base est propre, je suis propre, tout est propre. Bon, et maintenant, il va me rester plus qu'une dernière étape sur la devanture de mon royaume. Ça va être de tout simplement de confectionner sur toute la devanture des champs un mur. A l'instar de la muraille juste ici, mais je pense que je vais le faire en cobblestone plutôt qu'en deep slate. Écoutez, je pense qu'on va partir sur un design un petit peu plus clair que les murailles habituelles, histoire de rappeler déjà les premiers étages de notre base. Bon, et pour ce faire, il va d'abord me falloir beaucoup de bois. Donc on va partir sur un petit peu de bûcheronnage dans un premier temps. Écoutez, le bûcheronnage c'est clairement l'activité que je préfère le moins, que je préfère le moins évidemment. Même si c'est celle que j'ai fait le plus durant cette aventure, je crois que j'ai rien fait de plus que couper du bois. J'ai fait ça littéralement H24. Et maintenant écoutez, on va partir sur une bonne séance de bûcheronnage comme à l'ancienne, comme tous les jours, j'ai envie de dire. Mais juste avant ça, il va falloir que j'aille un petit peu nourrir mes animaux. Regardez-moi ça, ils commencent à être vraiment nombreux ces moutons. Hop, on va tous les reproduire entre eux histoire d'avoir une belle petite famille multicolore. On nourrit tout le monde. Voilà, mettez -vous Bien. Bon maintenant je peux enfin m'attaquer à aller couper du bois. Ok bon j'ai plus d'un stack de bois malheureusement bah j'ai tout coupé il va falloir attendre que les arbres repoussent c'est la partie un petit peu relou du bûcheronnage on va pas se mentir c'est dommage de pas avoir des arbres en illimité ou encore mieux d'avoir des arbres de sapin au moins comme ça on pourrait farmer très très rapidement une énorme quantité de bois et ça m'éviterait de perdre autant de temps effectivement nous sommes déjà jour 84 et je suis encore là en train de farmer du bois non mais c'est terrible vraiment bon en attendant que les arbres repoussent euh, bah je vais simplement aller farmer un petit peu de cobble étant donné qu'il va m'en falloir en bonne quantité pour construire le mur je n'ai plus du tout de cobble Là, si j'ai quelques stacks quand même mais bon ça va pas suffire. Autant que j'aille en récupérer au moins on sera fixé. Les gars les gars je suis en train de me faire courser par des abeilles. Oh purée j'étais en train de couper du bois et j'ai confondu une bûche avec une ruche. Bon en même temps il y a qu'une seule lettre qui change aussi. Mais bref. Aïe. Oh mon dieu Je me fais attaquer. Ok bon là je suis censé être en sécurité du moins je l'espère. C'est vrai que je viens d'y penser mais entre une bûche et une ruche il y a qu'une seule lettre qui change. En plus de leur apparence qui sont très ressemblantes franchement mourir par des abeilles et puis quoi encore Et puis quoi encore Attendez où est-ce qu'elles sont euh, je ne les aperçois pas encore pour le moment peuvent littéralement me... Oh il y a un villageois là-bas qui s'est enfui, on dirait. C'est vrai que là, quand même, comme vous pouvez le voir, on a quand même accès à une bonne bonne partie du village. Ça fait quelques jours là que je ne suis pas monté ici pour voir à peu près toute la zone, comment ça a grandi. Mais c'est vrai que là, on est plutôt pas mal. On a accès à plusieurs maisons. D'ailleurs, il y a même un villageois qui se balade par là. Je ne sais pas où il est parti. Il est sûrement parti dormir. Je vais aller dormir et je pense qu'on va enfin pouvoir s'attaquer à la muraille devant notre base. Ok, bon, au total, j'ai deux stacks de bois. Ouais, ça sera pas terrible. Hein. Je ne sais pas du tout si ça va être suffisant. Hop, comme je vous l'ai dit, il va falloir qu'on se crée un petit chemin qui va faire toute la longueur. Juste ici. Jusqu'à là-bas et jusqu'à là-bas, ce qui nous permettra donc de pouvoir y instaurer le mur. Bon, le squelette complètement fou, aïe, meurs Le chemin, je vais donc le faire s'étendre jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à la fin des champs, ça m'a l'air plutôt pas mal. Comme ça, ou au pire, on pourrait peut-être même l'agrandir. En vrai, j'en sais trop rien. Je sais pas ce qu'on va faire. Je pense que je vais quand même terraformer ici, histoire de faire euh, la continuité du mur. Hop. Je vais bien le faire aller jusqu'au bout, comme ceci. Après, bah, il va simplement falloir terraformer juste devant. Et d'ailleurs, euh, bah, j'ai l'impression qu'il va me falloir un petit peu plus de deep slate. Et effectivement, il va m'en falloir beaucoup plus parce que là, je suis complètement à sec et je suis loin d'avoir fini tout le chemin. Ok, j'ai encore quelques stacks juste ici. Ça devrait faire l'affaire, j'imagine. Voilà, parfait. Bah, il va me manquer maintenant plus que à terraformer ce côté-ci. Et après, on va enfin pouvoir s'attaquer au mur. Ok, comme ça, on est bon. hop là, exactement comme ceci bon bah je pense que maintenant je vais simplement élever le mur en totalité et on rajoutera les détails après, tout ce qui est bûches de bois barrière, etc etc, mais dans un premier temps je vais m'attaquer à toute la base du mur, il va donc falloir que je le surélève entièrement ok bon comme ça, ça m'a l'air pas trop mal à vrai dire, regardez moi ça, ça fait plutôt propre j'aime beaucoup ce que ça donne, bon après évidemment sur les côtés, si on se met à tout terraformer on n'aura jamais fini, il va falloir partir sur 200-300 jours, donc je pense que ça pour l'instant ça fera l'affaire, écoutez de toute façon je pense qu'on a très très bien aménagé pour tout ce qu'on a fait depuis depuis le début de l'aventure maintenant il va falloir installer les bûches donc euh, je pense que je vais tout simplement, mettre déjà des bûches dans le coin comme ça. Et après, je vais faire, je pense, tous les 5 blocs. Au moins, comme ça, ça me permettra de pas utiliser trop de bûches. Voilà, je pense que tous les 5 blocs, ça m'a l'air pas mal du tout. Ok, parfait. Bon, c'est juste dommage parce que ici, à la limite, du coup, il y aura que 3 blocs d'écart. Il n'y en aura pas 5. Maintenant, je vais essayer de tout surélever. J'espère que j'aurai assez de bois. Bon, à mon avis, j'en aurai clairement pas assez. Il va falloir que j'aille en rechercher. Parce que là, ça fait quand même des hautes bûches de bois. Ok, bon, finalement, j'ai eu assez de bûches. Ça fera largement l'affaire sur toute la longueur. Il va donc falloir maintenant rajouter un petit peu plus de décoration parce qu'on va pas laisser ça comme ça. Et euh, j'aimerais bien, je pense, avoir de l'andésite. Ça rendrait plutôt pas mal, vous savez, comme ici, là, regardez-moi ça, ces escaliers d'andésite qui ressortent super bien. Ils font un très beau contraste avec la cobble. Je vais donc essayer d'en mettre un peu partout ici, des escaliers d'andésite pour que ça ressorte bien. Mais bon, comme vous vous en doutez, Bah il va falloir que j'aille en chercher. Hein Écoutez, parce que dans la vie, on n'a jamais rien sans rien. Et Minecraft ne déroge pas à la règle, effectivement. Et effectivement, je n'en ai pas davantage. Bon, je vais aller en chercher, je reviens. Ok, re. Bon, c'était pas très long finalement. J'ai pu en récupérer énormément. Regardez-moi ça, j'ai quasiment 4 stacks dans des hits. C'est incroyable. Euh, du coup, je vais tout transformer euh, la majorité en escalier. Voilà, parfait. Et je vais du coup les placer sur toute la longueur. Hop, et par-dessus, je pense qu'on rajoutera simplement des barrières. En fait, je pars quasiment sur le même design que j'ai fait ici. Hein. À peu de choses près, c'est quasiment la même chose. Voilà, comme ça, c'est parfait. Bon, attendez, moi je vais juste aller dormir parce que je suis un peu heureux. Effectivement, il fait nuit, il n'y a aucune lumière. Euh, les mobs peuvent spawner absolument n'importe quand si vous voulez voir des gens courageux c'est pas ici bref de toute façon si vous êtes resté jusqu'au là de la vidéo c'est que vous aimez bien au final je pense que ça ne vous dérange pas trop que je dorme chaque nuit et que j'évite les combats si ça vous dérangeait vraiment je pense que vous ne seriez déjà plus là depuis très longtemps alors il me reste un petit peu de bois comme vous pouvez le voir dans mon inventaire il me reste un petit peu de barrière par ici euh, je vais récupérer à peu près tout le bois que je peux avoir à ma disposition qu'on mettra ensuite directement sur la construction en plus regardez moi ça nos champs commencent à pousser énormément c'est magnifique c'est exactement ce que j'imaginais pour le devant de notre royaume. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas grandiose? Honnêtement, ça l'est. Totalement même. Alors bon, où est-ce que j'en étais Je pense, dans un premier temps, que je vais faire tac, je vais mettre des petites trappes sur chaque morceau de bois, histoire de donner du relief et du détail. Et je vais simplement finir, je pense, par poser des barrières tout le long. Normalement, je devrais en avoir assez, je l'espère, du moins. Hop là, parfait euh, Bon, par contre, il y a juste ça, du coup, euh, est-ce que ça serait pas mieux que j'enlève cette petite couche de cobble là Que je l'enlève ou alors que je la décore d'une quelconque manière Non, vous savez quoi Je pense que je vais l'enlever et je vais la remplacer par des escaliers en andésite. Bon, moi, ça, au moins, ça. Ça donnera du relief à la structure. Ça sera plutôt pas mal. Donc je vais essayer de faire ça. On va voir ce que ça va donner. Hop là, un truc comme ça. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Nickel. Regardez-moi ça. Ça rend super bien. On dirait un petit trottoir. Oh non, franchement, les gars. Franchement, j'ai super géré. Là, vous pouvez pas dire le contraire. J'ai géré à la mort. On peut directement monter sur le mur comme ceci. Et ça fait un petit effet de trottoir. Regardez, imaginons que je fasse ça de l'autre côté. Là, on dirait littéralement une route. Une route du 21ème siècle. En plein milieu de Dubaï. Bref, trêve de mondanité. On va essayer d'aller voir ce que ça donne depuis l'extérieur. Et. Oh là 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 là, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est grandiose. Regardez-moi ce château incroyable, ça c'est du royaume de compétition, ça. Bon du coup je pense que pour la muraille de l'extérieur de notre royaume, on est plutôt pas mal, on n'a pas besoin d'agrandir davantage. Ça fait un moitié barrage, regardez-moi ça, ça fait barrage muraille, ça fait absolument tout, c'est multifonction, absolument comme B21, B21 est multifonction, je sais absolument tout faire sur le jeu. Bon, bah maintenant que ça c'est fait, on va enfin pouvoir s'attaquer à autre chose. Dans un premier temps, je vais essayer d'aller voir un petit peu mes animaux, il va falloir que je les reproduise davantage et je pense que pour ce faire je vais aller casser ces petites bottes de foin là ça m'évite de récolter mes champs et de me prendre la tête à tout replanter à chaque fois je vais donc aller reproduire toute ma famille de moutons regardez moi ça incroyablissime bon là je pense qu'il faudrait quand même que je commence un peu à les splitter à séparer les bleus des jaunes des violets euh, parce que là ça commence à être un petit peu le bordel malheureusement en fait euh, je sais pas si je vais pouvoir les sortir vraiment un par un regardez moi ça hop ok là j'en ai sorti deux bleus ok parfait allez suivez moi les amis suivez moi suivez moi malheureusement le jaune euh, sa place n'est pas ici fermez les yeux les enfants oui, je viens de faire un acte horrible, horrible. Vous pouvez vous en prendre à moi dans les commentaires si vous voulez, mais ce n'est pas mon problème. Ici, nous cherchons juste l'efficacité. Euh, de toute façon, je vous aurais sûrement coupé au montage. Voilà, le mouton a disparu, euh, il s'est envolé vers d'autres cieux, tel la Team Rocket et vous n'avez pas plus de questions à me poser. Hop, euh, juste avant, je vais ranger tout mon inventaire. Voilà, j'ai trop de bordel et euh, juste voilà, parfait. J'ai des petites fleurs rouges. On va donc pouvoir colorer deux moutons en moutons rouges. C'est parfait. OK, alors venez là. Non, 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 non. Non. Ferme la porte, non Oh mon dieu, mais ils sont complètement bêtes. Ok, alors attendez. Hop, on ferme la porte. Voilà, parfait. Ok, donc tous les bleus, ils sont là déjà. Il va donc falloir que je les ramène ici, ceux-là. On peut donc refermer le violet. Ça dégage. Parfait. Et les bleus, il y en a un qui va dégager. Et vous, vous allez devenir des moutons rouges. Oh, Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas complètement bizarre des moutons rouges Bon, ils peuvent pas encore se reproduire entre eux pour le moment. Il va donc falloir patienter un petit peu. Et donc la dernière couleur qu'il me faut, c'est euh, les jaunes que je dois ramener juste ici. Alors je vais essayer de ramener deux moutons jaunes. Attendez, déjà, il va falloir que je tue tous les bleus. Alors tous les bleus qui traînent ici, ça va dégager. Ok c'est bon j'ai réussi à en avoir deux jaunes Je vais les ramener du coup euh, juste ici Venez là les amis Ok venez par ici Ok parfait Juste le violet ça dégage Regardez-moi ça, ça m'a fait un beau petit stock de nourriture. En plus, j'ai 34 viandes de mouton, c'est plutôt cool. Je vais essayer de me faire juste simplement quelques morceaux de charbon histoire de pouvoir tout faire cuire. Ah, mais là, je pense que niveau nourriture, on est pas mal. On va enfin pouvoir manger de la viande après quasiment 90 jours de jeu. Je n'ai mangé que du pain. Et on va se mettre bien. Bientôt, on va se faire des bonnes petites côtelettes d'agneau. Et ici, je vois qu'un mouton jaune a survécu, donc ça dégage. Bon, maintenant, du coup, nous avons nos quatre moutons de couleurs différentes dans chacun de leurs enclos. Et du coup, l'objectif maintenant, ça va être de les reproduire à mort histoire qu'ils remplissent intégralement leur zone et ça se Parfait écouter, on n'en demande pas plus. Bon, maintenant que ça c'est fait. On est enfin débarrassé de ça, c'est plutôt cool. Bon, allons voir nos amis les villageois. Est-ce qu'ils se sont bien reproduits dans leur nouvelle maison? Normalement, je pense qu'ils se sont pas mal reproduits. Ah oui. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a même euh, oula. Même toi, je sais pas ce qu'il fout là, celui-là. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces villageois Je vous avoue qu'on n'a plus grand chose à faire avec les villageois, à vrai dire. Étant donné que nous avons déjà ces énergumènes-là qui nous servent très très bien. Étant donné que bah il nous manquerait peut-être juste un pantalon en diamant, écoutez. Euh, Est-ce qu'on se ferait pas ça? C'est lui, hein, je crois. Il me semble que c'est lui l'armurier. Voilà, parfait. Mais pour ce faire, il va nous falloir un petit peu d'émeraude. Aïe, euh, c'est ça qui est chiant, je vous avoue, j'ai pas envie d'aller farmer du bois pour farmer du bois en fait c'est surtout ça quitte à farmer du bois autant que je fasse des bulles avec moi je cherche pas l'excellence je cherche la magnificence voilà ça c'est mon ça c'est mon slogan les gars. Bon attendez, je vais essayer d'aller faire un petit tour au village qui a là-bas. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes qui se sont découvertes grâce à l'agrandissement de la parrière. Euh, je vais essayer d'aller voir, on pourra essayer de visiter un petit peu toutes les maisons en utilisant d'ailleurs notre magnifique chemin. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que j'aime quand c'est bien ordonné et pas quand il y a des murs de terre dégueulasses comme ça. Dans le jargon, on appelle ça de la merde. Je vais en faire un petit escalier stylé. Hop Voilà, parfait. Là, c'est déjà quand même bien plus agréable de circuler. Alors attendez, dans cette maison, il n'y avait rien. Dans cette maison, je vais voir s'il y avait pas quelque chose d'intéressant, peut-être une table de métier. Ici, est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs intéressants à récupérer par là Alors ici, nous avons accès à un mine shaft du coup, mais je pense pas que ce soit très utile d'y aller, à vrai dire. Donc je pense que pour le moment, on va snober ça, et d'ailleurs, on va le snober intégralement. Je compte pas y aller, les amis. Ici, un lit jaune, allez, pourquoi pas, je récupère, c'est gratuit. Ici, oh, un coffre. Du papier, ok. Oh, attendez, oh, attendez. Avec du papier, je vais pouvoir me faire, je pense, un livre, non? Et qui dit livre dit bibliothèque? Qui dit bibliothèque dit table d'enchantement? On va pouvoir essayer, peut-être, pourquoi pas, de s'enchanter avant la fin des 100 jours. Ça serait plutôt pas mal. D'ailleurs, attendez, il faut que j'équipe mon pantalon. Voilà, je me sentais un petit peu les fesses à l'air. Euh, attendez, d'ailleurs, ici, on va essayer de rendre un petit peu plus stylé l'endroit. Je vais me confectionner un chemin, hop, qui va aller directement jusqu'au truc des villageois. Voilà, parfait. Je vais également faire un autre chemin, hop, qui va mener directement jusqu'ici. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Voilà, parfait. Tout est bien relié, tout est bien agencé. Exactement comme j'aime. En plus, ça fait super naturel. Je sais pas tout ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Là, on dirait vraiment que nous sommes dans une ferme. Bon, et je pense que comme on va bientôt entrer dans les dix derniers jours de cette aventure, il va falloir s'attaquer au projet finaux. Évidemment, parce que là, c'est bientôt terminé. Ouais, je sais. Vous avez pas envie que ça se termine Vous avez envie de passer plus de temps avec moi, c'est ça Ouais, ah, je sais. Moi aussi, non. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je vais finir l'aventure. Moi, j'ai des objectifs clairs en tête, les amis. Je n'ai pas le temps de tergiverser. Et le projet principal que je vous ai dit tout à l'heure, c'était tout simplement de. Et je pense que eux. Oh mon dieu, qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est que ça Oh, oh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Qu'est-ce que. Oh là oh là! Oh là 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 là! Oh là là! Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer, les gars? Oh, il vient de se faire attaquer par la foudre! Il n'y a pas du tout moyen que je descende! Regardez ça! Une armée de squelettes, euh, chevaux, squelettes euh, de la mort! Bon, je pense qu'il va falloir. Euh, il va falloir aller les attaquer, les amis! Je pense qu'il va falloir prendre son courage à deux mains et aller affronter ces monstres sans pitié qui ont osé pénétrer mes terres! J'ai une épée en fer qui est déjà presque pétée, ok? Nickel! Bon, bah écoutez, on va simplement aller se battre avec euh, une épée en pierre, tel un homme de Cro-Magnon. Voilà, j'ai. J'ai que ça pour me défendre. Évidemment, je vais m'équiper de mon valeureux arc. Alors, malgré euh, le peu de flèches que j'ai, je pense que je vais quand même pouvoir les affronter avec ça. Oh là, il fait nuit, c'est mort. Écoutez, euh, <laughs> c'est mort, je vais dormir. Je ne sortirai pas la nuit avec ces monstres assoiffés de sang. Ok, let's go. Il fait jour, on peut aller les affronter. Où sont-ils Où sont-ils Oh mon dieu, ils sont là. Ils sont juste ici. Meurs Attendez, mon bouclier, il est où Il est là. Ok. Ok. Meurs Ok, parfait. Maintenant, c'est à vous, bande de fous. Oh j'ai pris super cher. Oh mon dieu. Non 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 non. Oh ils sont beaucoup trop puissants. Ils sont beaucoup trop puissants pour moi. Ok là j'en ai un tiré un. Allez, viens là mon pote. Rapproche-toi. Ok, il se rapproche, il se rapproche. Il se rapproche. Il est juste là. On peut y aller. On peut y aller. Ok. Il est mort. Ok, et il reste un dernier mec. Il est juste là-bas. Toi, viens là mon pote. Oh, il a quasiment mon bouclier. Meurs Meurs oh. Ok. On les a complètement terrassés. Même si je suis recouvert de flèches. J'en ai une dans la tempe, une dans l'épaule, une dans l'avant-bras. Ah C'est douloureux. Je rigole évidemment, c'est pas douloureux. On est dans Minecraft, les amis. Toi, hop, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. Je pense qu'il faudrait que je les tue parce que si la foudre les frappe encore, et ben ils vont tout simplement se démultiplier. Du coup, ça dégage. D'ailleurs, ça fait un bruit de merde hein, quand ça meurt. Ça, bon, comme vous pouvez vous en douter, on va rentrer bientôt dans les 10 derniers jours de cette aventure. Il va donc falloir se trouver des derniers projets à concrétiser avant la fin des 100 jours. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller dans l'End vu que bah, tout simplement le portail de l'End ne, ne se trouve très certainement pas en dessous de moi. Donc, je pense que l'End, déjà, c'est quelque chose sur lequel on pourra mettre une croix. Donc, forcément, je pense qu'il va falloir partir sur un nouveau build, même plusieurs nouveaux builds. Écoutez, on a 10 jours, franchement, on pourrait faire des choses sympathiques. Aujourd'hui, ça va être un jour tranquille. Vous savez quoi Petite pause, on va faire une petite pause. On va tout simplement récolter nos qui sont absolument magnifiques. Je vais les récolter pour la dernière fois. Regardez-moi ça, ils sont gigantesques, méchants. En vrai, je vais récolter que ce côté. Ok, voilà. Je vais récolter que cette ligne là que je suis en train de faire. Ça sert à rien d'en faire plus. De toute façon, j'en aurai beaucoup trop. Et puis c'est beaucoup plus esthétique comme ça. Ok, bon, je pense que ça suffira pour le moment. On fait quand même deux stacks de blé. C'est plutôt pas mal. On va pouvoir se confectionner pas mal de pain. Voilà, une cinquantaine de pains, c'est parfait. Bon, maintenant que nous sommes parés il va donc falloir maintenant récupérer un max de bois, je pense, parce qu'il va falloir qu'on attaque des dernières constructions. Et euh, je pense que les dernières constructions que nous allons attaquer en cette fin d'aventure je vous avais dit lorsqu'on s'attaquait à la muraille Que je comptais faire des tours derrière ma base C'est à dire juste ici et également juste là Je vous avais parlé de genre de tour de garde Un truc comme ça qu'on pourrait faire juste derrière notre base Ça pourrait rendre super stylé Et du coup je pense que c'est sûrement l'un des derniers projets Que nous allons faire de cette aventure Et pour ce faire évidemment Et il va me falloir énormément énormément de bois Donc, euh, En vrai les haches c'est pas ce qui manque du, du bois Je vais pouvoir en récupérer pas mal Le seul problème c'est combien de temps ça va me prendre pour récupérer tout ça Et c'est pour ça je pense que c'est mieux qu'on s'attaque directement à ça Dans un premier temps On va partir sur une bonne de séance de bûcheronnage, l'idéal serait que je puisse récupérer entre 4 et 6 stacks de bois histoire que je puisse être très large pour la construction des tours. Il me reste plus qu'à aller couper un max de bois dans cette magnifique forêt qui a poussé quasiment intégralement. Bonjour 91. Ça fait deux jours acharnés que je suis en train de farmer des ressources et comme vous pouvez le voir, je m'en sors avec à peu près 6 stacks de cobble, presque 7 et quasiment 4 stacks de bois. Honnêtement, avec des outils en pierre, c'est très très long à farmer. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit, maintenant on va partir sur la construction des deux tours que nous allons faire directement juste derrière notre petite maison de villageois et derrière la grange tout là-bas. Bon, ça sera pas des tours gigantesques, je pense, étant donné que je n'ai pas non plus tous les matériaux du monde. Il va falloir aviser un petit peu et être assez malin. Bon, je vais essayer, hop, déjà dans un premier temps de surélever tout ça. Ok, maintenant il va falloir faire un deuxième étage. Hop, et cette fois-ci, je vais simplement mettre 4 bûches, je pense. Bon, par contre, je vais éviter de me casser les chevilles à chaque fois. Je suis à deux doigts de mourir. Ça serait vraiment bête de mourir à ce moment-ci, et d'une façon aussi bête. On va pas se mentir. Ok, bon, un truc comme ça. Euh... Ok. Ouais, c'est complètement moche, hein, on va pas se mentir. Je pense que les bûches sur les côtés, il faudrait peut-être que je les mette dans le coin ici, au lieu de les mettre au milieu comme ça. Ouais, je vais, je vais changer ça tout de suite. J'ai l'impression d'avoir un syndrome dans ma tête, le syndrome des gros builds. Franchement, j'ai l'impression que je me contente uniquement de gros builds, que ce soit des grandes murailles, que ce soit des grands donjons comme ça, ou même les tours à chaque fois. J'ai envie de faire des tours gigantesques, alors que en vrai faire une petite tour simple, basique, mais bien détaillée, je pense que ça ferait largement l'affaire. Et surtout, ça me permettrait de pouvoir avoir assez de temps pour faire plein de petites constructions. Donc, je pense qu'une tour de cette taille, ça devrait faire l'affaire. On va pas faire plus grand que ça. Euh, bon, du coup, la fondation de la tour est maintenant totalement terminée. Il va falloir donc passer aux décorations. Déjà, je pense que je vais hop relier tout simplement avec du bois dans les coins. Voilà, un truc comme ça, ça devrait faire l'affaire. Et sur les côtés, bah, je pense qu'il va me manquer plus qu'à combler hop, avec de la cobble, comme ceci. Ok, comme ça, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, je vais mettre des barrières tout autour. Au moins, ça nous permettra de pouvoir circuler comme ça. Hop, bon après il va falloir rajouter de la décoration au-dessus. Ça, je le ferai à la fin. D'abord, je vais rajouter tous les détails nécessaires sur la base. Alors sur les côtés, il faudrait peut-être rajouter des barrières comme ça. Ça rend plutôt pas mal. Avec des petits escaliers, tout simplement comme ça. Voilà, et là je pense que la base elle est plutôt bonne. On va rajouter juste des petites échelles, voilà, comme ceci en termes de décoration également. Bon, pour l'instant, c'est pas ouf. On va pas se mentir. Là, j'essaie de rajouter plein de détails, mais il faudrait finir le haut de la tour pour que ça rende vraiment pas mal. Le bas, je pense que pour l'instant, il est plutôt bon. Il va donc falloir maintenant s'attaquer au-dessus après une bonne nuit de sommeil, évidemment. D'ailleurs, tant que je suis. Celui-là, je pense qu'on peut commencer déjà à prendre quelques petits matériaux supplémentaires qui pourraient nous aider pour la construction. Notamment de l'andésite, pourquoi pas de la stone brick, de l'andésite, des trucs comme ça, ça peut être pas mal. Hop, je vais tout récupérer pour finir la construction. Et sur le haut, ça pourrait être pas mal de faire quelque chose... Comme ça avec les escaliers et la cobble juste à côté. Hop, tac. Voilà, juste comme ça. Bah, ça rend pas mal comme ça. En plus, ça nous laisse la liberté du coup de pouvoir circuler sur le haut de la tour. Et maintenant, il va me manquer plus qu'à rajouter le toit. Et le toit, je pense que je vais simplement le faire avec de la cobble, des escaliers en cobble, des escaliers en andésite. Varier les plaisirs, comme on dit, histoire que ça rende super bien. Bon, du coup, voici le résultat final. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hop, ça manque peut-être d'un escalier en endésite comme ça. Voilà, ça, ça fait toute la différence, les amis. Ça, c'est les détails qui font toute la différence. Bon, ceci dit, cette tour est quand même pas mal coûteuse en bois. Elle m'a coûté quasiment 3 stacks de bois. C'est assez terrible. Il va manquer encore énormément de bois à aller chercher pour pouvoir reproduire la même de l'autre côté. Mais bon, autant dire que ça vaut le coup. Regardez-moi ça, c'est magnifique de se balader ici, de voir toutes nos terres, de voir cette vache complètement folle. Donc, je pense que je vais repartir tout simplement couper du bois et reproduire exactement la même tour de l'autre côté. où je vais vous laisser avec un petit time lapse. <music> Et voilà le travail. Bon, en vrai, je suis un petit peu dégoûté parce que cette tour, elle est quand même pas mal enfermée. Hein. Déjà, elle est derrière la grange. Elle est derrière la forêt. On voit quasiment que dalle. Je suis sûr que si on monte au-dessus de notre base, on la verra quasiment pas. Bon, si, quand même, on la voit. Je suis un peu mauvaise langue. On la voit quand même assez bien la tour. Et franchement, elle rend super, super bien. Je me suis très très bien débrouillé. C'est vrai que finalement, partir sur des petits builds plus modestes, mais beaucoup plus détaillés, ça rend franchement beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que si j'avais fait une tour gigantesque qui serait arrivée jusque-là. Ça aurait été sûrement totalement moche dans le décor. Je suis assez fier de ce que j'ai fait finalement. On l'aura fait en 2-3 deux, deux, jours je crois, ça n'aura pas pris beaucoup de temps. J'ai l'impression que d'ailleurs ça prend beaucoup plus de temps de farmer les ressources que de construire vraiment la construction. Mais bon bref, ça nous a donc permis de pouvoir remplir un petit peu plus notre territoire malgré le fait que les tours ne sont pas très visibles de plein pied. Hein, si je me mets par exemple devant ma base là-bas, bah, bah, je me mets en fait juste ici. Hop, on voit plus la tour. Malin B21, malin Bon c'est pas très grave, écoutez. Nous sommes jour 93 les amis, nous approchons à grands pas de la fin de cette aventure et il nous reste quelques objectifs à réaliser qu'on va essayer de faire durant ces 7 derniers jours. Il va falloir reproduire à mort ces moutons. Il me faut une population bien plus grande. Donc j'espère qu'en 7 jours on pourra remplir leur box. Et il va également falloir que je fasse un petit truc. Alors il y a quelques jours normalement j'ai dû récupérer un petit peu d'obsidienne. Voilà parfait. Normalement il me reste des... Di <coughs> Il était censé me rester les diamants si je n'avais pas construit ce casque. Euh... Bon bah d'accord. Ok, l'objectif tombe à l'eau. Vous savez quoi Avec cette obsidienne, on va simplement se créer un petit totem, un totem d'obsidienne qu'on va poser juste à côté de ce mec. Tac, 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 tac. Voilà, parfait. Maintenant, il est complètement enfermé. Il ne pourra plus jamais sortir. Regardez-le, ce mec. Non, tu peux pas m'avoir, mec. Tu ne peux pas m'avoir. Ça fait combien de temps qu'il est prisonnier là Dans les commentaires, essayez de trouver. Ça fait combien de jours exactement qu'il est emprisonné là-dedans C'est un bon petit défi. Ça me permettra de voir ceux qui ont vraiment suivi la vidéo. Euh, bon sur. Mon pote, hop, ça dégage. Moi, je vais aller reproduire mes petits moutons chéris. Hop là, venez là, mes potes, faites des bébés. Voilà, parfait. Bon, écoutez, je pense qu'on va d'ailleurs profiter de ces derniers jours pour explorer un petit peu la barrière. Parce que ça fait quand même pas mal de temps que la barrière s'agrandit de jour en jour, et nous, on est tellement concentrés à build dans notre royaume que nous avons oublié d'explorer les environs. Euh, donc, il est temps d'aller voir, même si bon, je m'attends à rien, à part peut-être dans ce village qu'on a peut-être débloqué d'autres trucs là-dedans. Je crois qu'on n'avait pas accès. Si on avait accès, ok. Alors, si on avait accès, mais je crois qu'il y a d'autres maisons qui sont dispo maintenant. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il énormément de grosses nouveautés à signaler. Attendez juste par là, j'ai l'impression qu'on peut passer. Ok. Oh, oh attendez, c'est stylé là-bas. On va essayer d'aller voir. Oh, Attendez, sympathique cet endroit là. Qu'est-ce que vous en pensez Bon, c'est clairement la grotte qu'on avait vue la dernière fois. Je ne vais pas m'y aventurer pour autant, mais c'est stylé quand même. Et c'est quand même bizarre, hein, les gars. On a trouvé que deux villageois dans le village. Il n'y en a aucun autre qui s'est baladé. Je sais absolument pas où ils sont. Ils ont totalement disparu. En fait, ce village a été peuplé de seulement deux habitants. Autant dire qu'on a eu un petit peu de chance là sur le coup. Imaginez s'il y avait juste eu un seul villageois totalement mort pour nous on n'aurait pas eu cette magnifique armure qui d'ailleurs n'est même pas terminée. il manque encore le pantalon quand j'ai plus besoin de vous vous aimez bien traîner dans la base tu vas mourir mon pote tu vas mourir il fallait venir beaucoup plus tôt non mais ils sont complètement fous ces animaux euh, alors dans ce coin ci ok mouton tu rentres sur mon territoire t'es mort c'est bon voilà je préfère ça dégage ça fait 10 000 ans que je vous attendais vous n'étiez pas fichu de venir ose rentrer dans mon territoire tu vas mourir mon pote en soi il n'y a rien de vraiment intéressant à part ici là nous avons de la neige attendez je peux récupérer de la neige hop avec ma superbe pioche malheureusement il me semble que je n'ai pas de citrouille. Il y en a dans ma base, donc ça risque d'être compliqué. Je vais pas pouvoir faire de bonhomme de neige, par exemple. Euh, on va aviser, on va voir ce qu'on peut faire avec de la neige, pourquoi pas. Hop, je vais essayer d'en récupérer le maximum possible. Ok, bon, du coup, j'en ressors avec euh, quasiment trois stacks de blocs de neige. C'est plutôt pas mal. De toute façon, on va pouvoir se faire même une petite construction. Euh, on verra. Écoutez, euh, pour l'instant, j'ai aucune idée. Je vais aller dormir. Et après, il va falloir que je m'occupe encore une fois de mes moutons de la mort, là. Hop là, venez là, les petits. C'est devenu le nouveau rituel du jour de les nourrir. J'aurais peut-être dû garder le mouton qui était là depuis le début de l'aventure. Vous savez, j'aurais dû le laisser en blanc. Au moins comme ça, on aurait pu le retrouver. Parce que là, clairement. Je ne sais pas du tout où il est, je ne sais même pas de quelle couleur il est. C'est terrible pour lui, il est devenu euh, un random, littéralement. Est devenu euh, il est devenu inconnu au bataillon. Alors que c'était notre plus fidèle mouton. En attendant, euh, moi je vais essayer de trouver quelque chose à faire avec ces blocs de neige. Vous savez quoi Je sais ce que je vais faire, les gars. Je vais construire le logo du Ying et du Yang. Écoutez, je pense que vous avez remarqué que je suis littéralement à court d'idées dorénavant. Donc, euh, n'importe quoi qui me passe par la tête, je vais le faire. Écoutez, ne jugez pas mes constructions. On va faire ça juste ici, je pense. Ça m'a l'air pas mal sur cette petite colline. là J'ai plus beaucoup d'idées, à vrai dire. En fait, les seules idées que j'ai, bah, elles me nécessiteraient de farmer du bois, farmer de la cobble. Et je pense que vous en avez marre que je farme de la cobble, que je farme du bois H24. Il va falloir que je fasse un cercle dans un premier temps. Mon yin yang est totalement pété les gars, c'est quoi cette merde Oh là là mais dans quoi est-ce que je m'embarque Vous voyez les gars c'est ça le problème. En fait quand j'ai plus d'idées, bah j'ai vraiment plus d'idées en fait, je sais pas quoi faire. Là je vous avoue la vidéo elle pourrait se terminer maintenant. Franchement, ça m'arrangerait limite. Bon on va essayer de finir ça, je sais pas trop comment on va faire, à vrai dire. Voilà, à peu près. Oh, en vrai. Oh, attendez. En vrai, c'est. Ouais, en vrai, ça va. Franchement, je pense qu'il y a pire. Je vais essayer de remplir toute la partie euh, blanche déjà pour voir ce que ça donne. Ok, donc ça donnerait un truc comme ça. Euh, il faudrait peut-être un petit peu rétrécir le côté blanc, je pense. Genre rétrécir d'une seule barre comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Ah oh là là, mon dieu, c'est dégueu. Oh là là, c'est terrible. Mais dans quoi est-ce que je me suis embarqué, les gars Il n'y a vraiment personne pour m'empêcher de faire de la merde comme ça. C'est terrible. Heureusement que j'ai fait ça par là. Ça va pas trop euh, empiéter sur le paysage. Donc, attendez. Maintenant il va falloir remplir tout le coin noir comme ça. Alors autant au début j'étais sceptique, autant là je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Hein, je me suis pas mal rattrapé. Bon même si c'est vrai que la courbe arrondie n'est pas folle non plus, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Il va donc on va alors me manquer maintenant faire l'œil ici et faire l'œil de l'autre côté. Donc pour l'œil du côté blanc, je pense que je vais simplement up faire un petit carré noir comme ceci. Voilà, parfait. Et il va falloir faire la même chose en haut avec un petit carré blanc. Et voilà le tra. Oh là là Oh là, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai foutu Mais qu'est-ce que j'ai foutu C'est une honte. C'est une honte. Désolé, euh... désolé les amis. Désolé, c'est une honte incroyable. C'est une honte intersidérale. Comment j'ai pu faire une chose aussi, aussi laide Aïe, 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 Ok, bon, vous savez quoi, on va, va s'en aller. On ne va plus regarder cette chose immonde. Oh là là c'est oh, horrible. oh c'est horrible, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Bon, pour me faire pardonner de cet affront, hop, on va commencer à reproduire tous nos animaux. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la population violette, ça commence à être pas mal, à vrai dire. Bah, comme vous pouvez le voir, là, j'ai même plus assez de blé. Il va falloir que j'aille en rechercher un petit peu. Pour pouvoir tous les nourrir tellement ils sont nombreux. Hop, ok, mangez ça les gars. Jour 97, il me reste donc 3 jours à me faire chier. Et ouais les gars, écoutez, euh, là j'ai plus aucune idée de quoi faire. En fait, n'importe quel build que j'essaierai de commencer, bah je ne le finirai pas avant les 100 jours. Vu que moi dans ma tête je pars uniquement sur des gros builds, il n'y a absolument aucun build que je pourrais commencer maintenant et que je finirai dans les temps. Donc euh, écoutez, on va improviser, hein, on va se balader dans nos terres. Heureusement qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais de toute façon on a quand même réussi à accomplir pas mal de choses. Regardez, on va taper ce mec. Tellement j'ai rien à faire de ma vie, tellement je galère. Je suis là en train de détruire un golem à main nue. Bon, regardez moi cette force. Il m'a mis une finto. Oh là là, attendez, attendez, attendez. Oh, attendez, attendez. T'es pas censé pouvoir me frapper, mon pote. Ok, je vais essayer de rester un petit peu plus loin. Voilà, parfait. C'est moi le boss ici. Bon d'ailleurs, j'espère que la vidéo vous plaît quand même, les gars, parce que c'est vrai que là, je me fais quand même un petit peu chier. Les derniers jours de cette aventure vont être un petit peu nuls, on va pas se mentir. Euh, d'ailleurs, c'est, je pense que c'est la première fois qu'un youtuber assume pleinement qu'il se fait chier euh, sur Minecraft. Ah purée, j'ai plus d'idées, je sais plus quoi faire là. J'ai absolument rien. Je suis en train d'attendre que ces énergumènes aient envie de se reproduire. Mais sinon, à part ça, euh, je pourrais à la limite aller récolter ça, mais bon, ça me mettrait trois jours, donc euh, ça serait pas très marrant. On peut aussi également euh, tout simplement discuter, comme je suis en train de le faire euh, actuellement. Même si c'est vrai que c'est pas très intéressant. Je pense que la majorité d'entre vous ont de toute façon déjà quitté la vidéo à l'heure qu'il est. Donc, les privilégiés sont ceux qui verront les dernières minutes de cette vidéo, effectivement. Mais bon, il va quand même falloir que je trouve quelque chose à faire durant ces trois derniers jours. On va pas, on... On va pas rester là à se tourner les pouces, alors que notre royaume ne demande qu'une chose c'est d'être amélioré. Vous savez quoi Écoutez, je vais essayer d'aller récupérer encore un petit peu plus de blé parce que euh, les moutons, ils commencent à consommer pas mal. Je pense que je dois en avoir peut-être une centaine, là, je dirais. Ça commence à être vraiment pas mal et j'ai quasiment plus de blé dans mes coffres. Donc, bon, je pense que simplement ces derniers jours, on va les passer à faire de la agriculture hein écouter euh, l'agriculture, euh, nourrir nos animaux prendre soin de nos terres quoi allez venez là les potes OK je pense que les violets je vais bientôt pouvoir commencer à arrêter de les nourrir parce qu'ils commencent à être vraiment beaucoup par contre regardez-moi ça ils sont en train de me bouffer tout mon blé littéralement et je crois que j'ai même pas encore fini de tous les nourrir c'est ça le pire en vrai j'ai dit que je me faisais chier les gars mais je suis un petit peu mauvaise langue hein. comme vous pouvez le voir en vrai ma base elle est loin d'être totalement décorée donc je pense qu'on va simplement finir ce 100 jours en décorant tout l'intérieur de ma base j'ai le rez-de-chaussée j'ai le premier étage et j'ai le deuxième étage en guise de toit hein petit peu. Je pense pas que celui-ci, on va le décorer, par contre. On fera peut-être simplement des escaliers, vous savez, mais je pense pas qu'on va le décorer entièrement. Mais, euh, dans tous les cas, on a encore du boulot à faire dans la maison. Alors, dans un premier temps, il va falloir refaire totalement l'escalier. Je pense que ma chambre, on va la laisser ici. Je vais également laisser les coffres ici. Euh, simplement, il va falloir, bah voilà, tout simplement, déjà, euh, enlever la carcasse de notre lapinou. Ok. Oh, d'accord, le lapinou, il est vite. Pourquoi pas Et on va remplacer ça tout simplement par des escaliers, histoire que ça rentre quand même bien mieux. Et là... On monte comme ceci. Parfait, ça fait déjà bien plus propre. Bon, juste attendez, il va falloir, hop, pouvoir faire ça comme ceci. Et comme ça, ça rend déjà bien mieux. On va remettre simplement le cadre avec la carcasse de notre lapin. Ensuite, il va donc falloir couvrir le toit. Il va me falloir donc des dalles. Que littéralement, je vis dans une maison qui n'a pas de plafond. C'est terrible. Voilà, parfait. Bon maintenant il va falloir s'occuper du deuxième escalier. Donc je vais d'abord m'occuper de péter cette merde là pour pouvoir refaire ça correctement. Et euh, bah, je pense que je vais simplement repartir sur un escalier dans la continuité de celui-ci. Ici il faudrait donc faire une entrée. Hop, une petite entrée juste ici comme ça. Parfait avec l'escalier qui commencerait donc à partir de là. Bon par contre je sais pas du tout si ça va me permettre de pouvoir monter tout en haut. Je sais pas si ça sera assez raide. Il va sûrement falloir faire un petit virage. Ok comme ça c'est déjà bien plus propre. Regardez-moi ça. Ça c'est des escaliers dignes de ce nom. Ça c'est des escaliers. D'un château. Pas des blocs tout pourris là que j'ai posé euh, comme du n'importe quoi. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est professionnel ça? Est-ce que c'est professionnel? Je ne crois pas. Il va donc falloir que je refasse un escalier. Et à l'instar de celui que je viens de faire, je vais le confectionner simplement dans la continuité de celui-ci. Et voilà. Ok, bon, j'ai fini du coup tout l'escalier. Je vais pouvoir péter celui-ci. Bon, après, je reconnais qu'on n'est pas non plus sur les escaliers du siècle. Hein. C'est n'importe quoi. <laughs> c'est littéralement n'importe quoi. Mais bon, ça fera déjà bien plus l'affaire. Et c'est beaucoup plus facile de monter. Regardez-moi ça. Oh, mais c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau? Oh, quelle grâce de pouvoir monter aussi facilement. Regardez-moi ça, tous nos moutons, par contre, ils commencent à se mettre vraiment bien. Tac, tac, tac. Ok, donc en vrai, les jaunes, je pense que ça devrait être bon d'ici peu de temps. Bon, de toute façon, il nous reste plus énormément de temps. Il nous reste aujourd'hui et demain, clairement. Euh, nos jours sont comptés. Il ne reste plus que deux jours d'aventure. Donc euh, vous aussi, euh, derrière vos écrans, profitez bien. Si vous êtes là, c'est que vous m'appréciez un minimum. Vous ne pouvez pas mentir. Je vous vois. Bon, euh, est-ce qu'on va devant notre château Non. Non, j'ai pas envie de contempler cette chose horrible. Donc, euh, on va éviter d'aller devant notre château. Non, en vrai, il faut que j'y aille parce que regardez-moi ça le pont que j'ai construit juste ici, le genre de barrage, bah, il n'est pas du tout éclairé et j'ai peur que des mobs spawnent dessus. Donc, je vais simplement mettre des torches un petit peu partout. Hop, en plein milieu des barrières, comme ceci. Et d'ailleurs, regardez, les amis. Nous assistons donc au dernier coucher de soleil de cette aventure. Je propose en cette fin d'aventure de faire un petit tour des propriétaires en cette nuit magnifique clôturera cette aventure, cette magnifique aventure qui aura duré euh, oulala. Beau petit moment. Je pense qu'il est temps de la clôturer de la meilleure des manières en faisant un petit world tour et également en vous remerciant dans un même temps euh, toi dégage mon pote. Qu'est-ce que tu fais là Vous êtes deux Non, franchement, je vous aime bien les gars. Franchement les gars, c'est la famille et tout. On est là. Hein bon, euh, écoutez-moi, ils sont complètement fous ces mecs derrière. Nous avons accompli pas mal de choses en 100 jours. C'est un petit peu dommage que je n'ai pas eu assez d'objectifs, notamment pour l'Ender ou encore plus pour le nether. Je n'ai pas eu euh, toutes les ressources nécessaires pour accomplir un maximum d'objectifs, ce qui est un petit peu dommage à vrai dire. Je me suis contenté uniquement de faire des builds durant cette aventure, même si franchement je suis assez fier de ce que j'ai fait. Hein. Je ne crache pas du tout sur tout ce que j'ai fait. Je suis très fier, effectivement. Malheureusement, je ne sais pas si c'est des objectifs qui plaisent à tout le monde, évidemment. Euh, surtout euh, cette daube. Regardez-moi ça, c'est de la merde. Hein. Je, je je suis pas très doué pour ce genre de build. Nous avons un magnifique champ, nous avons un magnifique barrage, une magnifique base, une énorme muraille. Enfin bref on aura accompli énormément de choses en 100 jours Et on aura même un prisonnier de guerre que nous allons donc achever En ce jour 99 Tu vas mourir Tu vas mourir j'ai dit Oh mince Oula là. Oula là Oula là. je vais Non Oh non 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 un raid Oh non je vais dormir Ok bonne nuit allez Oh là là, non, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ce qui est en train de se passer. Je suis complètement débile. C'est pas grave, nous sommes au jour 100. Eh oui, euh, j'aurais survécu 100 jours du coup. Je sais pas si j'aurais survécu 101 jours par contre. Euh, le raid m'aurait sûrement dégommé, hein. euh, sans aucun doute. Je me serais fait exploser par le raid. Mais bon, l'objectif c'était de survivre 100 jours, pas 101. Regardez en plus, ils ont spawné où Ils ont spawné dans mes champs. Oh, ils sont complètement fous. Ah bah, il est tombé dans le bateau. Lui, c'est l'imbécile originel. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo et que cette aventure vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de partager. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, marquez Rituel du jour 21 en commentaire. Au comme ça, je saurai ceux qui ont regardé en entier la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de partager. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et on va se quitter sur un petit MLG que j'espère de tout mon cœur réussir. Allez, à plus les mecs. Ciao. Je suis le Goat.